Bonjour à toutes et à tous, ici Place, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie de Jim Parks. On s'est pas changé du tout hier, on est, resté, euh, on est resté comme ça tout le long, alors que c'est la tenue off-road. Mais ceci dit... Eh ben ceci dit, euh, Eliana est pas là aujourd'hui, et du coup j'y avais pas pensé, mais je pourrais pas prendre mon véhicule qui se trouve dans son garage. Du coup... Euh, on va prendre en espérant qu'il y en ait. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Black Burger. Si. On va prendre quelques Black Burger. On va prendre quelques Black Zero. Parce qu'on ne pourra plus re rentrer. On va vérifier aussi au euh, niveau Médoc. Euh, oui au ouais, niveau Médoc, on n'est pas bon du tout. J'ai pas de mouchoir. Je vais prendre des mouchoirs. Et après, on va euh, redescendre à pied jusqu'à la villa euh, Pour prendre euh, la moto. Et puis on se déplacera en... On se déplacera en F400, tant pis. Hein. Et bonjour Lily, bonjour Taïr, et comment allez-vous euh, Alors, j'ai vu un truc là, non En descendant très vite. Peut-être la superposition de ces deux-là, j'ai cru voir un pistolet. Ce qui était bizarre à cet endroit-là. Euh, mouchoir, 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 mouchoir. Alors, on n'a pas beaucoup. Hein. Tant pis, on va en prendre, on va prendre 4 quand même. Euh, et puis, euh, et puis on, on refera un stock de toute façon. Ça va à peu près. <laughs> et toi Et bah, ben, ça va nickel. J'ai pas eu de message de Val non plus. Donc, elle n'a pas dû passer. Euh, ce qui m'arrange pas des masses. Euh, J'aimerais bien la voir avant de déménager. Alors bon ça va, ça fait 24 heures. Ça fait même moins de 24 heures qu'elle a eu son message. Euh, C'est pas. Le seul truc un peu dommage avec cette ville là par rapport à tous mes critères de. Non, il y, y a deux trucs dommages, mais un, un des trucs dommages euh, dans les critères euh, qui me fait penser que c'est une bonne ville là, et une ville euh, là parfaite, on va dire même, parce que bon, tu peux être une bonne ville là sans, sans avoir tous les critères, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se garer là. Et on l'a vu euh, notamment, alors il y a quand même un peu de place, il y en a où c'est pire. Il hein. y en a où il y a la place de mettre juste une voiture, et encore, il y en a même où il y a la place de mettre une voiture qui dépasse sur la route. Euh. Là, il y a quand même la place de mettre deux, trois voitures en serrant bien. S'il y a des motos, on peut même les rentrer ici euh, éventuellement, euh, voire des pantos, mais bon, c'est un peu abusé. Euh... Mais il y a pas énormément de place. C'est le premier truc dommage de la de la villa. Euh, Qu'est-ce que je fais? Euh, deuxième truc dommage de la villa, c'est super pas accessible. Ça, c'est le. Enfin, alors il y a ce chemin là, de monter, 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 monter et redescendre ici mais euh, voilà il y a pas à part euh, ici ou là il euh, y a pas vraiment pire quoi et encore là on peut monter comme ça bref c'est pas euh, pas hyper accessible euh, mais c'est pas très grave euh, il faut que j'aille là ah oh, c'est pas à côté hein. on va remonter je pense qu'en vrai vaut mieux que je remonte et que je redescende que de descendre ici parce que oh pff, quoi qu'à pied on va regarder un truc. On va voir si je peux couper. Parce que le truc c'est que selon la. <laughs> selon le, le GPS, selon la carte. Euh, c'est vrai qu'elle est bien cette piscine quand même. J'avoue que la piscine, par contre, elle claque. A un charme, je trouve, supplémentaire aux, aux piscines. Je pense que c'est parce qu'elle est au bord du. du bord du coup. Euh, si je descends là, ça fait quoi Bah déjà c'est hyper abrupt. Un quoi est-ce que c'est la gueule en vrai, euh, Ah c'est peut-être envisageable par ici. C'est un peu abrupt, mais c'est peut-être envisageable. On va passer par. Ouah, c'est hyper abrupt en fait. Euh, C'était pas une bonne idée, finalement. Voilà, je vous le dis. Je vais continuer dans mon idée jusqu'au bout, mais c'était pas une bonne idée. C'était pas du tout une bonne idée. Par contre, je m'attendais vraiment pas à. Ah j'ai plus de tête. Je m'attendais vraiment pas à... Eh pourquoi il se relève pas Relève-toi. Mais quel boulet On va se mettre comme ça. Et puis on va appeler euh, les médecins. Euh... Il a glissé sur rien Je pense que c'est la neige parce que vraiment euh, c'était pas plus pendu qu'un mètre avant. Est-ce que c'est ouvert déjà C'est ouvert. J'allais mettre un SPD encore mais c'est terrible ça, ces vieilles habitudes qui partent jamais. Euh, bonjour. J'aurais besoin d'une assistance médicale. J'ai mal. <laughs> Attendez. Euh, bonjour. On va, faire, on va faire comme si on avait du mal à taper quand même un petit peu au, au téléphone. On... Joyre. On va essayer de simuler euh, des gros doigts. <laughs> euh, sans rendre le message complètement incompréhensible. Jora, On oublie le i. Alors, ça servait à ça, la tenue off-road, de faire de la luge sans luge. Fallait y penser. <laughs> Bonjour. Ah, on va voir. Hein. Je vais essayer des trucs. Puis si ça, si à, à la lecture ça, ça, ça rend rien. Une assistante. On va bien écrire médical. Bonjour. J'aurai besoin d'une assistante médicale. Je pense que c'est relativement clair. Enfin, clair, clair. Je ne sais pas. Mais compréhensible. C'est relativement compréhensible. Allez hop, ça ira comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est que je suis couché derrière un muret. Donc, il y a un monde où l'ambulance passe sans me voir. Et comme c'est dans les villas. Ils peuvent se dire, ah bah le point est sûrement mal indiqué. Ça claque, non Est-ce que ça claque pas quand même vu d'ici C'est la villa ça de, de Ellie qu'il va falloir que j'appelle notre villa. Sinon elle va se, elle va se, fâcher, se fâcher tout rouge. Mais euh, ça claque quand même vu d'en dessous. Moi je pense qu'on rajoute un, un S géant et ça donne une villa de Tony Stark. J'aurais peut-être dû mettre mon casque avant de descendre la. la... En vrai, quand j'ai commencé à glisser, j'ai hésité à mettre mon casque. En me disant euh, que ça me protégerait peut-être la tête. <laughs> Mais bon, mettre un casque pendant qu'on tombe, c'est pas hyper évident. Déjà mettre un casque euh, quand on tombe pas, des fois c'est pas évident. J'aurais pu envoyer help aussi. J'ai hésité à envoyer juste sos comme si c'était un message. Il y a des messages préenregistrés sur des, sur des téléphones qui permettent de contacter les urgences, ce genre de choses. Ou alors j'aurais pu mettre euh, un patient à envoyer un message d'urgence depuis son téléphone ici. Ça aurait été rigolo aussi ça. Le propriétaire de ce téléphone a envoyé un message d'urgence. Propriétaire de ce téléphone a besoin d'assistance médicale. Au revoir. <laughs> il essaye de trouver un endroit où se garer le pauvre, il est super loin du coup. Bonjour monsieur. Et bonjour oui. et bonjour. Oui. Oui. Vous avez chuté tout en haut euh, oui exactement. Ok ouais pas pas très agréable. Est-ce que je peux avoir euh, votre euh, nom Jim Parks. Monsieur Parks. Vous avez... Euh, vous avez mal quelque part en particulier oh, là, alors, là partout. J'ai alors okay. j'ai bien roulé. Euh, je pense je alors je peut-être ah non, ouais, pas, pas de. de... Ouais, pas de... Je, vais, je, vous, je vous apporte un brancard bon et euh, je vous ramène le. laisser, si ça va. Okay. Ouais, pas de soucis, oui. Vous avez un téléphone pour prévenir vos proches euh, J'ai mon téléphone, oui. Oui, oui. Ok, bah je laisse au besoin. Merci. Et bonjour la police <laughs> Ah, ils ont ralenti. Ils ont vu que le médecin s'occupait de quelqu'un ils sont repartis. Ils ont même pas par exemple sécurisé le médecin hein, qui a manqué de se faire oh, percuter. Il a... Ah oui. Et bonjour Bonjour oh, Salut Park Ah <laughs> euh, ça a pas l'air d'aller hein Ouais non pas top ah, Je veux transfert sur le bancard. Ah bougez pas. <laughs> ça a pas l'air d'aller. <laughs> ah. C'est bon récalcitrant... quel citron. N'en faites pas... Euh... Avec un peu d'insistance, ça finit par rentrer. Ouh. <laughs> ah oui, oui. ouais, c'est le, c'est les cailloux, ça, ça bloque les roues. Oui, c'est ça. On va passer... Alors, je vous installe. Je vais vous donner anti douleur. Vous êtes bien bloqué et tout. Ah ouais, pas de souci, je bouge pas. Je... Parfait. Et bah, ben, je peux vous ramener au LSS. Bon, docteur. C'est tout bon, merci, je le ramène. Ah ben, ben, bonne journée. C'est Splitter Je sais pas si c'est Adams qui est avec lui. Elle a changé de coiffure, euh, du coup, je la reconnais pas en. En tenue. Mais je pense on que. On laisser, avec un patient. Je pense que c'était euh, Adam, c'est... J'arrive pas à retrouver son nom, c'est terrible. Ça commence par un B, mais c'est pas Blake. Ah, vous étiez en train de faire quelque chose, et puis vous avez glissé, c'est ça Euh... Alors... Euh, en fait, euh... Je sortais d'une villa, hmm et... ça me paraissait une bonne idée de prendre un raccourci en, en passant par la colline. Mais... Avec la neige, c'était pas une si bonne idée. Même sans... Bah je pense que sans il n'y avait pas de souci parce que je restais sur le plat là-haut Ouais pour avoir habité ici Ah ouais d'accord N'essayez pas Parce que j'étais même pas encore à la phase d'essayer de descendre Je voulais descendre bien plus loin Bah Mais Huster exactement avec un B Merci beaucoup Ça passe rarement Bah je referai pas du coup Comme ça moi, vous êtes informé oui, oh. la prochaine fois je ferai des recherches d'abord. Je demanderai C'est compliqué, ouais. J'allais dire, je demanderai à Google si je peux descendre, mais c'est. Ouais, bon. Je suis pas sûr qu'il ait la réponse à ça. Non, il n'y a pas la réponse à tout, tout, tout. Ah bah non, non. Euh, bah dans le doute, j'appellerai toutes les... toutes les personnes de la ville pour demander qui a habité là. <laughs> Un peu fastidieux quand même. Ouais, ça fait beaucoup. de numéros de téléphone. C'est vrai <laughs> que ça fait beaucoup. <laughs> ouais, c'est peut-être... Euh... Allez, on est arrivé. peut-être pas... Et je vais vous aider à descendre. On va passer par en haut, comme d'habitude, et on passe au rez-de-chaussée. Oula, je suis pas le seul à être... Ouais. Ah, vous, vous ennuyez pas, euh, à ce que je vois. Moi, et... je, je dis vous vous ennuyez pas ce que je vois euh, on passe la porte il y a une personne au sol on... ah je sais pas parle... et je transfère je parlais trop bas c'est ça avec le brancard euh... il y a moyen qu'on se... Qu se soit un peu trop éloigné alors je vais vous donner un petit peignoir donc une manche gauche une manche droite voilà je vais pouvoir lancer la radio ok non, ouais, pas de souci. Bon, bah je suis juste à côté, n'hésitez pas à m'appeler au besoin. Ouais, à tout de suite. Merci. Buster <laughs> qui commence par un, par un B, oui, comme Blake. Non, mais en fait, euh, c'est parce que je pensais à Blake parce que il a euh, la voix de Blake avec la tête de Wolf, <laughs> ce qui est fou en plus. C'est vrai qu'il est blond, mais à part ça, euh, mais à part ça, il a pas vraiment la tête de Blake, de Blake, de Wolf. Et euh, moi je trouve qu'il a des intonations proches de Blake, mais euh, peut-être pour avoir entendu beaucoup Blake avant, on fait quand même bien la différence. Mm -hmm. <laughs> non mais je suis content en plus que ce soit lui en vrai. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés, alors bah du coup on ne s'est pas croisés dans les meilleures conditions. Bah, après on, on, on croise... En fait on croise peu la police euh, si euh, on ne fait pas de bêtises. Donc c'est pas une si mauvaise nouvelle que je l'ai pas croisé depuis longtemps, mais euh... ou alors il faut se... il faut porter plainte, porter plainte ou euh, faire des conneries, c'est les deux façons de croiser la police. <laughs> mais euh... mais du coup c'est cool, c'est cool d'être, c'est cool de l'avoir croisé euh, comme ça par hasard. J'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre, non c'est parce que j'ai une jambe levée, non j'ai une jambe dans le vide. Hein Attends. Comment on voit mieux Je voudrais me voir. J'ai une jambe. Eh bien, écoutez, j'ai un résultat. Oui. Bon, ça aurait pu être pire. Ah, bon, Ce pas non plus exceptionnel. Hein euh, vous avez euh, une fissure au niveau de vos côtes. Euh, euh, et vous avez également votre tibia droit qui est fissuré. Bon, rien de cassé. Alors, ça, c'est le point positif. Mais je vais quand même vous mettre un bandage de maintien ainsi qu'une ételle rigide pour votre jambe droite. D'accord. Je vais soigner aussi vos multiples contusions et petites euh, entailles aussi en désinfectant. Donc je vous positionne tout ça, je vous donne en plus anti douleur anti inflammatoire et je vais vous demander d'éviter euh, le, le saut et la course pendant une heure. On fera une veux. visite de contrôle à partir de 22h30. Ok ça marche, je saute plus les falaises, c'est noté. Ah non, bah non, non c'est ça. <laughs> Allez, je serre la telle, vous me dites si, si ça va pour vous euh, je... Ça va, ça va, ça va. Ah. Eh ben, écoutez, je vais vous rendre vos vêtements. Vous allez pouvoir vous relever tranquillement. Ok. Avec euh, la telle, je vais quand même vous prêter une canne. N'hésitez euh, pas à l'utiliser, hein, au moins les, la première demi-heure. Et du coup, visite de contrôle à partir de 22h30, si ça vous va. Euh, oui, ok, très bien. C'est tout bon Merci beaucoup. Eh ben, je vous raccompagne, venez. C'est <coughs> terrible On commence par un ITT. Justement, hier, je disais que j'en plus trop. Mais bon courage, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Oh là, il y a un voile bleu sur la ville, là, non L'autre fois, il disait qu'il était triste de ne plus croiser Parks. Du coup, je lui ai répondu que oui. C'était triste si seulement il y avait des téléphones sur l'île pour appeler les gens <laughs> et garder le contact. <laughs> des téléphones oh, Attendez, euh, on va se mettre sur le. En vrai. On va plutôt aller par là. Et on va se mettre sur le. Sur le banc est là-bas. Et on va essayer d'appeler Archer déjà. Voir s'il est là, s'il fait une réunion des alcooliques anonymes pour sa campagne. Si je fais ça, ouais, ça sort la canne. Hop, on va ranger la canne, le temps de faire ça. On va appeler Archer. Il est toujours à mairie, c'est rigolo. Ouais, Jim. Comment ça va Ça va et toi Oh bof, je sors du LSES. Merde, quest arrivé Alors, <laughs> euh... hey, tu non, vois euh... la villa Ouais. Bah, je voulais redescendre et je me suis dit, ça a l'air, euh... ça d'être de, de, ah, une ça a pente relativement temps, ouais, douce euh, plus loin. Mmh. Donc j'ai escaladé la barrière, enfin la rambarde, je suis passé de l'autre côté et j'ai commencé à marcher. Sauf que la neige, ça glisse. Et du Allez. coup j'ai glissé. Ensuite j'ai roulé un peu. Ensuite j'ai arrêté de rouler, mais je touchais plus le sol. Ensuite j'ai reroulé un peu. Ensuite je me suis ouais. un peu fracassé contre une, ouais. une glissière de sécurité. Heureusement qu'elle était là. Et après j'ai été au LSES. <laughs> en même temps il bosse à la mairie, c'est vrai, qui bosse Ouais, sacré réveil. Ah ouais, ouais. <laughs> euh, bon, évidemment, je suis en IT, hein, du coup. Euh, ça vous... Ça arrive, vous étiez en train... De... Enfin, vous... il fallait que vous vous revoyiez pour le programme, je crois, ce soir. Euh... Euh, ouais, mais il n'y a pas grand monde, là, pour l'instant. Euh... Ah. Je vois si d'autres sont là. Mais... Là, je suis en train de... Je bosse un peu à la nord, là. Ouais. Il y a Marty qui vient de revenir, donc il faut qu'on fasse le point, etc. Hein. Mm -hmm. Je me suis renseigné sur les trajets IPT, du coup. ouais. 50 000 en moyenne au nord, 50 000 moyenne pour le SES, 30 000, entre 30 et 40 000 de moyenne euh, au sud. Au, au nord. Oh, ça fait le pas SES. une si grosse différence, hein Bah non, mais c'est surtout que du coup, c'est pas cher, quoi. Euh, Complètement absorbable, donc je l'ai euh, rajouté un point. Ouais, ouais c'est vrai. Et c'est pas c'est encore moins cher pour le gouvernement, du coup. <laughs> mais bon, ils ont vraiment fait une. Enfin, ils ont vraiment euh, renié les, les dépenses ah, ouais, non, sur des trucs, des, euh... des, des trucs. De, de, c'est des trucs de, de, de bout de ficelle, enfin, ouais. Ouais. Euh, ok, oui bah donc euh, oui effectivement 30 000 euh, c'est pas la... c'est ouais, pas ça vrai. qui va plomber une mairie. Euh, bah, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, oui renouer les liens avec les services publics et la SES oubliés. Putain, qu'est-ce que euh, compliqué ça, et, ah, ouais. et Du coup tu peux le mettre dans ton programme au sud aussi, euh parce ouais, que mis dans le programme. Au sud. Ouais, 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 voilà. Parce que ça va pas coûter cher et ça va donner une bonne image. C'est ça. Ça serait pas la voiture qui tournait autour de nous pendant la banque. Euh, ok, ok. Euh... T'as pris des, ah, des tickets Eclipse, Event, machin, là, la loterie Non, j'ai pas pris encore. Il, Il me semble que c'est avant ce soir. Euh, je voudrais en prendre, mais. Euh... Il faut qu'il y un virement. À... Bah ouais, c'est chiant qu'il y ait pas. Un... Enfin, c'est chiant que ça passe que par virement et qu'il faille prendre une preuve, puis l'envoyer dans un formulaire en ligne. Ah ouais oh, C'est drôle, ça. Bah, euh, il me semble que c'était comme ça, j'avais regardé pour le dernier. C'est euh... pas pratique. Euh... Faut aller sur leur site. Mmh. des employés en super c'est des entreprises pour soutenir au courant de la vie dans le comté. Ouais, 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 ouais. Putain, j'arrive pas à me convaincre hein, sur, la, sur le programme, c'est ouf. À te convaincre, tu veux... T'arrives pas à t'auto-convaincre que ce que tu fais, c'est bien Non, mais je, je vois... Putain, d'ailleurs, je vais déclarer mes impôts tout de suite. C'est une bonne idée, ça. <laughs> mais... Euh... Et 3600 de taxes là, j'ai mal au cul, putain. Oh, ça va en plus, tu bosses à la d'impôt euh... sur la fortune, on est bien. Voilà, hop là, c'est payé. Ah, ok, bon, bah écoute. Euh... Bah écoute, on essaie de faire un truc un peu plus tard, à la limite euh, ouais, ouais, bah tu m'appelles euh, quand. Yep, 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 Tu sais si Ellie est là ce soir ou pas euh, Normalement, elle n'est pas là, on est mardi soir. Ouais, elle est mardi, hein, on est d'accord. Euh, hein. Ouais, ouais, ouais. Et Bon, bah écoute. Allez, à tout uh, à l'heure, Jim. A plus tard, euh, merci. À bon, pourquoi je lui dis merci alors, je suis en train de regarder. Euh, on peut peut-être regarder ensemble. Vous avez peut-être pas vu vous, le, le site euh, de Eclipse Regardez ça ensemble. Euh, hop là Par contre, il faudra que je... Le problème, c'est que j'ai pas à manger. Enfin, il me reste un burger sur moi. Donc... Ah non, j'ai repris à manger. Bah, c'est bon, on est bon, on est bon. On peut, on peut traîner. On peut passer une heure sur ce banc, s'il faut. On va aller un peu plus loin, peut-être. Mais... Euh, Eclipse Event cagnotte en cours, euh, 500 000 dollars. En vrai je crois que je peux conduire, hein. je pourrais demander à un taxi de me ramener chez moi. Euh, 500 000 dollars. Il euh, y a un formulaire. Il y a les grilles mais j'en ai pas, il y a un règlement. Il y a une petite, euh, petite vidéo pour... C'est pour, quoi C'est une vidéo de... La vidéo de lancement je crois, mais parce qu'en fait il n'y a pas eu de gagnant. ça a été fait avant, ça a peut-être été fait le 24 ou le 25, mais il n'y a pas eu de gagnant donc euh, ils ont remis la super cagnotte. Euh, ouais, voilà, et du coup, la fiche, c'est la fiche. C'était euh, pas, pas le 24 ou le 25, c'était le 13. C'est la fiche euh, de l'événement du 13 décembre avec le tirage le 27. Elle est pas du tout à jour. Enfin, c'est l'ancienne affiche quoi de, du, du premier événement. Euh, on peut jeter un oeil au règlement, peut-être. Je vais juste vérifier. Hop là. Bah, le règlement, normalement, ça devrait aller. Je vais tout ouvrir. Ce qui m'intéresse. Euh, tic tic tic, tic, tic. C'est devant, na 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 on est bon. Alors règlement. Conditions de participation être majeur (18 ans minimum), acheter un ou plusieurs tickets d'Eclipse Cash au prix de 500 dollars chacun. Votre numéro de CID et votre numéro de téléphone sont demandés dans le formulaire. Avoir rempli le formulaire d'Eclipse Cash et y avoir intégré la preuve de paiement auprès du destinataire. Johnson Elliott CID gn 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 gn. Euh, choisir trois numéros parmi 1 à 15 ou demander trois numéros au hasard. L'achat de tickets pour une tierce personne est possible dans la mesure où l'acheteur est muni du numéro de CID et du numéro de téléphone de la tierce personne. On va envoyer ça à Ellie parce qu'elle m'avait demandé de lui en acheter. <laughs> Modalité du jeu. Chaque ticket appartient à une personne unique, il n'est pas possible de le partager effectué par euh, groupe 6 chaque mercredi. Ah ouais euh, les... Bah c'est pas chaque mercredi. Euh, ça arrive avec deux fois. Euh... Ou alors c'est la super cagnotte qui remet en jeu. Et d'habitude c'est des cagnottes normales. Celles les grilles achetées du mercredi au mardi suivant jusqu'à 23h29 sont valables. En cas de tirage sans gagnant, la cagnotte est augmentée à la discrétion d'Eclipse Event en fonction du nombre de tickets vendus. On peut, regarder tout le on peut regarder dans les listes publiques euh, nos grilles. Gagnant seulement s'il y a les trois numéros qui sont exactement les mêmes. Si plusieurs tickets présentent les numéros gagnants, la cagnotte est partagée entre les détenteurs des tickets gagnants. Dans le cadre où un gagnant ne récupère pas son gain, celui-ci est réinvesti dans la cagnotte. On a 7 jours pour se manifester. Pour récupérer votre gain, la carte d'identité est demandée. Et le gain est remis en liquide et en main propre au, au gagnant par groupe 6. C'est marrant parce qu'ils aiment, aiment bien remettre de l'argent en liquide. Euh, moi je trouve que c'est bien parce que ça favorise euh, du RP euh, déjà entre les deux personnes. Donc ça c'est une bonne chose. Mais ils font toujours ça à la banque. Donc ça enlève toute possibilité qu'il y ait braquage. Ça, c'est un peu dommage. Et du coup, euh, bah, j'avais déjà un truc pré-rempli, donc tout ça, on est bon. Il faut la preuve de paiement du, du CID, euh, il faut le nombre de grilles. On peut donner des numéros. Alors j'avais donné des numéros 4, 5, 9, c'était parce que 4 et 5 ça fait 45, ça fait euh, le matricule de, de parc. 9, c'est l'ajout de 4 et 5, 4 plus 5 ça fait 9. Euh, 9, 12, 13. Pourquoi j'avais fait 9, 12, 13 je plus, ça a une signification. Euh, et 2, 7, 10. Je crois qu'il y en avait un, c'était les matricules des commissaires, mais c'est bizarre parce que... Ou alors j'ai changé entre deux. 12, c'est sûr, ça a été un commissaire, mais pas les autres. Ah non, je voulais faire les commissaires, mais euh, Nash c'était 26. Euh, Walker, c'était trop aussi. C'était combien Walker c'était 30 et comme ça va jusqu'à 15. Bah, euh, c'est vite euh, ça vite ça marche vite plus. Euh, bah je sais plus pourquoi euh, les autres, je, je sais plus comment je les ai comptés. Euh, voilà, j'avais pris des grilles euh, que j'ai euh, que j'ai pas validées. Donc là, on pourrait le valider. Le truc c'est que par contre, il faut envoyer il faut mettre une preuve de paiement. Et euh, il y marqué dans le règlement qu'on peut appeler pour quel... euh, on peut payer pour quelqu'un d'autre. Ah si on a son nom, prénom et son CID peut-être. Mais du coup si j'envoie mon argent, que je prends trois grilles et que j'envoie deux fois la même preuve de paiement. Je peux dire mais bah, c'est parce que j'ai fait les deux virements à la même minute. Comment ils savent que j'ai qu'une seule, euh, que j'ai payé deux fois? Il y a moyen de frauder? Alors après. Euh, avec une enquête, ça peut se, ça peut se, se récupérer. Mais euh, frauder est facile, je pense. On va essayer d'appeler euh, Jensen. Du coup, est-ce que j'ai euh, Jensen à. C'est Eliot. Hein. Ouais. Il a Yellowjack, c'est rigolo. On va le modifier. On va le mettre à. Mérinor. bon elle est pas là euh... Bon bah on va aller jusqu'à une banque, on va aller à la place des cubes. Euh... On va voir si on peut... Il m'a dit pas courir, pas sauter. Je sais pas s'il m'a interdit de conduire. On va voir si on peut prendre. Ouais mais non, j'ai une. Ah j'ai une... une attelle rigide. On peut pas faire du vélo. On achète telle rigide. Déjà conduire. Ah, conduire les automatiques, on pourrait, mais. Bon bah on y va. Allez, on est parti à la place des cubes à pied. J'ai trois quarts d'heure pour faire l'aller-retour. Oh, elle est sympa cette voiture en blanc là. Allez ah, Camacho c'est quand même... Euh... Ça fait bien voiture militaire, mais c'est trop carré. Ça fait vraiment... Euh... Ça fait vraiment une Jeep militaire, je trouve. On aurait peut-être pu lire le, le règlement en marchant. Tiens bah on va faire un truc. Attendez, on va s'arrêter une seconde. On va aller voir les lois. Ça, on va faire ça en même temps. Euh... Tic tuc hop hop euh... bon je vais pas vous les afficher pour que vous voyez où je vais mais on va les lire ensemble on va relire euh, les lois en rapport avec les codes donc euh, ça ça devait être je l'ai pas noté mais le code c'est à savoir le code euh... <laughs> Les institutions Non, c'est quoi le CETA C'est juste le code des institutions. Je crois que c'est juste le code des institutions. Euh, on affiche le code des institutions. Ah, oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est chiant à récupérer comme ça. Attends. Hop, hop. Alors. Pour juge, paf, et j'affiche. En même temps. Et on est parti. Définition. Euh, le bureau du juge de Saint-Andréa est constitué de trois juges. Ensemble, ils président les procès, évaluent les preuves, interprètent les lois et gèrent les affaires civiles et pénales. Le bureau du juge travaille en étroite collaboration avec le bureau du procureur pour assurer le bon déroulement des procédures judiciaires, garantissant ainsi l'équité et la justice dans l'application de la loi. Le gouvernement se charge de fournir des locaux au bureau du juge. Moi j'avais noté politisation des juges, mais je sais pas si du coup... Je ne sais pas pourquoi, parce que le problème c'est que j'avais ça sur l'ancien, et je suis pas sûr d'avoir gardé l'ancien. Euh, nomination, combien de temps et tout, mais c'est plus le 1-2, c'est le 2-2 maintenant. Mode de nomination. Les juges sont nommés suivant un processus rigoureux établi par l'Assemblée des représentants. Les candidats doivent soumettre un dossier complet. ...incluant qualification et expérience. C'est une grand-mère, ça, non Bref. L'expérience. Euh, 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 Attestant de leur engagement envers la, les principes de la justice. Les nominations sont synchronisées. Ah, attendez, peut-être ces gens. Et je leur ai ouvert la barrière, en plus, puisque je suis pas sûr qu'en moto, ça s'ouvre. Euh, attestant de leur engagement, gna, gna, gna. les trois nominations sont synchronisées avec les élections gouvernementales. Un juge est nommé trois semaines après l'élection et une autre sept semaines après. Et enfin une autre cinq, onze semaines après. Chaque juge est nommé pour un mandat de douze semaines, assurant la continuité et le renouvellement de l'administration de la justice. La rotation des juges est organisée pour garantir une présence judiciaire euh, constante et une transition en douceur entre les mandats. Nomination exceptionnelle. Dans le cas où le nombre maximal de juges n'est pas atteint, l'Assemblée des représentants peut, de manière exceptionnelle, procéder à la nomination d'un juge supplémentaire. Cette nomination requiert la présence d'un dossier complet par le candidat, ainsi qu'une présentation devant l'Assemblée des représentants. Cette procédure exceptionnelle est destinée à maintenir l'effectif judiciaire nécessaire au bon fonctionnement de la Cour de justice. Pas du tout, je me suis écarté des, du passage piéton. Tu me roules pas dessus toi t'es gentil. Voilà. Donc. Moi j'avais noté pour le 1. Pour le 1-2... Ah j'avais marqué code... Ah oui, alors j'avais marqué 1-2. Sauf que... Le 1... C'est le gouvernement. Parce qu'ils ont changé les numéros parce que parce qu'ils avaient bossé ça comme ça. Alors, on va mettre le 2-2, du coup. Ok, en fait, tous les 1, c'est des 2. 2-5. Et du coup, là, j'ai un 2-3. J'imagine que ça sera le 3-3. On verra. Donc, le 2-2, euh, c'est le mode de nomination. Je me posais la question de la politisation. C'est vrai qu'il n'est pas marqué qu'ils doivent être euh, apolitiques. Euh, nomination pour combien de temps euh, c'est vrai que c'est pas noté du coup pour les nominations exceptionnelles je vais rajouter nomination exceptionnelle pour combien de temps exceptionnel et pas expétionnelle. Hop là. vérifier les perquises Intermédiaire. Ah oui, alors il y avait une histoire de, de vérifier les perquisitions, mais c'est pas du tout... ça peut pas être dans, dans cet article là. J'ai oublié de le mettre, je pense. Fiche de poste, 2-3. Donc ça doit être là-dedans, je pense. La présidence des audiences et des procès. Euh, présider euh, les audiences et les procès. Euh, évaluation des preuves et des témoignages. Évaluer la validité. Euh, et la pertinence des preuves et des témoignages présentés par l'accusation et la défense. Interprétation et application des lois. Interpréter les lois en réglementation euh, et réglementation en vigueur. Appliquer ces lois pour rendre des jugements. Émission de mandat sur demande de perquisition. Voilà, ça c'est intéressant. Euh, ça va être ce qui nous intéresse plutôt. Euh, évaluer les demandes de perquisition soumises par le procureur dans le cadre d'un dossier d'enquête. Confirmer ou infirmer une demande de mandat en fonction de l'analyse effectuée. Vérifier les perquises intermédiaires. Je crois que j'avais juste mis que ça ferait un intermédiaire. Je crois que l'idée c'était juste de dire que ça fait un intermédiaire en plus et que du coup euh, ça rallonge les procédures. Tout ça. Je pense que c'était pour ça que j'avais noté ça. Dans le cadre d'un dossier d'enquête. C'est pour une enquête, c'est pas si grave. Après, plus il y a d'intermédiaires, moins il y a de chances que l'enquête aboutisse dans les temps. Euh, dans les temps, mais euh écrasé, je me suis pas fait écraser. Confirmer ou affirmer une demande de mandat en fonction de l'analyse effectuée, oui, d'accord. pour bon, ça à la limite, alors il est juste mal placé. Hop côté une seconde euh... je vais le remettre au bon endroit et je vais juste mettre sur enquête pas trop grave euh, tac. et après on passe au point 8 1 2 3 4 5 6 7 8 je sur ligne J'occupe de la banque. Alors, on va faire un virement. Alors, on a dit que c'était 500 dollars et qu'il faut l'envoyer à Jensen Elliott. 22,54. C'est bien ça. Il y en a des Jensen, eh? Et une Jensen aussi, je crois, ou une Jensen avec deux S. Ou un, d'ailleurs. Euh, 1500 dollars. Je vérifie juste que ça soit bon. La preuve de paiement doit contenir la date du virement, votre nom et celui du destinataire. on va attendre une minute avant de faire le deuxième virement ah oui il faut que j'enregistre du coup ah attendez j'ai cassé Hop. on enregistre on va appeler ça au hasard euh clips cache arcs j'ajoute un fichier c'est pas le plus pratique hein. ok c'est bon et du coup je l'envoie Je demande de faire une autre réponse. Je, lui demande, je vais demander à. Alors, nom et prénom. Du coup, c'est les noms et prénoms de qui Le nom et la photo associée à. Euh, non, mais on s'en euh, bah, Du coup, je vais marquer. Torres et Son s'il idée son numéro de téléphone. un peu pour éborgner personne. C'est le cinq 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 cinquante quatre soixante deux. On va refaire un virement à Rogensen, toujours Elliott, toujours 2254. 15 000 c'est beaucoup. Hein. 2500. Et on va reprendre celui-là. On va enregistrer sous. Eclipse cache. Ellie. On va se remettre de côté. Au cas où des gens voudraient venir. Euh, pour pas trop prendre la place quand même. Alors. Une preuve de paiement. Hop là. Nombre de grille 3. Et on va attendre de voir si elle veut des chiffres en particulier ou pas. Pendant ce temps, on va pouvoir continuer de lire le code des institutions. Alors, prononciation des sentences et émission des ordonnances. Et puis, on va, on va s'asseoir. Euh, Il m'avait dit la canne pendant une demi-heure, je crois. Il m'avait dit au moins. Euh, C'est arrivé à peu près maintenant, du coup. Mais on montera la pente avec. Euh... Donc, euh, prononciation des sentences et émission des ordonnances, prononcer des sentences dans les affaires pénales et mettre des ordonnances dans les affaires civiles, euh, maintien de l'ordre dans le tribunal, assurer un environnement ordonné et respectueux dans le tribunal. Par exemple, euh, les... les rapports avec la choucroute, je suis pas sûr que ce soit très respectueux. Coordination avec les procureurs, travailler en coordination avec les procureurs pour assurer le bon déroulement des procédures judiciaires. Euh, révision des décisions euh, du procureur. Du, euh, révision des décisions du bureau du procureur. Alors, ça, j'avais mis un truc dessus. 8, pas clair. De quand Demi-doublon avec le 4. Réviser les décisions prises par le bureau du procureur, notamment en matière de demande de perquisition ou de jugement sur base d'accord. Réviser les décisions. Prise par le bureau du procureur, notamment. Alors, le notamment, il n'y était pas, je pense, donc ils ont dû faire des évolutions là-dessus. Notamment en matière de demande de perquisition ou de jugement sur base d'accord. Ok, bah ça me va, du coup, ils peuvent réviser des trucs. Pas... Ils sont pas obligés de le faire, à mon avis, ça ne devait pas être présenté comme ça, mais d'accord. Ok, ça, ça me va. Toujours une bonne idée, ça, de, pré... de euh, patienter dans une banque. Oh, ça va, il y a une banque hier, ils ne font pas faire des banques tous les jours. Puis c'est chauffé au moins, alors que là-bas, LSES, j'attends devant, c'est pas chauffé. Euh... Suivant. Gestion des enquêtes internes envers le bureau du procureur. Conduire, superviser et juger les enquêtes internes concernant les activités et les comportements au sein du bureau du procureur. Ok. Assurer la conformité des normes éthiques et légales. La mise en conformité et correction des lois et arrêtés rédigées par le gouvernement et, des... et les mairies avant leur publication. Mmh. Bon, c'est pas tourné comme les autres, mais c'est pas grave. La proposition d'amendement au texte de loi de saint -Andréas. Euh, ils peuvent proposer des amendements, ok, et ils peuvent et ils mettent en conformité et ils corrigent les lois et arrêtés rédigés par le gouvernement et les mairies avant leur publication. Du coup, ça, on va aller vérifier. Je peux peut-être vous l'afficher en fait maintenant. Euh, hop là, là pour le coup, on bouge pas, donc c'est pas très grave. Euh, je vais aller vérifier le bureau du procureur. s'ils l'ont encore. L'aide à la mise en conformité des... et correction des lois et arrêtés rédigés par le gouvernement des mairies. Ok, donc c'est passé de. Enfin, le bureau du procureur est passé sur de l'aide. Donc ça, ça a été changé aussi. Ok, c'est intéressant. Et alors par contre, j'ai mis amendement du bureau du proc, ça n'a pas beaucoup de sens ça. Ah oui, est-ce que. On va vérifier ça. Est-ce que les proc euh, amendent toujours ou pas Proposition d'amendement. Ouais, ils peuvent amender. Enfin, amender. Ils peuvent proposer des, proposer des abonnements. C'est pas eux qui okay, amendent. Hein. Euh, tac, 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 juge. On revient là. Du coup, condition d'éligibilité. Ça, j'imagine que j'avais rien à dire dessus. Euh, C'est les trucs de base. 2.5, juge, juge, un juge. Alors, un juge faisant l'objet d'une enquête pour délit inscrit sur un, au casier judiciaire et suspendu jusqu'à 7 jours. Pendant 7 jours, une enquête préliminaire devra être effectuée euh, avec un compte rendu qui sera délivré à un autre juge. Celui-ci devra rendre une décision de poursuite d'enquête avec mise à pied ou d'un classement sans suite. En cas de condamnation, le juge est destitué. En cas de recours de, de cette condamnation, un autre juge assure l'intérim des dossiers appartenant au juge. Nanana, nanana. Bon, ça, ça ne change pas. C'est toujours un juge qui juge un juge. Par contre, pourquoi j'ai rajouté préliminaire Je sais pas, ça devait être un truc euh, avant qui n'existe plus, mais en tout cas, c'est toujours euh, le serment. Euh, bureau du proc. Donc il y a eu des changements probablement là-dessus. On va sauter directement au 3-3. Et j'avais noté, proc pas retiré de la mise en conformité. Donc c'est ça, mais maintenant c'est de l'aide, c'est plus de la mise en conformité. Donc il OK. Il aide le bureau du juge, il a pas son mot à dire, mais il peut... Euh il peut aider, ça me va bien. Euh, 572. Alors est-ce que c'est toujours le 572 Qu'est-ce que le 572 572. Il n'y a pas de 572. Pas noté qu'il y a la charge d'organiser l'événement. Alors j'imagine que du coup c'était en rapport avec le tribunal. On va chercher à organiser. Ah, 7. Le gouvernement est en chargé d'organiser référendum. On est sur quoi Organiser les élections. Organiser les élections. Je sais pas, c'était sur l'ancien. Il euh, faudrait que j'aille chercher, euh, j'aille fouiller. Euh... Ça va, ça va. Euh, Excuse-moi, c'est dur de, de, dur de savoir. Euh, nouvelle année. Euh, bonne année, d'ailleurs. Merci, merci. Euh, monsieur... Bon, j'ai une livraison à te faire de marchandises. Bonjour, monsieur. 179. Non, 180, 189. J'ai... 189. Tu voulais non, fallait me donner un zip, monsieur? C'est parti. <laughs> J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous voyez que ça vaut le coup de. Vous avez rien vu, vous? Hop là. Je sais pas si vous avez vu sa tête. Je vous cache ça. Euh... Il y a un mec qui est passé. Il était au téléphone. Il avait une livraison à faire. Alors peut-être qu'il livre des oranges. On sait pas. Mais euh, en vrai, s'il avait donné un zip, je pense que j'aurais appelé Huster. Oh, il y a un message à Huster d'ailleurs. Euh, même si c'était... Sangler sur une euh, civière. Non, sur un brancard. À moitié en miettes. J'espère que tout se passe bien pour toi. Comme ça, vous voyez rien Comme ça, vous voyez rien Normalement, là, là c'est revenu sur. Euh le live normal. On Là, il n'y a plus le, y a plus le texte affiché. Vous n'avez pas le droit de rien voir. On va, on va s'afficher quand même pour continuer à lire en montant, histoire de... Quand même... Euh, tac, 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 code judiciaire. Euh, alors... Attendez, hop, je m'affiche le code judiciaire. Hop, et je vais au 2.1. Arrestation et garde à vue. Oh, ça va être sympa à lire ça. Que de mon côté, l'image avait freeze. Ah. ah oui, je me disais. C'était bizarre. Moi, j'avais un retour euh, nickel. Euh, alors, 2-1, arrestation et garde à vue. Les agents des forces de l'ordre ont le pouvoir d'arrêter des personnes accusées de délits ou de crimes. En cas de contestation des faits reprochés, le prévenu peut exercer son droit de contester, partiellement ou totalement, les accusations portées contre lui. La contestation n'est possible que sur les faits. Entraînant une incarcération au pénitencier. Ah, je ne sais pas si c'est euh, nouveau ou pas ça, mais en gros, c'est ce qui demande à un procureur d'intervenir. Euh, ou des délits majeurs, ou des délits majeurs ou des crimes. On peut avoir du pénitencier sur autre chose que des délits majeurs ou des crimes hmm, Peut-être. Euh, pour les faits étant amendés comme délits mineurs, moyens ou routiers, les contestations n'est pas possible. Mais la demande de recours est toujours possible une fois la décision de justice appliquée. Si le prévenu conteste les faits, le bureau du procureur ou un membre des forces de l'ordre doit l'informer des implications de la procédure et des risques encourus. Le prévenu a le droit de consulter son avocat pour obtenir des conseils juridiques. Ça déjà c'est nouveau. Avant c'était le proc qui devait le faire, maintenant c'est le proc ou un policier. Dès lors que la personne impliquée sera en sécurité, et ce au maximum jusqu'au placement en cellule, les droits devront être lus. Ouais, ça n'a pas changé, madame, monsieur, ça c'est ce qu'il y avait avant. Euh, sans réponse de la personne ou justification, ça, ça n'a pas changé. Si le prévenu confirme sa contestation après avoir été informé des processus judiciaires qui suivent, il est libéré sous caution. Le montant de la caution est équivalent à deux fois le montant de l'amende encourue pour une infraction reprochée. Je me demande si c'était pas 4 avant ou si c'est parce qu'on en avait parlé avec euh, Archer. Merci parce qu'il y a des sirènes, j'aimerais bien ne pas me faire écraser par le LSES. Ça a l'air d'aller, ça s'en va. Euh, dans le cadre d'une mise à, euh, en garde à vue, les agents des forces de l'ordre se doivent de notifier à la personne son heure de, garde à, de mise en garde à vue ainsi que de la durée maximale qui est de 60 minutes. Ouais, alors. Euh, bah dans ce cas-là, euh, moi, je suis agent des forces de l'ordre. Euh, si j'applique le texte à la lettre, je dis euh, bonjour. Vous pouvez en, être mis en garde à vue jusqu'à 60 minutes pour tout. <laughs> Bref, euh, tout prévenu a le droit, et ce, à n'importe quel moment de la procédure, du moment que la mise en sécurité est garantie. Euh, de a le droit de faire appel hmm à un service médical s'il en ressent le besoin. Le temps de soins ne saurait être décompté du temps de garde à vue. J'aime beaucoup cette euh, formulation. Euh, dans le cas où le prévenu refuse de se soumettre à l'autorité compétente, cette dernière peut faire usage proportionné de la force avec l'équipement standard fourni par, le service, par son service pour maîtriser l'individu. Article 2.1.1. Procédure de caution et conséquences en cas de non-comparution ou de verdict. Pendant la pendant tout le processus judiciaire, les parties impliquées peuvent être représentées par un avocat ou un cabinet d'avocats. En cas de non comparution, si un prévenu libéré sous caution ne se présente pas à son procès ou n'a pas d'avocat pour les représenter, la somme de la caution sera versée intégralement. La somme versée sera euh, intégralement retenue par le gouvernement en tant que compensation pour non respect de la procédure judiciaire. En cas de comparution et d'acquittement, pré... si le prévenu ou son avocat comparé au pro... à son procès est reconnu innocent des faits qui lui sont reprochés, la totalité de la caution lui sera restituée. Les frais juridiques de 40% maximum, plafonnés à 60 000 dollars, déjà ça a changé, ça c'est pas mal, seront à la charge du bureau du procureur si sur décision du juge. Alors ça je suis pas d'accord, on peut pas... Euh... Ah peut-être si euh, On peut pas dire c'est à la charge de machin Sur décision de truc Mais du coup c'est à décider Je pense que la sur décision du juge ça doit être la hauteur de l'amende Donc c'est le bureau du proc qui paye Mais euh, le, le juge décide combien Faut qu'on revienne sur ces 40% Maximum du coup. En cas de comparution et de condamnation Situation 1 si le prévenu ou son avocat, comparé à son procès, est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou que la peine initiale est revue à la hausse par le juge, suite au procès et au jugement, la caution lui sera restituée déduite du montant de l'amende imposée, majorée de 40% maximum pour couvrir les faits juridiques engendrés par la procédure de recours avec un plafond maximum de 60 000 dollars. Alors, en vrai, du coup, le fait que ce soit le juge qui décide de l'amende. Ça c'est bien. Parce que du coup, c'est au juge d'être fair et de ne pas euh, mettre des, des. des trucs complètement idiots. Euh, le maximum de 60 000 euros. Il faut voir si du coup ça permet pas de... Euh, D'abuser un peu du système. Et, et sur les trucs très chers de toujours faire appel au tribunal. Mais au moins, euh, ça fait que tu... Tu payes pas des sommes astronomiques si tu fais recours sur un braquage de banque par exemple. Alors bon, sur un braquage de banque, il y a peu de chances que tu sois euh, que tu sois innocent, mais au moins tu peux essayer de faire baisser l'amende. Si tu essaies de faire baisser l'amende, mais que ça l'a fait monter parce que 40%, c'est énorme. Bon, au moins, voilà. Situation 2, si le prévenu ou son avocat compare son procès et est reconnu coupable des faits, mais dont la peine initiale est revue à la baisse par le juge. Suite au procès du jugement et, et jugement, la caution lui sera restituée déduite du montant de l'amende imposée. Oui. Euh, donc en gros, si t es jugé coupable, même si l'amende est baissée, bah tu payes l'amende. Euh, enfin, on restitue la caution, mais on garde l'amende. Donc tu peux pas ne pas payer. <laughs> euh, non comparution suivie de condamnation à de la prison. Si le prévenu ne se présente pas à son audience et est par la suite condamné à une peine de prison, la caution est intégralement retenue par le gouvernement. De plus, le prévenu sera sous mandat de recherche et pourra être incarcéré, quel que soit le motif initial, dans un délai de 30 jours à compter de la date des faits, afin de purger la peine qui lui aura été appliquée lors de son jugement. Oh, c'est à partir de la date des faits, pas à partir de la date du jugement. Ça, c'est intéressant. Euh, alors que. Alors, ça dépend comment on l'interprète en vrai, parce qu'ils disent à, compt à compter de la date des faits, donc ça voudrait dire si tu es jugé pour homicide à partir de la date de l'homicide. Mais si tu veux jouer sur les lois et que tu un peu. Euh, et que la, le juge ou, ou le procureur avec qui tu joues sur les lois est d'accord, euh, bah, la date des faits c'est la date de la non-comparution. Même si normalement c'est pas ça, mais tu peux essayer d'arnaquer de, de, les gens là-dessus. Euh, du coup, du coup, du coup, sur tout ce qu'on a lu, j'avais mis contestation, s'il n'y a pas d'EM ou de PROC, on fait comment Bah du coup, c'est plus un EM, c'est un membre des forces de police, donc c'est bon. Euh, procédure, si un prévenu veut emmerder le monde, il conteste l'amende, et une fois, celle -ce, euh, une fois en cellule, il accepte, égale perte de temps des agents. Ça, ça fera pas tout ça. Si tous font ça, euh, ça, ça sera. ça va rester le cas, hein. si tous font ça, égal c'est la merde. Bon, euh, bah il se trouve qu'ils le font pas, donc l'argument reste valable, mais ils le font pas. Euh, 40% c'est trop, baisse d'un cran également, t'es là ouais, alors euh, bah du coup, ça c'est plus valable parce que euh, du coup, c'est le juge qui décide, même si 40% alors marqué 40% c'est toujours trop, mais c'est le juge qui dit ah, d'ailleurs, je suis pas sûr du coup, les 40%. Les 40%, attendez, les 40%. On va relire euh, vite un truc sur les 40%. Les 40%, c'est une majoration de l'amende avec un plafond à 60 000. Que ça soit le prévenu qui paye ou le bureau du procureur. Par contre, s'il y a... Une revue à la baisse par le juge. Il n'y a pas de majoration. Bon, ça, il me faudrait une confirmation de ça quand même. Euh, revue à la baisse du jugement. Ju jugement égal, pas de, pas d'amende à 40%. Pas enfin, une amende, pas de, pas de majoration. Ok, 2, 3, 1, enquête, c'est un gros morceau aussi, wow, c'est un morceau énorme, qu'est-ce que j'avais mis sur les enquêtes Ouverture de l'enquête comme un à 3 jours égale pas de plainte, ça doit toujours être vrai ça, allez on est parti, le déroulement d'une enquête, euh, on... est-ce que je vous affiche, ça euh... m'embête de vous l'afficher là parce qu'il peut se passer plein de trucs Si vous voulez que je vous affiche le, les textes pour que vous puissiez suivre, euh, en même temps vous me le dites. Sinon, par défaut, si vous ne me le dites pas, je vous laisse l'image au cas où il se passerait des trucs parce qu'on est quand même au LSES, il y, a plein de, il y a plein de mouvements. Si vous voulez voir les gens qui rentrent, qui sortent, euh, s'il y a une fusillade juste en face, j'en sais rien. Euh, donc enquête, déroulement d'une enquête. Le déroulement d'une enquête de l'État de saint -André a suit un processus structuré et chronologiquement défini. Assurant une gestion efficace et équitable des affaires judiciaires, peu importe la qualification de l'enquête. A. Ah, ouverture de l'enquête. Une enquête peut être initiée de trois manières différentes. Par le dépôt de plainte d'un citoyen qui doit soumettre sa demande dans un délai maximum de 72 heures après la date des faits incriminés. Donc, ça, c'est toujours vrai au cours des trois jours. Par un procureur qui peut se saisir d'une affaire dans un délai maximal de 8 jours à compter de la connaissance des faits. Un chef de service de police qui décide d'entamer une enquête dans un délai maximum de 8 jours à, date, à compter de la connaissance des faits. À compter de la connaissance des faits et pas de la date des faits. Hmm, C'est tricky. L'ouverture de l'enquête peut excéder le délai in, les délais initiaux que sous accord d'un juge au préalable. Ah donc on peut quand même ouvrir l'enquête si le juge est d'accord. Euh, ok. Enquête préliminaire. Après ouverture de l'enquête, une phase préliminaire de 7 jours maximum commence. Cette étape cruciale permet de rassembler des informations initiales et des preuves et témoignages pertinents. Elle sert à établir une base solide pour la suite de l'enquête. Moi j'avais mis que 7 jours c'était court, mais en vrai... Euh, 7, 7 jours c'est court, oui et non, ça dépend de la dispo des gens. Ça peut être court dans certains cas. Euh, en fait, le truc c'est qu'il faut... Je pense du coup traiter les enquêtes préliminaires avec priorité, mais ça c'est euh, le problème euh, de la police et de la gestion interne du, des bureaux d'enquête, euh, pas tellement de la loi. Euh, décision du bureau du procureur. Lorsqu'une enquête passe la phase préliminaire, le bureau du juge est informé de cette transition par le bureau du procureur si l'enquête doit être clôturé par le bureau du procureur ou un autre organisme. Le bureau du juge doit également être notifié de cette clôture. Comment ça un autre organisme C'est pour le FBI ça Poursuite de l'enquête. Euh, une fois que le bureau du juge a validé la poursuite de l'enquête, les bureaux d'enquête et euh, le bureau du procureur prennent le relais. Une fois que le bureau du juge a validé la poursuite de l'enquête... Ah si c'est pas marqué qui doit le valider ici Oui bon, on va dire que c'est implicite du coup euh, par ça, mais bon. Euh, les bureaux d'enquête et le bureau du procureur prennent le relais. Euh... Ils prennent le relais de rien du tout puisque c'est déjà eux qui l'ont fait. On dit pas. Alors attendez, ça je vais le noter parce que du coup c'est, ça peut mettre un doute. Euh... Qui fait? l'enquête préliminaire. Et du coup, si FDO plus proc euh, prennent le relais, ça n'a aucun sens. Alors, parce qu'en fait, si c'est déjà les FDO qui font l'enquête préliminaire, euh, personne prend le relais. Et du coup, si l'enquête préliminaire n'est pas faite par les FDO, et eh ben, il faut peut-être le notifier. On sait pas là qui fait l'enquête finalement. Moi, je passe, je partais du principe que c'était la police parce que c'est toujours elle qui a fait, mais, mais c'est pas clair. Euh... Il dispose alors d'un délai de 23 jours à compter de la date des faits pour mener à bien l'enquête. Cette période est consacrée à une investigation approfondie incluant l'analyse des preuves, l'interrogation des suspects et des témoins, ainsi que toute autre démarche nécessitant d'éclaircir les faits. Par contre, du coup, si euh, le bureau du juge euh, gère les enquêtes préliminaires sur les 7 jours, du coup, ça change tout déjà parce que c'est pas les FDO qui vont le faire. Donc, c'est pas pareil que si c'est les FDO qui vont le faire. Et du coup, ça donne vraiment beaucoup plus de boulot au juge. Donc, en vrai, euh, c'est un peu game changer sur. Euh, mais c'est. Je crois pas que ça soit dans la fiche de poste du bureau du proc. Euh, du coup. Euh... Je vais mettre si FTO plus proc, si juge. Pas dans la fiche de poste. Et il faudrait que je revérifie, mais euh, si je l'avais lu, ça m'aurait choqué, je pense. Euh, donc. Conclusion de l'enquête. À l'issue de cette période de 23 jours, une conclusion d'enquête est formulée. Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il lève les bras Pourquoi tu lèves les bras, monsieur pas le... Je crois que c'est le mec qui est passé à la banque tout à l'heure, en plus, le gars qui était devant. À l'issue de cette période de 23 jours, une conclusion d'enquête est formulée. Cette conclusion peut aboutir à différentes issues, telles que le classement sans suite, la poursuite judiciaire des individus impliqués ou d'autres mesures en fonction des, repré... des résultats de l'enquête. Ouais, j'aime bien le « d'autres mesures euh, ». FF. Bon, déjà, il y a un problème sur le FF, mais c'est pas très grave. C'est un problème de mise en forme. Euh, mise en accusation. Après la conclusion de l'enquête, le bureau du PROC doit euh, en informer le bureau du juge. Trois cas sont alors possibles. Les preuves du dossier sont catégoriques sur la culpabilité de l'accusé. Le bureau du juge peut alors émettre une décision de justice immédiate. Les éléments du dossier tendent vers un non-lieu ou un classement sans suite. Le bureau du juge peut alors classer l'affaire sans suite immédiatement. Les éléments ne permettent pas de définir clairement un coupable ou innocent d'innocentrer l'accusé. L'affaire est alors inscrite au tribunal dans les plus brefs délais. J'ai mis des trucs là-dessus. Je pas l'impression. Euh... Dès que l'affaire est inscrite au tribunal, le bureau du juge est tenu d'envoyer la mise en accusation au prévenu. A partir de ce moment, le prévenu et le bureau du procureur disposent alors d'un délai de minimum de 48 heures pour préparer le procès. Alors, il y a une histoire de, de figer les procédures là qui, je pense, ont été enlevées. Et du coup, je vais enlever mon point. Ça devait être un truc dans. Euh, euh, quand l'enquête préliminaire, gna gna gna, les trucs sont figés, machin, euh, hop, ça saute. Euh... Et j'avais mis 48 heures pour préparer le procès. Si un absent, proc juge par exemple. Ah oui, si, euh, si le mec est pas là pendant 48 heures. Euh... Et que l'affaire est inscrite au tribunal. Dans les plus brefs délais. En vrai, on peut inscrire au tribunal dans les plus brefs délais. Ce qui n'est pas clair. C'est flou. Exprès, je pense, mais c'est flou. Et on a 48 heures une fois que c'est inscrit. Mais du coup, on peut attendre un peu avant de l'inscrire parce qu'on sait qu'on ne va pas être là 48 heures. Donc euh, ils à peu près OK. Dans le cas, le premier a avoué les faits reprochés en présence d'un procureur ou à défaut d'un membre des états-majors et des forces de l'ordre. Le bureau du procureur peut instruire l'enquête. Comme si elle relevait d'un flagrant délit, sans passer par le bureau du juge. Ah non, attendez, à partir de ce moment, le prévenu et le bureau du juge disposent chacun d'un délai minimum de 48 heures pour préparer le, le procès. C'est pas 48 heures, c'est minimum... Ça a changé, ça, c'était pas 48 heures. Moi, j'avais marqué que c'était trop court. Ou alors, j'avais mal lu, mais... Euh, bah du coup, euh, 48 heures euh, minimum, c'est bien. Ça veut dire que tu peux pas dire, allez, on fait le procès dans deux heures, go. Dans le cas où le prévenu a avoué les faits reprochés en présence d'un procureur ou à défaut d'un membre des, des états-majors des forces de l'ordre, le bureau du procureur peut instruire l'enquête comme si elle relevait d'un flagrant délit sans passer par le bureau du juge. Ah, c'est rigolo ça. On peut, on peut court-circuiter les enquêtes euh, s'il avoue. S'il y a procureur ou état-major, mais euh, normalement les interrogatoires on est censé les faire avec un, avec un procureur. Après, s'il avoue juste derrière les barreaux euh, au moment où on lui dit oh là là, c'est pas bien ce que t'as fait. Bon. Procédure de recours et jugement final. Si le prévenu souhaite contester le jugement, il dispose de 24 heures après le verdict pour demander un recours auprès du bureau du procureur. Et j'ai mis 24 heures, c'est trop court. Euh, prévenu et avocat peuvent ne pas se croiser par exemple parce que si c'est si le prévenu était pas là et que l'avocat est tout seul au procès euh, 24 heures, c'est vraiment chaud patate je trouve donc ça je le laisse euh... ok j'ai rien mis d'autre mais après on va passer à la suite euh, suite à cette demande l'affaire est inscrite pour une nouvelle session de tribunal qui doit se tenir dans les plus brefs délais tout en respectant la limite de des 30 jours de prescription ce second procès est présidé par un juge différent de celui de la première instance assurant ainsi une réévaluation impartiale de l'affaire le jugement rendu lors de ce second procès est définitif, marquant la conclusion du pro de la procédure judiciaire. Ensuite, enquête interne. J'ai noté 2-3 trucs sur les enquêtes. J'ai noté énormément de trucs sur les enquêtes internes. 2h27, <coughs> on lit ça et puis, euh, et puis on aura fait le tour on pourra aller se faire soigner. Les enquêtes internes se rapportent aux investigations menées par un, sur un membre d'un service public d'une administration. Les supervisions de ces enquêtes sont réparties entre le bureau du procureur et le bureau du juge afin d'assurer l'impartialité et la transparence. J'ai mis enquête interne, pas sur les employés. Ça veut rien dire, ça. Attendez, c'est quoi cette histoire Mener sur les membres d'un service public. Ah oui, parce que c'était marqué les chefs de service, je crois. Maintenant, il est marqué les membres d'un service public d'une administra administration. Donc ça, ça a été résolu parce que c'était à mon avis du coup une erreur. Euh, on va voir la suite. En cas de doute sur le bien fondé d'une enquête portant sur le bureau du procureur ou le bureau du juge, cette dernière peut être analysée par, le con par un conseil composé de trois chefs de service des forces de l'ordre. Ou d'un membre du commandement par défaut. À défaut ainsi que le gouverneur et son adjoint qui peut la classer sans suite à la majorité. Ok. Donc les trois chefs et le gouverneur. Ou éventuellement des, commandements, du, du, des membres de commandement ou, ou l'adjoint du gouverneur. Il y sera également statué la, de la pertinence de la suspension éventuelle de la personne incriminée. La suspension de la personne incriminée. Bah, la suspension si elle est dans les dans les forces dans les euh, dans les services publics, mais euh, mais c'est rarement un membre des services publics qui porte plainte contre le bureau du procureur. Hein. Au rôle du bureau du procureur, le bureau du procureur est chargé d'initier et de mener les enquêtes préliminaires incluant la collecte de preuves, les interrogatoires et la compilation des faits. Donc ça c'est pour les enquêtes internes. Pour les enquêtes internes, c'est le bureau du procureur qui fait les enquêtes préliminaires. Voilà. Euh, conflit d'intérêt si l'enquête est interne concerne le bureau du procureur, y compris le procureur général ou son adjoint. Ah oui, non, la personne incriminée, autant pour moi, la, la personne incriminée, c'est pas celle qui a porté plainte, c'est celle contre qui on porte plainte. Euh, donc, on reprend. Si l'enquête interne concerne le bureau du procureur, y compris le procureur général ou son adjoint, donc le bureau du procureur en fait, l'ensemble de l'affaire est géré par le bureau du juge. Un juge est désigné pour superviser l'enquête, prend toutes les décisions judiciaires et garantit l'impartialité. Donc là, c'est un mec qui fait tout, si c'est le bureau du procureur. Inversement, si l'enquête concerne un membre du bureau du juge, le bureau du procureur prend en charge l'intégralité de l'enquête et de la procédure judiciaire en veillant à maintenir une conduite équitable et objective. Oui, bah, en même temps, euh, je crois que ça reste dans son serment. Notification des droits des concernés. Est-ce que j'avais noté un truc Juge enquêteur. Il juge pour l'époque. Je comprends pas ce que j'ai mis. Je vais l'effacer parce que je comprends pas ce que j'ai mis. 3. Service au courant que son chef est pris, en... pas. est pris par une enquête. Je vais le laisser parce que ça se trouve c'est plus tard. On verra. Je pense que. Alors, notification et droit des concernés. Les chefs de service sont informés de l'ouverture de l'enquête, de la nature des charges éventuelles lorsqu'un membre du service est soumis à une enquête. Dans le cas d'un chef de service sous enquête, c'est le maire ou gouvernement qui doit être informé. Les personnes enquêtées ont le droit à une représentation légale et à une assistance pendant les auditions. Ok, euh, je pense que c'est ça que je voulais dire par euh, le service au courant que son chef est pris par une enquête. Ah non, c'est pas ça. Je pense que c'est juste le maire qui sera au courant, du coup. Mais euh, Ou le gouverneur. Euh... C'est mal formulé en vrai. Euh... Moi je mettrais dans le cas des chefs de service sous enquête. C'est le maire ou le gouverneur de qui doit être informé. C'est pas le maire ou le gouverneur, c'est euh, le responsable. Je vais quand même le mettre. Euh... Mal formulé. Nervogouv, responsable du chef de service. Enfin, faut tourner ça autrement. Moi, je trouve que là, c'est mal formulé. Euh, décision finale Les conclusions et recommandations sont présentées par l'entité supervisant l'enquête, soit le bureau du juge, soit le bureau du proc, en fonction du conflit d'intérêts. À la suite, la décision est rendue par le bureau du juge. Waouh, 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 je relis ça. Les conclusions et recommandations sont présentées par l'entité supervisant l'enquête, soit le bureau du juge, soit le bureau du procureur, en fonction du conflit d'intérêts. A la suite, la décision est rendue par le bureau du juge. C'est-à-dire que le bureau du juge juge quand même les juges. Dans le cas d'une décision contre un juge, c'est un autre qui devra s'en charger de la décision finale, évidemment. Si l'enquête préliminaire précause, préconise un classement sans suite, le bureau du juge peut valider la préconisation du bureau du procureur et émettre sa décision finale. Ok. Bon, on va rentrer, on va se faire soigner et euh, on verra après euh... la suite. Parce qu'il y a encore des trucs. C'est un peu long, il y a beaucoup de. Et bonsoir. Et bonsoir. Je bon viens -moi. Euh, pour une visite de contrôle suite à une chute qui s'est passée il y a pas plus d'une heure. Ok. Dites-moi comment est-ce que vous appelez Jim Parks. Comment est-ce que vous écrivez Parks euh, p a r k s Ah oui, Parks, ok, j'ai compris avec un B. Ok. Euh, eh bien, Barks. je vous laisse me suivre. Alors, il me semble du coup que c'était au niveau du tibia. Euh, j'ai et... attel. ouais, une attelle, ouais, c'est ça, j'ai une attelle à la jambe. droite. De tibia et, euh... et c'est aussi du coup au, au niveau des côtes, c'est ça Oui, 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 c'est ça, il y a une euh... fissure, fracture, fracture, ouais, fissure, ça. Fissure, je crois. fissure. fissure, Ouais, c'est ça. Ok, et bien dans ce cas, je vous laisse enlever votre haut et votre bas si vous le pouvez, sinon je peux vous aider et vous mettre sur la table. Ça devrait aller. Il y a les gants aussi, on va pas rester juste avec les gants. Ça n'a pas trop de sens. Hop là. Ok, alors je vais faire d'abord une petite radio j'arrive d'ici deux petites minutes, d'accord Pas de soucis, je vous attends là. Ah, tout de suite. Bon, bah, on va continuer. Hein. Euh, publicité des décisions de justice. Dans le cadre du principe de publicité de justice, les décisions de justice rendues par le bureau du procureur ou le bureau du juge sont transmises aux organes de presse locaux de manière hebdomadaire. Ces décisions seront anonymisées. Cependant, les décisions de justice jugées importantes, d'utilité publique ou ayant fait l'objet d'une couverture médiatique importante, seront rendues publiques sans anonymisation. Le bureau du procureur peut décider de rendre public des, des éléments d'enquête et d'intervention afin d'éviter toute diffamation ou atteinte à l'ordre public durant l'enquête. C'est bizarre ça. C'est bizarre, mais euh, ok. Bon, pourquoi pas. Et du coup, c'est ce qui s'est fait il n'y a pas longtemps. Ok. Alors, du coup, de ce que j'ai pu voir, ça a l'air d'aller mieux. Je vais pouvoir retirer la telle et non. votre bandage de maintien. Voilà, je vais d'abord retirer la telle tac voilà hop voilà ça c'est bon et du coup je retire également le bandage de maintien au niveau euh, des côtes hop donc on déroule ça tac voilà voilà et nickel normalement tout est bon monsieur vous allez pas vous relever et vous rhabiller Et également, si vous n'avez plus besoin, du coup, me rendre également la canne. Euh, oui, tout à fait. Il faut que je vous rende ça. Et nickel. et bien, si tout est bon pour vous, je vous laisse me suivre. J'ai pas eu mon petit peignoir cette fois. Et voilà, monsieur. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Et de rien, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Bon. Oh. Étape suivante, on appelle un taxi pour rentrer chez nous. Euh. Tac. Est-ce qu'ils sont ouverts déjà? Apparemment, il y a beaucoup de taxis qui sont pas là, alors. Euh Bonjour, j'aimerais me rendre chez moi depuis l'hôpital. Merci. Ok, le temps que le taxi arrive, on continue. Secret professionnel et confidentialité. Est-ce que j'ai noté des trucs Attendez. Euh... Non, on n'y avait pas encore. Ah, mais non, attendez, j'étais tout sur le 3.2.2. Ah, bah, il y a plein de trucs qui ont sauté alors. On va voir, on va continuer à lire quand même. Les forces de l'ordre, le bureau du procureur le bureau du juge et les avocats sont soumis au secret professionnel quant aux éléments obtenus durant l'enquête. Euh, tout douce. Tout doucement, non, pas tout doucement, tout document. Il y a un U en moins. C'est marrant ça Ah non, c'est pas un U en moins, euh, si on inverse deux lettres de document, ça fait doucement, c'est rigolo. Tout document de l'enquête est soumis à la confidentialité par une mention apportée explicitement sur chaque document. Toute communication d'une pièce du dossier à une personne extérieure à l'enquête doit être autorisée par le bureau du procureur ou le bureau du juge. Le document doit être anonymisé en l'absence d'accord d'une partie du dossier. l'absence d'accord d'une partie du dossier ouais alors ça contredit un peu oh là alors attendez euh, c'est quoi ça 2.3 2.3.4 absence d'accord d'une partie ça contredit euh, le fait de rendre public si Parce que je rappelle que... Décisions de justice jugées importantes, utilité publique ou ayant fait l'objet d'une couverture médiatique importante seront rendues publiques sans anonymisation. Les décisions de justice... sont a priori... Ah, est-ce que les, les, les décisions de justice sont une... Euh du dossier peut-être pas non c'est pas une pièce du dossier parce que le dossier c'est pour l'enquête et la décision de justice c'est à la fin de l'enquête on peut dire que non un taxi rouge et bonjour ou oh, bonsoir oui. ça marche aussi euh, ça serait pour aller en 61, 67, s'il vous plaît. Parfait. Bon, comment ça va vous ce soir Eh ben écoutez, euh, jusqu'ici tout va bien. Bah, tant mieux. Et vous Oh bah, euh, je sors d'hôpital, donc ça va pas si bien que ça, mais, euh, mais ça pourrait être pire. J'ai juste fait une chute. C'est pas fait, bon. pas, pas... Je suis pas pris de balles. Euh... Je me suis pas fait enlever. Tout va bien. La vite. Ouais, il y en a beaucoup dans cette ville. Oui ouais, des intersections comme ça ou où... sirène ouais, ils sont pas ils sont repartis au sud d'accord Vous avez Louis Finn Je les ai vus mais alors euh, l'espace ah. d'une de demi seconde à peu près <laughs> En regardant à droite euh, au carrefour j'ai vu la l'ambulance Et... disparaître des formations professionnelles, euh, probablement. Euh... C'est la suivante à gauche. Ici là. Ah, après le après le mur de de et Après les. Attendez, je. Hop, 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 vous pouvez hop, vous garder à gauche, oui. Hop. Et voilà. Hop. Avez-vous un code d'entreprise? Pas du tout. Du tout? Non, non. non. Euh, hop. Je ah, regarde ça. Hop. 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 Mince. Euh, donc, un kilomètre de sang, ça fait deux kilomètres comptés. Ça fera 500 dollars. La petite facture. Et voilà pour vous. Hop, je suis ici. Et voilà pour vous. Et merci bien. Ah, merci. merci Et très bonne journée. Bon courage. Et bonne soirée à vous. Bon courage. Je suis pas rentré dans cette ville-là depuis tellement longtemps. Je me j'y rentre en fait euh... si on va finir euh, on va finir de regarder à finir de regarder les codes de loi depuis le canapé ce fauteuil même hop là et ensuite on ira on saura sauver j'ai pas la suite on ira vérifier. Euh, on ira reprendre un antidouleur et euh, j'ai pas oublié une autre chose. Non j'ai tout. Bon non alors pour un antidouleur peut-être pas bien Alors. Euh, ensuite, euh, signature, déposition, audition Toutes dépositions, auditions et plaintes Devront être relues et signées par les parties Pour s'assurer à leur conformité euh, Délai de réflexion, toute personne convoquée dans le cadre d'une enquête Dispose d'un délai de 30 minutes maximum pour, De réflexion à côté du moment où les faits Lui sont exposés L'attente s'effectue au sein du bâtiment de la convocation Et sans téléphone Sans téléphone euh, S'il doit appeler son avocat euh, C'est quand même mieux qu'il ait un téléphone Ah non, la police peut le faire pour lui euh, recours. Alors, attendez, parce que j'ai pris des notes, je vais essayer de les retrouver, parce que j'ai un truc qui parle des, re des, des recours. Le 2.4, je pense qu'il n'existe pas. Il y avait un truc qui disait les décisions prises par les forces de l'ordre, yan Ils ne pas de décision, les forces de l'ordre. Mais euh, je pense que is ok, maintenant, ça a été enlevé. Euh, il y a l'accord à l'amiable, j'avais pris des trucs dessus. Euh, un truc qui parlait des avocats qui signent. Euh, il y avait des diagrammes. Mais les diagrammes, je pense que c'était euh, Weasel News, peut-être qu'il les avait fait. Je pense pas que... Enfin, ça ne sera pas dans le code de loi, à mon avis. Enfin, on verra. Euh... Ok, j'ai noté encore pas de recours sur les décisions du juge, donc on va voir ce que ça dit. Recours Le procureur général ou son adjoint peut casser et réviser une décision de justice rendue par le, son bureau dans un délai maximum de 48 heures. Il n'y a pas le mot maximum, mais euh, c'est quand même euh, maximum. Donc le procureur général, il peut s'auto euh, ou son adjoint, peuvent casser des, des, des décisions du bureau du procureur. Les décisions rendues par les forces de l'ordre ou le bureau du procureur peuvent faire l'objet d'un recours devant le bureau du juge dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision. Décision de justice, les décisions... Ah il n'est pas marqué de justice du coup je vais quand même poser la question parce que hop, au 2.4 les décisions rendues par les FDO trois petits points Décision de justice ou euh, toute décision flag etc Emmanuel eh Taïr Parce que ça, ça veut dire que sinon, plutôt que de payer les 40% et d'aller en procès, tu laisses le procureur faire un truc et ensuite tu fais un recours. Et du coup, ça casse le système. Les recours à une décision du bureau du procureur devront être portés au bureau du juge dans les 48 heures suivant la notification de décision. Le bureau du juge aura la charge de répondre au recours. L'avocat du plaignant pourra assister son client durant le recours. Les décisions du bureau du juge. Sur un recours ne peuvent faire l'objet d'un autre recours et sont définitives. En fait, si il y a un recours sur les décisions du bureau du juge, mais c'est noté ailleurs. Euh, c'est noté, c'est noté, c'est noté dans Enquête, je crois. Procédure de recours et jugement final. Je vais quand même le notifier, c'est pas un problème, mais c'est pas noté. Euh, c'est noté ailleurs donc c'est pas très grave, mais, euh... mais voilà, je vais le noter quand même. Euh... Alors, pas de notification du. Recours sur décision d'un juge. Droit de visite en prison. Si la durée dépasse 2h30, le bureau du procureur peut autoriser une visite en prison. Cette visite est autorisée à une personne à la fois pendant 10 minutes. Euh, durant, la, durant la durée de la peine, une seule visite par prisonnier est autorisée par tranche de 24 heures d'incarcération. 24 heures d'incarcération t'as droit à deux visites si tu passes deux jours en prison. Une personne à la fois, c'est nouveau ça. Mais bon, ça, euh, bon, pas, pas très grave. Hop, on vire les diagrammes, les avocacines, même si pas d'avocat ça n'existe plus. Ils ont viré quand même pas mal de trucs qui étaient un peu. Euh, euh, quel est le fuck enfin, Il hein. y a plus de notation. Il y a plus de mention de, de, de l'accord à l'amiable. Application des peines. Et bonjour Madame Coine comment allez-vous euh, Bonjour, alors c'est plus Madame Coine. Ah, oh, c'est terrible ça, vous changez je de nom me suis... bah, Je me suis mariée, oui. Ah, bah c'est pas terrible du coup, c'est plutôt bien. Bah, <laughs> oui, oui, Félicitations oui. du coup. Bah merci. Euh, je vous appelle par rapport à Cookie Event. Oui. Euh, J'ai deux questions. Oui. La première étant est-ce que la personne qui a gagné ces euh, trajets a été mise au courant euh, alors, je n'ai pas été là du tout de la période de, 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 de défaite, donc c'est euh, Eliana qui s'en est occupée, mais je regarde si euh, ça a été noté. Euh, pour, le, pour le calendrier de la vente. C'était euh, Elijah Stone. Alors... Euh... J'ai alors, j'ai mm -hmm. pas de mention, mais son nom est en vert. Mais comme je m'en suis pas occupé, je sais pas à quoi ça correspond. Mais son nom est... ressort euh, par rapport à d'autres. <laughs> D'accord. Voilà. Euh, je sais pas si ça veut dire qu'il a été contacté ou quoi, ou... 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 mais euh, je peux faire, je, je ferai, là, je demanderai. Euh, je, vais, je, vais, je vais demander directement. Euh... Ah, il a, Si elle a des, des... Des infos sur ça parce que vous n'avez pas eu de, de nouvelles depuis c'est ça euh, non non et puis parce qu'on a changé notre système euh, donc euh, parce que je, normalement il y avait eu un code je crois qui avait été créé je sais pas s'il avait été transmis ou pas mais du coup il n'y aura plus besoin de code d'accord et mais par contre il nous faudrait un numéro de téléphone de ce cette personne euh, a, priori, si vous avez. a priori ce serait le 3060 3060 merci beaucoup parce que du coup, ça fonctionnera avec son numéro de téléphone. Ok. Bon, bah, voilà. Bah, ok. Et bah euh, à ce moment-là, je euh, essaierai d'appeler Liana demain. Euh, oui, demain, Ou elle sera là. là. On sera là demain. Alors, demain soir, on sera là tous les deux. Dans l'après-midi, je ne sais pas. Ok, bah moi, pareil. <laughs> bah, du coup, demain soir. A priori. Ok, ça marche. <laughs> ouais, bah, on fait comme ça. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci bonne soirée bonne soirée au revoir elle m'a pas donné son nom je vais pas demander euh... Charlie Paqua <laughs> voilà J'ai pas fait les trucs de... Alors attendez, 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 attendez. J'ai pas fait les trucs de Deli du coup. Euh, elle m'a demandé en flash. Souhaitez-vous qu'un m'en d'Eclipse... un éclipse néné, néné. système flash Oui. Trois grilles. J'ai mon justificatif. J'ai son numéro de téléphone. Euh, J'ai son CID qu'elle m'a transmis. C'est bien Eliana Torres. On valide. On est bon. Et je vais lui demander directement euh, dans 21 groupes sur calendrier de l'avant à Le LST me demande si le gagnant du. L'eau les concernant a été prévenu. Euh, il est en vert dans le tableau. Mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Moi je le connais le nouveau nom de Charlie Quan. Quan, euh, c'est avec un O Non bah non, je l'ai recopié de... C'est un A. Normalement je les, je les... Ah mais alors attendez, euh, je peux aller chercher ou je les recopié. peut-être que ça sera encore là. Entreprise et association, et c'était... alors, quel est machin? Euh... Ah ouais, il y a les deux numéros de téléphone, mais il n'y a qu'un nom. Donc j'ai pas son nom à Charlie. dommage Du coup, on a plein de numéros de téléphone de plein de gens. En vrai, euh, tiens, on va regarder qui a gagné. Je vais vous donner les noms des gens qui ont gagné des Léo, sans forcément vous dire ce qu'ils ont gagné, parce que, parce que ça serait long. Mais comme ça, s'il y a des gens que vous connaissez, bah, vous saurez qu'ils ont gagné des trucs. Il euh, y a Olympe Morrison. Oh, son nom est trop long, il rentre pas. Euh, Olympe Morrison Charpentier. J'imagine que Olympe, c'est son prénom. Qu'elle s'appelait Morrison. Qu'elle s'est mariée avec un charpentier. Euh, Bastien Bristow, Erland Utterson, Ciel euh, Phantom Hive, <laughs> ah ouais. Lily Summers, Olivia Asher, Margot Auguste, Amy Dulac, Mike White, Kyle Lorickson, Dwayne Redsky, Gina Fell Brown, Alethea waouh c'est dur à prononcer ça aussi. Euh, Robert Bison Naoka Laplace Henri Trace Calvin Ox Ruby Lynch Walker Lynch plutôt que Lynch euh, Ruby Lynch Walker Lino Morales Elijah Stone Faut que lui, là. Winifred Elness Olivia Asher, je la connais Bah tu vois, elle a gagné euh, Olivia Asher, Olivia Asher, Olivia Asher, Asher, elle a gagné euh, Je sais pas ce qu'elle a gagné <laughs> Il y a son nom, mais euh, il n'est pas marqué euh, ce qu'elle a gagné. <laughs> euh, Winifred Elnest, euh, Joey Elnest. Oh, et dis donc, ils ont gagné hein, un lot chacun. Ouais. Euh, Le Rushkov, David Pinsley. David Pinsley, ça me parle aussi. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Jean-Michel Hazard, que, qui doit parler à pas mal de monde. Matt Clinton, Ace Malone que ça fait longtemps. Mike Rimenez, qu'on a croisé à notre événement Hunger Games. Boris Poiré. Eden Henley. Oh, oui, c'est vrai qu'Eden avait gagné. Matt Perry. Byron Sachs. Zirka Duca. Jamal Bell. Kenan Twain. Gareth Hawthorne. Riley Shadow. Ah, Riley Shadow aussi, on l'a croisé au Hunger Games paul Oleniac, alixir everest, eh hey, Alixir, il a gagné un truc, 1000 jetons ça aurait été rigolo que il gagne une presta de Alixir. Euh, f. tanaka, sacha johnson, jovan savic, qui ne se prononce peut-être pas du tout comme ça, sheldon blake, medlois raven roy, abraham august, et hey, ça fait deux fois lui, et Hailey jones. Abraham ah, Auguste Non, c'était Margot Auguste la, dernière, la première fois. Qui sont peut-être frères et sœurs, euh, ou mariés-femmes. Elle, a, elle, elle a eu un fond d'écran personnalisé. Et lui, il a eu... Oh, il y a eu une motoneige Made Medl... Lois Roy, elle a gagné une motoneige. Il y en a 3-4 noms que je connais, plus 2. Ça fait 5-6, ça. Tu fait connais une douzaine de noms, Ah, quand même. Hein. Bon, après, il y a des noms, euh, c'est des... des, des... Alixir, par exemple, bon, c'est euh, une célébrité. Euh... hasard c'est pas une célébrité, mais il est sacrément connu quand même. Euh... Enfin, il a fait beaucoup d'endroits, de, donc euh, sans être une célébrité, il y a beaucoup de gens qui ont une raison de le connaître. Même si on vrai il y a plein de gens qui ne le connaissent pas aussi. Est-ce qu'elle m'a répondu Faire égale personne contactée. Je rappellerai la personne demain pour la relancer. Euh... Ok. Euh... Charlie m'a contacté. Pour me dire que leur... Enfin, elle m'a contacté, je viens de le dire. Je... M'a indiqué que leur... Système avait changé, plus besoin de code, ça passe par son numéro de téléphone téléphone maintenant. Euh, si tu as besoin d'aide, enfin si tu, enfin ouais, si d'aide pour contacter des gens, ouais, aider là-dessus. Je sais pas si elle a contacté tout le monde du coup. Euh, et je vais envoyer un message à euh, Charlie du coup. Oh, bonsoir. A priori, la personne a été contactée. Non, on va pas mettre la personne, on va mettre le gagnant. Non, on va mettre la personne parce que je sais pas. En vrai, Elijah, je crois que c'est plutôt normalement c'est plutôt un nom masculin, mais notamment en Amérique ils aiment bien, euh, ils aiment bien euh, avoir des noms mix. Il y a beaucoup de noms mix qui pour nous paraissent euh, très connotés euh, féminin ou masculin, mais eux ils mettent les deux. Euh, et du coup, euh, on va mettre la personne. Comme ça, je me mouille pas. Euh, a priori, la personne a été contactée. Euh, Ellie, Anna. Il y aura une relance demain. Hop là. On va manger, on va boire. Parce que c'est important de ne pas mourir. Et puis après, euh, pop, 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 pop. après on va regarder la Toulouse. Il y en a, c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Bah oui, en fait, les gens qui sont là depuis longtemps, on a plus de chances de les... Il y avait Naoka, tiens aussi, je l'ai lu sans... sans faire gaffe. Euh, les gens qui sont là depuis longtemps, tu as plus de chances de les connaître. Après, il euh, y a des gens qui sont là depuis longtemps et dont j'ai euh... jamais entendu parler. Ou alors, euh, très peu. Genre, Eliana, en vrai, avant de la recroiser à la mairie, Héloïse m'en avait déjà parlé, elle l'avait mentionné quand elle me parlait du Weasel, mais euh, j'avais... Bah, bah, euh... Euh, je l'avais jamais croisé plus que ça, peut-être une fois. Au... Euh, en, en vrai, on s'était peut-être croisé une fois par hasard euh, quand on était là, monté en 50-25 euh, par ici. Mais, euh... Euh, ok, donc ça, c'est good. Ça c'est good, on a fini de lire tout ce qui était euh, judiciaire. Donc on va pouvoir euh, valider ça. Ah on peut peut-être en parler, euh, je vais le mettre sur ma to-do. Hop, on ouvre la to do. Et on va remplacer revoir l'intégralité des textes de loi sur les juges par euh, discuter avec Davis du texte de loi sur les juges. Alors, dans les trucs qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on euh, qu qu finisse d'avancer sur le mashup, mais on a une réunion vendredi, a priori, avec Cookie Event, pour parler de ça, enfin, pour planifier. Si on peut le terminer d'ici là, ça pourrait être pas mal, parce qu'il y a encore deux trucs, deux phrases, trois phrases à voir, je crois. Euh, deux spéciales, et une qu'on avait virée, mais qu'on n'a pas remise, donc il faut qu'on la finisse. Euh... Euh... Faire des recherches de locaux, j'en avais noté quelques-uns. On va pas forcément faire ça ce soir. Euh, je préfère le faire avec Ellie, c'est plus sympa. Euh, préparer un dossier pour auto-entreprise, bah du coup, en fait, ça va peut-être être replacé au second rang si je postule au. Euh, au, 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 au. Weasel News, postulé au Weasel News. Je vais mettre ça, ça fait partie des trucs à faire. Euh, le dossier de l'avocatitude, parce que... On va le mettre entre parenthèses. On va mettre ces deux-là entre parenthèses, parce que c'est pareil, dossier avocat. Être avocat et, et journaliste en même temps, il faut voir si ça dérange euh, le Weasel ou pas. Discuter avec Davis du texte de loi sur les juges, ok Faire de l'off-fraude, ça c'est au euh, général. Et il euh, y a le fameux projet secret dont je, que je ne vais pas évoquer ici. Euh, concernant Ellie. Parce que... Je lui ai envoyé un truc. Je vous le montrerai, mais je vous le montrerai quand je lui aurai envoyé. Parce que si jamais par hasard euh, elle tombe dessus, euh, et bien bah, c'est plus une surprise. Euh... Et bah, ben dans tout ça, le mieux, ça serait de voir Davis parce que c'est tout frais dans ma, dans, ma, dans ma mère adjoint Davis 36. Non, je crois pas, non. Euh, Est-ce qu'on a le numéro du, du gouverneur quelque part accessible Par exemple, dans Annonce il doit y avoir quelque part le conseil, euh, pas, pas municipal, mais enfin le, les gens qui bossent avec lui, là. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça d'ailleurs Inscrit au barreau de d'accord. Il n'y a pas une liste des gens qui bossent là. Alors. Bogart, je l'ai peut-être. Non. Et il y a Mimi Watson qui travaille avec eux. C'est trop Mimi. Alors, on va rajouter ça Léonard, Davis, les Gouves. 1851. Bah non, c'est un nouveau contact. Je recherche quelqu'un que j'ai pas. Bruce Bogart. Il est goût aussi. Mais adjoint. On va faire ça comme ça. 5,39. Et ça sert toujours à rien de faire une recherche parce que c'est toujours quelqu'un que j'ai pas. Gouv, conseiller, Mimi Watson, 47,59. Beaucoup trop de Gouv. Faudrait que je fasse du ménage là-dedans aussi et que je mette des points d'interrogation auprès de tout le monde pour dire euh, qui n'y est plus. Euh, t t t t t t J'ai quand même beaucoup de trucs d'écrire. Oui, allô. Et bonjour, monsieur Davis, Jim vous, Parks. Parks. Vous allez bien ouais, ou... Ça va et vous? Mais ça va, ça va. Euh, je vous appelais euh, oh. sur conseil. Euh, oui. euh, J'ai regardé euh, au moment où c'est sorti, j'avais euh, j'avais pris pas mal de notes sur les réformes, euh, la réforme judiciaire, enfin la, la oh, réforme oui. des juges du coup. Il oui. euh, y a pas mal de choses qui ont déjà été changées. je viens oui. de faire une révision du coup. On essaye mes notes. Euh, euh, de simplifier tout ça. Ouais, puis il y avait des trucs qui étaient euh, je trouvais pas très clairs puis qui, qui le sont plus. Ou alors euh, des fois qui étaient un peu. Il y avait des trucs bizarres qui ne le sont plus. <laughs> euh, ceci dit, j'ai toujours. Euh... C'est souvent des trucs qu'ils ont passés entre les mains du filet. Hein. Je pense. Euh, il y avait notamment euh, une histoire de. Je me souviens d'une phrase qui disait euh, les... les décisions prises par les forces de l'ordre, alors que dans la procédure, oui, jamais euh, les oui, forces de l'ordre ne prenaient qui... de décision. Je pense que ah, oui, c'est juste. Euh, voilà. Euh... J'aurais voulu savoir parce que bah, je, moi j'ai ces notes mais je peux pas en faire grand chose. Si vous vouliez euh, éventuellement qu'on se voit pour en parler, je vous euh, remonte ce qui me, moi me paraît euh, soit me fait me poser des questions, soit me paraît encore peut-être trop peu clair, soit, euh, mm -hmm. soit soit juste me paraît à moi normal et peut-être à vous normal. Hein, après ça sera à vous de juger. Euh, Est-ce que ça vous intéresse? Dans l'absolu, oui, totalement. Euh, au niveau du camp, c'est un poil plus compliqué, parce que je vous avoue que j'ai des milliards de trucs à gérer dans Ouf. les deux prochains jours. Oui. Euh, ce qui pourrait être intéressant, ce serait qu'on arrive à se voir avec le juge Kibo, parce que lui aussi, il a pas mal de retours à faire, donc si ça se trouve, ça va coïncider ou il aura un avis spécifique. Oui, c'est pas mal. Ouais. Euh. Euh, vous êtes là comment en termes d'horaire euh, généralement Cette semaine je serai là tous les soirs, euh, j'ai quelque chose demain soir, mais si vous êtes pris les deux prochains jours... Euh... Ouais, c'est les soirs comment C'est ça la question C'est les soirs comment C'est les soirs, euh, on va dire, entre 21h et, et... et minuit, 3h quoi. D'accord, <laughs> mais c'est justement parce que moi généralement avant 22h30... Euh, ah oui oui, euh, bah je peux faire tard. Ok, ça marche. Juste qui vaut, généralement, il peut faire plutôt tard aussi, donc je, ce sera probablement dans la deuxième partie de cette semaine, en fin de soirée. Ok, pas de souci. Euh, si juste vous pouvez, ah oui, euh... vendredi j'aurai sûrement quelque chose, mais c'est plutôt en début de soirée, donc au pire si, mm -hmm. si c'est pas fini quand vous êtes dispo, ce n'est pas très grave. Vendredi, bah, vendredi, moi en début de soirée j'ai un truc pour le coup, parce que on a la nomination du nouveau juge. Ah oui, bah oui, euh... Euh, oui, ça va vous prendre un moment, oui. Mais euh, vendredi en fin de soirée, c'est éventuellement faisable. Ok, bah, euh, donc euh, voilà, moi à part demain, euh, tous les soirs euh, c'est ok. Euh, si, vous pouvez, vous, si, si on peut prévoir un rendez-vous, c'est plus simple. Ça, ça permet de fixer une date oui. et, et d'être sûr que tout le monde soit là. Euh, si c'est pas faisable, bah, on le fera à la volée euh, en espérant que les trois soient dispo au même moment. Du coup, ouais, ça marche. Euh, Qu'est-ce que je dis Vous êtes toujours sergent au LSPD ou pas du tout euh, Non, plus du tout. J'ai quitté le LSPD euh, okay. à la. Pas à la mairie précédente, la mairie enfin, à la mairie d'avant. Enfin, pas la mairie en cours, à la mairie précédente. Euh, voilà. D'accord. Je, 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 je vous dis comme ça dans mon répertoire. Oui, euh, oui. Faites oui. quoi euh, Là, actuellement. Savoir, euh, euh... Pour mettre à jour mon répertoire, c'est tout. Là, actuellement, euh, pas grand-chose. Si vous voulez mettre quelque chose, euh, vous pouvez mettre Cookie Event, qui est une association d'événementiels. Oui, okay. euh, voilà, je me dédie principalement à ça en ce moment. Ok, pas de souci. Voilà, voilà. Euh, ça roule. Euh, partons sur euh, vendredi, fin de soirée. Euh, N'hésitez pas à appeler parce que c'est pas dit que je me rappelle de tout. <laughs> ça marche. Euh, mais euh, j'essaierai de faire en sorte d'être disponible à ce moment-là. Ok, pas de problème. Et eh bah, ben, je, je renverrai peut-être un message en début de soirée du coup. Et puis, de euh, toute Allez, façon, vendu. ça sera pendant, le... euh, pendant la nomination. Vous, vous aurez la tête ailleurs, oui. mais au moins. Je euh... sais pas quoi Voilà. <laughs> pas de soucis. et pas de souci. Et eh bah, ben, merci euh... beaucoup. Et eh bah ben merci à vous, je une bonne soirée. Et bonne soirée. Il m'avait un sergent Davis, 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 Davis. Il a peut-être été procureur Davis. Il me semble qu'il y avait un procureur Davis, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce Davis-là. Je me demande si c'est pas un Davis D-A-V-I-E-S en procureur. Et du coup, euh, je sais pas si c'est le même. Sinon, pourquoi il mourait en sergent Ou alors parce qu'il a été maire, ou il a peut-être noté tout, ou alors parce qu'il a été force de l'ordre, j'en sais rien. Je ne sais pas trop pourquoi. Euh, ok, bon, bah, ça c'est fait euh, vendredi, c'est pas la, la date qui m'arrange le plus, hein, du coup, mais euh... mais bon, on verra. De toute façon, la réunion, c'est juste pour planifier. Euh... Il a été avocat Davis. Ah, je l'ai sûrement appelé. Euh... C'est sûrement ça, j'ai dû l'appeler en tant qu'avocat. Il devait être avocat commis d'office. Et du coup, moi, j'appelais tous les avocats commis d'office quand on me demandait un avocat. Il y en a jamais eu plus de trois, je crois. Mais s'il on en avait eu plus de trois, j'en aurais appelé plus de trois. Moi, je suis pour l'utilisation d'un avocat si les gens le veulent. Euh, sauf les... Sauf les casse-couilles. Mais en vrai, euh, même les casse-couilles. Parce que... Parce que moi j'en ai pas vraiment connu, je pense, des cascouilles en... Et en vrai, même les cascouilles, s'ils veulent un avocat, ils sont un avocat. Euh, donc discuter avec Davis du texte de loi sur les juges, on peut changer ça en rendez-vous vendredi sous... euh, deuxième partie de soirée avec Davis. Pour le texte les docs de loi ok euh, bon bah du coup ça m'arrange pas parce que parce que ça ça pouvait me prendre du temps là c'est et du coup il va pas du tout bosser sur son programme là. attendez on va rappeler archer Évidemment, il est occupé. Évidemment, c'est Archer, il est au téléphone. Euh... T'as réussi à voir personne pour ton programme? C'est quand même demain! La date, la date butoir. Euh, euh. Non, lui, lui reste. Évidemment, j'en ai pris un. J'ai pris le premier. Lily Flores, le gouverneur. faire ça, il n'y en a pas beaucoup au gouvernement. Sam Denver's On va enlever le adjoint, elle a été gouverneur. Elle avait à l'époque où elle était euh, adjointe. Et firo euh... On va aller voir... Euh... Attendez, attendez voir là et si on va virer tout ça et on va mettre oh ouais il n'y a pas des gens il me semblait qu'il y a des gens qui avaient des emojis euh... Avion ou tête de mort pour les gens qui étaient partis ou pas. Et euh, Je le vois pas dans la liste. Est-ce que la liste serait plus grande que ça Si je tape avion. Est-ce que ça met un avion Non. Si je tape... fly. Est-ce que ça me met une mouche Non. Il y a un avion et un cercueil. Bah, il me semblait qu'il y avait un truc pour les morts et un truc pour. Et j'ai pas, euh, j'ai pas l'avion dans la liste. Je peux vous le dire, hein j'ai un burger, un hot-dog, un chocolat, du chocolat, euh, de la bière, soda, donuts, aubergine, pêche, banane. Et il y a un truc qui s'appelle car, ça doit être un t, cat, un chat, euh, chien, dauphin, euh, licorne, lapin, poisson. Euh, canard, euh, fleur, euh, cactus, eau, euh, étoile, lit, EMS, médicaments, sparadrap, doc, police, boom, stop, interdit, on peut mettre un boom à la limite. <laughs> euh, interdit, feu, euh, réparation, ticket, alien, on peut mettre un alien aussi. Oeil, poupe, dollar, sirène, papa noël, maman noël, bonhomme de neige, noël, euh, cadeau de... Euh, Sapin de Noël et cadeau. Voilà, j'ai que ça moi dans la liste euh, officielle déposée euh, sur le Discord. Euh... Non. Hein. On va faire ça. Parce qu'il est plus sur l'île alors... Euh... Oh bah ça marche pas non plus Comment ça ça marche pas c'est la liste officielle. Comment ça peut ne pas marcher? Je fais. Euh... Ça. Il n'y a rien qui marche. Mais pourtant, attendez. Il y en a. Ah, j'ai peut-être fait des copier-coller en vrai. C'est peut-être des copier-coller. Du coup je peux mettre ce que je veux. Il suffit juste euh, que j'aille euh, sur Discord. Que je m'écrive un truc au hasard. Une super technique pour ça, j'ai un, euh, un groupe de que moi. Euh, et que je mette un emoji, par exemple, au hasard. Euh, Y a pas. Un... Bon bah on va mettre un avion, c'est pas grave. Si je fais ça là comme ça, ah bah ça marque airplane. On tente. Ça marche pas. Comment j'avais fait <laughs> Je vais y arriver, hein, promis, je vais y arriver. Copier le lien non Copier le texte non alors on peut essayer autre chose. Je vais essayer de rajouter des, mes emojis avec le clavier des emojis. Parce que saviez-vous qu'il y a un clavier des emojis. Euh, et du coup on va voir si je peux le rajouter directement comme ça. Si je mets par exemple un avion. Je valide, ça a l'air de fonctionner. Il hein. y a un avion, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais il y a un avion. Rigolo, hein. <laughs> bon, c'est rigolo. Je, je préfère euh, presque à l'avion en vrai, parce que comme ça, ça reste en noir et blanc et euh, c'est un peu rigolo. Alors, les messages, c'est qui? Ok, il d'avancer, oui. Euh, hop, On était sur les gouves à la base. Alors, archival, il est plus gouve. Ah, il y a trop de monde. Gouve, il est plus gouve non plus. Hop. Enfin, il est plus haut, Gouv. Pourquoi il y a plein de gens qui se sont rajoutés, là Ah non, c'est parce que je commence de la fin, donc à chaque fois, évidemment. Hop, Gouv. Hop. Ouv. Hop. Tiens, il fait quoi, Diars maintenant Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Le nom me dit quelque chose. J'ai vraiment jamais mis la même chose. Conseiller. Et enfin. Will Sidberde. Et on sera bon. Et Bonjour, Diome TV. Bienvenue à toi et bienvenue aux 12 viewers qui nous rejoignent. Comment allez-vous J'espère que ton live s'est bien passé. Je nord si tu veux, dans la mairie. Et pas bah, aller, on est parti. Oh, il est en moto, du coup. Elle a une nouvelle voiture, non Elle avait pas tout ça. Elle avait pas tout ça. Si, elle avait tout ça. Si, elle avait tout ça. Elle avait une jugular et un Rebla. Bah quand j'ai mis mon C6, ça a blindé le a blindé le Ou alors il y avait que cette place et elle en a racheté une Je sais pas. Bref. j'ai l'impression qu'il y avait moins de véhicules que ça mais euh, je pense qu'elle n'avait pas la rêve là la jugular peut-être et encore je suis même pas sûr avant on en avait que 3 je suis un peu rapide là je suis un peu malade là euh... j'ai un doute un doute Attendez. Hop, on, va se, on va se garer on va descendre ouais, c'est des antibios la grippe hein. je me repère à la... à la position du personnage les antibios il, il est en position euh, gastro c'est pareil j'ai un truc avant je savais par cœur ça euh, quel médicament dans quelle situation puis j'ai oublié il y a des trucs comme ça où je le fais beaucoup, du coup je m'en souviens et après j'oublie. Ça a pas tellement de sens, mais. Hop là Allez, on part en tout droit en off histoire de refaire un ITT et de pas arriver jusque Archer. Et bonjour Arlem, comment vas-tu T'arrives avec le raid ou t'arrives euh, par hasard pile au moment du raid à pile. Au moment du raid. Ah non, au hasard. Hop là, on va passer par là. Hop hop hop, avant on va éviter de se faire écraser. Attention les enfants. Ne regardez pas le chat pendant que vous faites de la conduite en moto en vous insérant sur l'autoroute. Alors, il y a peu de chances que des enfants fassent ça, mais... Déjà, euh, normalement les enfants ne devraient pas regarder cette chaîne, parce que c'est censé être... Je ne sais pas si je l'ai mis. Je l'ai mis en moins de 18. Non, je l'ai peut-être pas mis en moins de 18. Je sais plus si elle est classifiée comme. Euh, est possible que oui. Parce que théoriquement, le serveur, pour jouer dessus, il faut être à plus de 18. Ce qui veut dire que théoriquement, il pourrait y avoir du contenu euh, perdu au mineur. Même si en vrai. C'est quand même très très soft. C'est loin d'aller dans le nord, eh. Surtout en respectant les limites de vitesse. Alors le problème c'est que rouler à 100... Enfin, je respecte pas les limites de vitesse forcément quand je suis en off-road, puisqu'il n'y euh, a pas de limite en off-road. Mais... Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de rouler à 160 en off-road. Oula, euh, il a fait un petit saut là, camion human labs. Il roule au limitateur aussi Non, il roule pas au limitateur, il va me dépasser. Non, il roule pas au limitateur. Un employé d'entreprise qui roule le limitateur <laughs> Ça n'existe pas Ouais, Liana m'a dit qu'elle le faisait. Mais je sais pas si elle le fait avec les camions du, du Weasel ou si elle le fait juste en, en perso. Et bonne année, je crois, Arlem. Je crois pas qu'on soit vu hier. Ouh Royuman right, Ou alors, si et je perds la boule, je deviens fou. C'est possible. Ça, c'est possible. Après, c'est juste mon, ma mémoire qui ne fonctionne pas très bien, et ça, c'est pas nouveau. Pourtant, je me souviens de trucs hyper précis des fois. Mais dans l'usuel, elle ne marche pas. J'ai regardé la relief ce matin. Ah donc je suis pas... ça va. Je suis sauvable. Tout n'est pas perdu. Un espoir existe encore. Ouh, je suis passé un peu proche du camion. On n'est pas obligé de se rebattre aussi vite quand même. Un petit diner là. très safe ce que je viens de faire là. Alors, allez voir le diner. Euh... Hop là. Juste vérifier. Ah, elle est belle cette voiture, dis donc, cette couleur elle est sympa. C'est la couleur de mon. Ouais, non, c'est fermé, fermé, il n'y a pas moyen de rentrer. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit diner ouvert quelque part, un endroit euh, où on peut se poser. Ça serait sympa pour faire un rendez-vous par exemple. Au hasard. Hein Fermeture de Jack le jaune. Ah Il faudrait qu'il se fasse une, une mascotte. Un gros bonhomme jaune. En plus. Enfin, en plus. En matière euh, mascotte, quoi. Avec des, des grosses mains énormes, une grosse tête énorme. Et ça serait Jack le jaune. Mettre de l'essence tout de suite. C'est une voiture de collection ça, non Des HMS qui livrent. Ils sont étonnamment bien garés pour des gens qui livrent. Attendez, elle est où la supérette Elle est là. Ils sont garés hyper loin de. une voiture comme ça comme... que les maths avaient volé une fois et où. Ah, on va peut-être reprendre des vitesses un peu plus. un peu plus de ville. Ah, les bench avaient volé, on leur avait couru après, jolis les avait poursuivis alors qu'ils étaient euh, Ils étaient à bonne vitesse et tout, et euh, ils étaient un, un peu mécontents de ça Ah ça c'est le PCS, on continue On les avait sur Vinewood et euh, c'était euh... Non, si c'est là, si si c'est là Il ah. y a un mec qui fait un truc chelou Des belles voitures ici. Il hein. y a des voitures, des motos. Waouh. Wow. Et... Hop. J'aurais peut-être pu me garer vachement plus près. Bonjour monsieur. C'est ou madame Non monsieur. Ah non madame, je pense. Désolé. Quelqu'un au téléphone, chercheur. Ah il y a neige. du boulot ben non c'est Parc. Euh, oui, que je sais qui on dit je sais qu'on dirait un nouvel arrivant qui vient d'arriver euh, oui, mais... bonjour allez, euh, allez, euh, je suis de la ferme je viens pour euh, me plaindre de ah, la, la condition de travail non, je, crois, je pensais que c'était un client quand j'ai vu le tenue non ça bon, c'était il y a il y deux, deux ans aujourd'hui plus personne ne se plaint de quoi que ce soit ils disent juste oh l'argent ah aussi de l'argent oh c'est gentil conditions de travail c'est étrable excuse-moi recherche comète safari contactez Pinocchio Pinocchio. On a le mec qui s'appelle peut-être vraiment Pinocchio quest ce que t'en sais Je crois que c'est un mensonge. Oui. Après, il y en a des qui mettent des pseudos. Ils <laughs> sont par choc qui s'allongent, ouais. Et bon, <laughs> um... Mais des fois, quand tu vois des noms, les noms que tu Monster vois, c'est vraiment imaginatif. Donc, <laughs> euh, ouais, ce ce serait étonnant qu'il y en ait un qui s'appelle vraiment Pinocchio. Que par rejoindre de Bat à force, euh, euh, par <laughs> pas, Parce que... Euh, ah oh ouais. bah peut-être un jour, hein, on ne sait pas. Hein. Non, mais en il vrai, faut ça, que ça des certains trucs, quoi. ouais ouais ça serait plus simple de toute façon il faut personne que... veut en, en jeu. alors bon bonsoir et bonsoir <laughs> en fait euh, ouais euh, j'ai besoin d'encore quelques jours pour qu'une certaine personne me dise bah alors vous êtes pas présenté à la mairie et comme ça je pourrais lui dire bah c'est normal je suis la politique ça marche plus si je suis mat du coup <laughs> ah, bah, mat c'est pas possible pas non, le... Qui, qui ah, doit dire ça euh... Euh, bah, euh, À la dernière, euh... enfin à la première du coup euh, nomination des juges, euh, ils m'ont demandé, euh, ils m'ont demandé si j'étais euh, politisé ou pas vu que je sortais de mairie. Oui. Et du coup j'ai dit bah non j'ai plus de parti je suis à politique. Et on m'a dit oui oh, à, à politique en sortant de mairie euh, bof. Et, et une des personnes euh, présentes euh, dans ce conseil m'a dit il y a peu de temps. Ah, bah c'est bientôt les mairies, vous allez vous présenter! C'est qui qui l'a sorti est ça? O'Brien hein ça? Bah, Je suppose, euh, ouais, Brian ou Parnas. Euh, non, <laughs> non, euh, Brian, il est, pas, il est pas au conseil. Euh, il est, il est... Non, 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 c'était euh, Loan qui m'avait dit ça. Ah. ah non, mais oui, c'était soit l'un le... soit l'autre. Mm. Euh, ouais. Mais, mais c'est euh, plus façon, son euh... oui, c'est plutôt. Ouais, le fait que cette mention là de que tu sois pas membre d'un parti politique en même temps je la comprends et en même temps je la comprends pas bah ça pour le coup c'est Parnas qui m'avait demandé si j'étais euh, et c'est plus lui qui a dit oh, non non, lui mais lui. je veux dire dans les conditions d'accès euh, au poste de juge ah non ça me paraît logique euh, bah alors, alors moi ça me paraissait pas illogique mais c'est plus non, dans les textes c'est pas illogique si tu veux mais en fait avant on avait aussi des juges lors de la cour de justice ouais. j'ai récusé des gens à cause de leur appartenance à un parti politique et donc, de ce fait-là, j'ai jugé de leur partialité. Oui, on est d'accord. Et j'ai été condamné à ça. Ça, non, fait ça, remonte hein. à... Ouais, ça, ça remonte rentre, hein. tout ça. Hein. Ouais, on est d'accord. Ouais, ça, à... <laughs> ouais. ça peut périmer, non ouais. On en a déjà parlé, de toute façon, quand c'était pas périmé. Oui, oui, oui. Mais euh, voilà, quoi. Et du coup, j'avais fait, euh, quand ils ont pr euh, présenté les juges, j'avais fait une demande et j'ai les marshals qui m'ont répondu... Euh, non mais le contexte, c'est pas pareil. Ah oui le contexte. Oui bah c'est classique. C'est comme le fameux le fameux c'est pas noté. Ça dépend qui qui invoque le c'est pas écrit. Ouais non, c'est ça. Après même quand c'est écrit, il y a des problèmes. Je veux jamais qu'on leur dise c'est pas écrit, mais quand ils peuvent. dis donc quand dans la loi t'as écrit un truc et son contraire, c'est quand même compliqué. Euh, du coup, là, putain, il me reste un choix à faire, là. Euh, en RP, euh, bah, en RP, en fait, je ne l'ai pas dit à. On va mettre ça, hein. Je l'ai pas dit vraiment, à Il je l'ai dit à Val. Total, il faudrait que tu le dise Il y en a quand même. Théoriquement, si j'étais censé être parti dans le nord, euh, euh, dans le Manchiliad, à et... loué un chalet avec ma famille. Bah, bah, c est c est mais je pense pas que c'est possible, parce qu'en même temps, ça fait une pique. Si tu faire des trucs, tu prends. Ça envoie une pique pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est le but, hein, c'est de montrer ce qu'on veut réellement. On va pas ouais. se... En fait, ça ne nous porte pas préjudice de le dire. Mm. Donc à partir de ce moment-là, Ça ne tient, elle tient pas de C'est comme si n'avais pas le droit d'arbitrer une, une compétition bizarre, parce que a ouais. des gens de mon club qui, euh, des gens de mon club qui... Bah. bah voilà, le conseil en conseil fait, j'ai mis au quotidien mmh. d'informations régulière, des avancées, ah, des travaux je... de la mairie. Il y a des conseils, réunions publiques ou simples communiqués. Ouais, mais. En vrai, tu euh, parles mais ça pas, pas, je ne voudrais pas qu'un arbitre. ...ce soit plus accessible. Et ça, tu vois, alixir par exemple, c'est un truc qu'il aime beaucoup. Oui, c'est pour ça que j'ai mis l'information régulière. Non. Bon. Euh, régulière c'est pas c'est pas suffisant des trucs réguliers on en faisait déjà avant ce qu'il veut lui Alexeur par exemple c'est qu'on vienne voir les gens qu'on qu 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 bah, crée des, des choses pour les mettre au cœur euh... de la politique et que et que non, ce soit pas eux qui li... oui mais si tu dis concrètement ce que tu veux faire des trucs ouverts ça sera plus intéressant pour pour le tu parti tu quoi comme ouvert c'est déjà ouvert les conseils municipaux non ouvert en, en dehors, en dehors. Ah <laughs> en, 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 en. à l'air libre. Ah, ouais. ah C'est écrit dans Et le, le programme. Birnuel. Dans l'autre. Ah, le faire en plein air Oui, bah c'est ce qu'il y a écrit, non bon, Organisation d'un à... conseil oui. municipal en terrain extérieur pour le rendre plus accessible. Oui. C'est euh, en plein air ou pas non, c'était juste pour la borne. En extérieur, ouais, tu vois. Moi, c'est juste qu'on en parle fait mieux, des, des fois, ça peut être intimidant. On peut peut-être se décaler un peu vers l'arrière. Non, je au téléphone, t'inquiète pas. D'accord comment Ça va, une super table. On pourrait donner les chevaliers de la table, pas tout à fait triangulaire. C'est un médiateur, ça non? Table médiateur. Ah la table médiateur pas mal. À partir du moment où tu prêtes serment, tu prêtes serment, tu dois être impartial. C'est vrai, c'est vrai, mais bon, pas tout le monde, je n'ai pas non plus, du coup, je pense. Bah, bah du coup euh, ils se sont mis à parler avec lui. <rire> <rire> des fois sans les uniformes. Euh... Putain mais Bonjour. je crois que je l'ai sur le bout de la langue mais. Bah, c'est que ça te euh... <rire> <rire> Puis moi moi c'est comment alors Ils font des, des concours de prénoms. De, prénom, ah, de ouais, prime service public. moi je suis moi, ser moi, moi, sergent pour. Euh... Gomez. C'est Gomes, là Ah, C'est Gomes, Gomes. Gomes. D'ailleurs, vous avez le droit à une identification, hein, monsieur Gomez. Hein. Ah, désolé. Hein. Ouais, non, mais euh, moi je. je... Euh, ouais, donc du coup, dans le programme, j'ai marqué au niveau du quotidien financement de la prise en charge des trajets, des trajets IPT. J'ai eu la réponse. Ouais, vous ça. en faites ce que vous voulez. Hein. Ouais, tu m'avais dit 50 000, 000 bornes, au 50, 50 000 et au-dessus des 30 000. C'est bon, on peut prendre. C'est clairement bon. Ah oui, non, mais C'était vraiment les gens du truc. Euh, information ah. régulière des avancées et travaux il y a, de la mairie via des conseils et réunions qui est simple à communiquer. Alors, euh, on a dit qu'ils disent qu'on n'est pas assez payé. Ah non, te rendre au euh, contact des euh, ouais, citoyens afin de, de maintenir le lien Disons avec la mairie. Que, quand et potentiellement remise en place en la transparence totale de l'état des comptes réels de la mairie. Donc, en gros, remettre la balance Billups il est monté au créneau. Il ne le faisait plus, ça, dans le sud attends. Ah oui, non, tu dans le sud, parce que tu es dans le nord, mais c'est pour le sud. Oui, oui, je pense que ça, il faut le faire, même si le dernier l'a fait. Euh, bah, C'est pareil, juste une fois de temps en temps, quoi. C'est ah, pas quand ça t'arrange, quoi. C'est ça. <laughs> non mais euh, des primes euh... exceptionnelles. Je veux bien comprendre des primes mensuelles, vraiment. Euh, de, de euh, ensuite, que que le lien entre les services publics et la mairie. Bon, de ce que me disait hein. Sophie euh, au LSPD, euh, bah, ils ont plus Ils, il limite, ils ont même euh, plus de petits euh, messages ouais, à la mairie, du beau travail ou qui sont à côté d'eux après une grosse inter ou des trucs comme ça. Par exemple, sur les prises ouais. d'otages, etc., qu'il y a eu d'agents de, de police là, ou les blessures, il n'y a rien. Ouais, tu veux, euh, eh bah, tu veux faire quoi hein, par rapport à ça C'est bah, simplement le remettre la mairie, euh, la mairie en lien, quoi. Pour moi, c'est important. Mmh. Tu apprends qu'il y a des blessés au SASP, mmh. ou qu'il y a des blessés... Euh, bah, oui, oui. euh, tu as une prise d'otage ou un truc comme ça, bah, la mairie, elle, 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 y, elle y va, pff. en fait. Elle se rend, en fait. Sur hein la prise d'otage bah, Non, pas sur la prise d'otage. Elle se rend en safe zone, à limite. Avec le procureur, bah, je, alors justement parce que ça, hein. euh, moi je l'avais évoqué euh, sur ma, terme, sur ma campagne était, euh, lui, ça parce ça que pour faire, moi c'était important. Euh, ah, le LSES n'était pas, pas forcément hyper chaud. Oui non mais je suis bien d'accord. Alors il y a le euh, procureur quand il a envie euh, de venir. Moi je me souviens pas, pas l'avoir vu. Et souvent, voilà ça, je sais que le oublié crois... ils ont pas la visite non plus des mairies ni rien. Que je veux dire dans les faits, à moi, moi je me rappelle dans, 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 quand mais on était à la mairie là, quand il y avait des gros trucs, on allait au SOS, euh, et... ah oui, oui. euh, tu un truc qu'on a fait, prendre des nouvelles, savoir ce qui se passait, etc. A priori, clairement pas quoi. C'est quelque chose. Non, bah de toute façon, déjà ils le font pas, pour moi, au sud, je sais plus qu'à contact avec. ils Prennent les sous sur leur compte. Ils les envoient aux gens. Virement. Autre, quoi. Euh, oui, euh, spécialisation fait. des conseillers ouais. pour avoir des interlocuteurs spécifiques ouais, non, mais... à certains sujets, alors ouais, c'est le maire ça comme ça. Ah, non, maire, on, on voit direct, bon. on n'a pas le choix. Nous, c'est euh, déjà prévu. Euh, question oui, bon, question social, qui va venir, oui, hein. tu as genre, déjà prévu oui, des spécialisations. Euh, ouais, j'aimerais bien que ce soit service public. J'aimerais bien avoir ça. On est là, je pense. Du coup, il y en a beaucoup moins qui viendraient à chercher juste par communication. Ouais mais du coup ça permettrait peut-être aussi voilà. euh, de faire des, des ouais, mots de relations publiques publique. le truc tu vois. Ouais, après on je déplacer relations dire dire que service je plus public plus et un troisième. En ah, gros oui. que les chacun. après chaque ça passe d'après, puis il fait ta liste puis il faut le lui dire. Euh... ouais, 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 ouais bah peut-être euh, événementiel du coup oui, ça peut être événementiel, ça peut être euh, bah, relation publique et événementiel en joie. Tu peux faire les deux. Est mais, euh, surtout que relation publique et du événementiel bah, slash et e. service e. public et en, en e. gros, SPD, voilà. BC, et euh, LSEF. Et le troisième, ça peut être, ça peut être ouais, euh, entreprise, euh, ça, ça peut être privé ou ou impôt financier, finance par exemple. Mais euh, le problème, oui. c'est que bah, qui qu couvrirait les trois des tâches, des tâches principales de la mairie vacances le le public, le... C'est eh ben, voilà. Ensuite, euh, vie civile, sociale et événementielle, dans le sens, cette partie-là, consultation des citoyens pour certaines oui, prises de décision via des sondages partagés sur le canot. Travailler avec les, euh, les euh, micro-entreprises, euh, associations pour l'organisation d'événements et des activités. Ouais. Ouais. Et oh. mise en place de décorations pour ouais, le service. C'est très bien, je trouve. Ouais. Ça, vous le gardez, vous êtes sûr C'était qui Pourquoi Le meilleur. Avec Jupéry Non. En <laughs> lui, c'était le meilleur pour les radars. Mais... Oui, J'écoute la réponse, ça m'intéresse. C'est le meilleur, il s'appelait euh... Douglas. Ah, ça va. Ah oui, oui, oui. Euh... T'as déjà prévu d'en donner, du coup Ça y est, c'est acté, ça ou... bah Non, ah, sûr, mais, euh, euh, moi, ça hein, me paraîtrait, euh, oui, ils ça me paraîtrait bonjour, pas mal, ouais. effectivement. Euh, euh, il n'a pas beaucoup croisé, lui, je pense. C'est euh... une bonne idée d'en donner après euh... ouais mais le social c'est important quand par, exemple, exemple, par exemple par euh, monsieur Narvaez euh, qui gérait ouais. la fondation Colline jusqu'à il y a peu euh, vu tout le travail qu'il a fait pour la fondation tu vois non mais me choquerait pas en fait oui non mais, on est euh, mais moi ça dire, me choquerait pas si pas ça me choquerait pas s'il si a fait que beaucoup que que mais en fait j'ai j'ai pas, pas tellement de vision moi je l'ai croisé euh... ouais. Parce que je veux dire, sinon, euh, bah en fait, ouais, on vous met tout le temps en, en SWAT. Fais, euh, les, les, les sites, oh, putain, il faudrait du faire un coup, sondage un des citoyens préférés. Waouh, tu vas faire un ouais, concours de popularité. Les gens font un sondage. Et voilà, ça, c'est la personne préférée de Sant'Ombriens. La personne préférée de Et tu lui donnes une médaille du mérite parce qu'il est plus copain avec les autres il y a peut-être une banque ou une fusillade ou autre, c'est normal. Ouais, le... non, mais ils se sont fait envoyer Après, de toute façon, parle. on ne se balade pas H24 avec. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Mise en Alors, place mais... de décoration. Comment on peut faire ça Décoration. Non, non, mise en place de décoration. C'est pas au mérite, mais ah, en place ce moment, de décoration. Beaucoup de noix, moi, aussi. Mmh. Exceptionnel. Mise en place de décoration. Ça, malheureusement... Mise en place. Tu veux décorer qui mais bon, euh... Je pense que de tous les côtés en ce moment c'est. Décoration pour des actes. En euh, des... bon, ce moment j'ai l'impression il faut te... beaucoup se la le SSP, un peu au BCSO, puis les spin-on est tranquille. Mais... Puis après ça va tourner, ça sera l'inverse. mais. Bah, ça, ce sont tous les brisés les criminels au bout d'un moment ils disent on oh, un non. service, puis après ça passe à l'autre service. Pour euh... des actes, je sais pas, des actes, on va faire tomber. Il y en a bien tant qu'il ne devrait pas tarder à revenir. Tu ne pas du coup, c'est bon et, euh, <laughs> et, et... Je veux me battre ouais, je te, battre. <laughs> <Je> te <réponds. rire> Joseph, tu parles fort Non, non, euh, non, pas au BCSO. Euh, faut que j'attende d'être... Euh, faut que j'attende que, que les listes soient publiées so, et bah, qu'ils euh, me disent... Euh, bah, Joseph, pas tu parles fort, bis A priori, de ce que moi j'ai, il reviendrait au 1er mars. Et putain, ah toi, tu je... parles pas assez fort, apparemment. Non, non, Joseph, ta gueule Ah, ah, il parle moins fort <rire> <rire> Ça va <serait> bien fonctionner <laughs> 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 en fait, pas. Toujours compter sur moi ah ouais, J'aurais bien voulu essayer de voir S'il allait vraiment le faire au bout d'un moment En lui disant gentiment Ou si vraiment il aurait fallu lui Bah t'as ta réponse hein. <laughs> ouais. euh... Après deux fois c'est déjà suffisant hein. Et en vrai euh, euh, tu ouais. peux ouais. mettre médaille Plus une prime hein. Ah carrément tu veux donner de l'argent Bah non mais enfin euh, Bah une médaille c'est déjà bien hein Laisse une autre mairie rajouter des primes pour le moment, donne, de, donne une médaille. J'ai mis, mis, mis en place d'une remise de décoration. Une remise de décoration pour des actes ou services honorables sous forme d'une médaille. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, voilà. Et après il me manque un truc dans le service public, je ne sais pas quoi. Ça, me fait Ça chier. reste alors, une médaille je du mérite. Je crois que Eliana voulait plutôt qu'il y ait un, un équilibre. Mais euh, après, j'aimerais bien avoir 3 points, 3 points, 3 points. Ouais. Et bah, dans ce cas-là, je prends la service. C'est pas au quotidien. Hop, tu mets là. Hop, remise en place de la transparence des trucs. Tu mets redéfinition. Euh, remis, euh... Vous êtes plus sur le calendrier. Remise de la balance, oui. non Ah bah si, attends. Remise de la balance de comptabilité. On est sur le canevas. Ah oui. des informations V1. Je l'ai pas le canevas. Ah, tu l'as la... pas. pas de... <laughs> bah oui oui. oui. <laughs> remise en place de la balance de comptabilité et des informations sur l'état des comptes. C'est mieux, non Redis-moi ça Remise en place, hein. remise de la remise de la balance de comptabilité de Remise de la balance et des informations sur l'état des comptes. Vous en êtes où du coup Mon Jim, je te le partage, je ne le dis à personne. Oui. Il oui. n'y euh, a pas de maximum au fait, euh, et je pense qu'il a bien plus que 50 000, 000 billes Moi, j'étais euh, quasiment à 50 000 non. quand je suis parti. Bah, en tout cas, la dernière fois que j'y étais, euh... bon, ah, moi, on euh... m'avait dit qu'il y avait un, on avait parlé avec non, le non, groupe, non, on m'avait dit qu'il y avait un maximum. Alors, non, non, ils t'ont dit n'importe quoi. Il y a un maximum pour les primes exceptionnelles, mais pas pour les gratifications. Les gratifications, ça ça à rien. les gratifications, il y avait un seuil. Et bah, pas à l'époque où je suis parti, et pas depuis très longtemps. Ouais, après toi, t'étais où T'étais au Non, non, elle était pas. Là, on m'avait déjà dit qu'en fait. Elle est je j'ai jamais vu les gratifications. Là, j'ai un œil sur le BCSO. Par exemple, au BCSO, 34 000 déjà. Non, je regarde C'est sur la loi. C'était écrit noir mmh. sur blanc. Tu gagnes, euh, je crois que c'était 15 000, plus un peu plus chaque mois de, de service. C'est tout. Il n'y avait, avait pas de notion de. Il n'y avait pas de notion de. Non mais quoi Il n'est pas si longtemps que ça au SSP. Hein, donc as oui pas, 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 pas mais c'est oui, pas mais une histoire fait, de... En fait tant que si, tu si. quittes pas les services à publics... À partir du moment où tu n'as pas quitté... Ouais. Bah non, moi justement, moi ils m'ont dit que ah ouais ça comptait pas... Mais six mois des ça compte ah, pas... Si, si. Bah, tu t'es ça... fait enfler Non, ah, non j'ai demandé au maire, il m'a dit d'après la loi, c'est non. Non, non, j'ai fait direct. En fait c'est pas d'après la loi. J'ai démissionné 30 minutes après, j'étais au C'était Juste le temps qu'il me passe ses papiers. Oui, tu t'es fait muter. Tu pas dû.. En fait ce qui s'est passé c'est que comme ta date de recrutement... En fait, alors, je vais te dire exactement ce qui se passe. Au je mon foin, j'en ai pas besoin, hein. c'est juste pour dire c'est pas le cas. Mais... Ta, ta date de recrutement, elle est notée au moment où tu es embauché au LSP. Du coup, la mairie, elle a la date de recrutement du LSP. Du coup, ils savent pas combien de temps tu as fait dans les services publics avant. Mais selon la loi, tu devrais continuer à toucher plus, parce que t'as pas quitté les services publics. Et même d'ailleurs, si tu quittes et que tu reviens, c'est un peu flou de si tu continues à le toucher ou pas. Mmh. Non, parce que ouais, non plus, je dis 30 minutes, c'était même plutôt 15 fait, minutes si que j'ai si fait je sans... me souviens, le max d'ancienneté enfin... en termes de pourcent euh, au SASP. 24 mois et tu pouvais pas aller au-delà en fait, hmm. et ça te donnait 52 000 si je, si je me trompe pas parce qu'ils ont une prime de base de 20 000. Euh... Bah, si c'est pas le même pour tous, parce que lspd, moi j'étais à... je suis parti, j'étais à 47 000 avec ah non mais 18 mois dans le dossier. Mais allez, il fait ce qu'il qu veut, hein. ah non, non, c'est dans la loi, c'est pas dans le dans les arrêtés, ça, euh, je sais pas parce que nous la prime de base c'est 10 000 par exemple, OBCSO. Chose, Mais euh, de toute façon, ça a changé. Euh... Ah, si, c'est dans la... les t'as raison. C'était 20 000 au SPD, puis là, c'est passé à 15 000, là, ça a descendu. Euh, ouais, et puis même, ils ont tout changé, non Il n'y a plus d'ancienneté Si a... C'est revenu euh... l'ancienneté ah, En tout cas, bah, années, de ce que j'ai touché. Non, il faut que je regarde ce que j'ai touché aujourd'hui. Je n'ai pas regardé, je pas fait gaffe. Le maire, en arrivant, il a dit Bon, déjà, on va mettre que 15 000 à tout le monde aujourd'hui, et puis on verra pour le mois prochain. Ah oui, non, mais oui, c'est ça. Oui, ce j'ai reçu 15 000, il n'y a pas eu ancienneté, c'est ça Ouais, c'est ça, je pense qu'ils l'ont enlevé ouais. euh, définitivement. Mmh. Après, euh, c'est bien pour les comptes de la mairie. Mmh. Hein. De toute façon, dire en non, sens, non, je gagne assez si, ma vie, je m'en fous, fous pratiquement de la prime. Donc... Mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, on devrait laisser les gens venir la chercher. Oui, bah bon, ça, ça se faisait. ce que, que ça une fait, ma prime, en fait, c'est que ça paye les impôts, mais... en fait, c'est tout. Oui, puis ça permet d'avoir un contact. En vrai, ça permet d'avoir un contact entre le maire et l'équipe le... ah municipale. Et... Disais là tout à l'heure. Au gouvernement, euh, que ce soit à Mila ou moi, on prenait l'argent, on le mettait sur notre compte et on faisait des virements à tous les agents. Je trouve pas ça normal. Ah non. C'est pas la mairie cas, font hein, ça là, aussi. Là, bah, là, bah, la mairie, je pense que... Directement. Hein. En tout, je crois qu'il y a eu trois mois, toute mairie confondues, où il fallait aller chercher en mairie depuis que j'y suis, depuis qu'elle a été inventée. Ah oui non mais on est d'accord mais pour moi c'est créto. Ouais, je faire. sais jamais si c'est créto créato. Cré ça me pas pas ça, faut ça va, va pas chier, ça. Ça a pas trop ça m e... M e... Mais non mais c'est surtout perturbe. que du je du pense coup, que c'est créato mais si je suis si pas, pas sûr. Il y en a qui. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y en a qui. Mais je crois qu'il y avait créato ou deux. n'était pas le cas. C'était d'autres meurs. Mais c'était du coup c'était un commandant qui allait chercher l'argent. C'est lui qui faisait dire moi. Donc. pour merci Red et bienvenue au 21 View J'espère que pour moi chaque agent doit venir chercher sa prime à lui. Et euh, s'ils ne veut pas, bah, ils viennent pas la chercher et tout. C'est d'accord. Je suis d'accord. Moi, je ai pas besoin, je m'en fous. Mais... Pour ceux qui ont en ont besoin, le problème, c'est qu'en fait, euh, généralement, on travaille, euh, on travaille toute la soirée et toute l'après-midi. Puis quand on peut passer à la mairie, c'est fermé. Oui, ouais, mais, mais tu, veux, tu tu peux avant, avant ton début de service, tu vas, y vas. Tu trouves toujours un moment. Ben, généralement, début de service, c'est fermé. Après le service, c'est fermé. Ah, bah ben, ça, tu te plains à la mairie. Le ouais. truc, c'est que tu as des contacts avec les mairies aussi. Oui, c'était bien, on s'est bien amusé. Euh, J'ai l'impression que c'est je suis pas venu pendant un message dans les canaux en mode, une semaine, voilà, une semaine et demie. Hein, euh, je suis revenu que hier. J'ai l'impression ouais. que c'est hyper mouvementé. J'ai l'impression qu'il y a des bancs tous les deux jours. Que il y a des, y a des fusillades. J'ai l'impression que c'est le. Je que c'était fermé. C'est bien, c'est mouvementé. J'ai l'impression que vous vous ennuyez pas. C'est cool. Ça veut Pas dire qu'on n'est pas là, tu vois. Et le sud, je sais qu'il y a ah plein de moments où ils sont là et où la mairie est fermée. Puis quand je, je, au moment où j'ai fait euh, ma pause de, ma pause des fêtes, on va dire ça mais comme je ça. Je pense c'est vous sera pas le cas. Il euh, y avait temps une montée fermée, en tension avec, avec les astéries Donc, en fait. euh, donc c'est cool aussi d'avoir un, un peu de, tension y y montante comme ça avec des groupes. Souvent ouverte. Je sais mais pas bon. si ça, si ça s'est calmé ou si ça s'est un peu. Même quand moi j'étais en mairie sud, en tant que. vrai on a du taf et c'est cool. Comment s'appelle? Conseiller. La mairie elle était ouverte quasiment à 24h. Non, après oui, c'est pas un souci de les chercher, mais... Après, s'il y, y a toujours la disponibilité du, du côté des conseillers, des maires, etc., il n'y a pas de problème. Bah, c'est ça. Et les trucs de partout, mais, euh, mais c'est plus calme que que là, ce soir, mais il y a toujours fait... agents, ça te fait parler oui, aux agents, oui, ça, oui, ça te fait prendre à faire. le... C'est vraiment... C'est vraiment un des points forts du lspd c'est que... Oui. Même quand euh, il, il se passe rien, il arrive de moins en moins souvent, même quand il se passe rien, il y a des trucs... Et dans les premiers mois, j'ai l'impression que chaque fois que j'allais à la mairie, je les faisais chier, mais j'ai bon, l'air. Tu t'ennuies vraiment. c'est compliqué de s'ennuyer en tout cas. Euh... Même quand t'es agent, parce que forcément, voilà. quand es, euh, gradé, bah, t'es gradé, tu tombes aussi, t'as plus de trucs à faire. Plus si t'es gradé, plus t'as de trucs à faire. Mais même quand t'es agent, tu tu trouves toujours oui. à t'occuper. Euh... Ouais. Trucs... Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment très cool pour ça. ça euh... la mairie, juste pour se branler les couilles. Donc, euh... Je vais me piéter, bonne nuit, amuse-toi bien et bon ouais. RP à toi. Et ben. C'est jamais chier, peu importe le grade. Ouais, on est d'accord. ça peut être donvant au bout d'un moment. Donc et bonne nuit, et en ah tout mais c'est pas le, le travail le plus palpitant. Ouais. Mais euh, il faut bien le faire. Oui. Je veux dire, moi, les... accueillir les nouveaux arrivants, euh, il y a des moments où ça me casse les bras Et merci, mais t'es détectable pour bien ton. Mais, dans euh... 200, est Bonjour et faut bienvenue à fait, toi. Bonjour, et bienvenue à toi. J'avoue qu'à ces voix-là, je t'ai jamais vu reprendre mes tickets. Je vais écouter un boss qui quand même. Euh, ouais, mais techniquement, à partir du moment où tu connais un peu la ville, hein, mmh. l'étiquette plus Moi, je J'étais arrivé, enfin. je suis arrivé mmh. le 23 décembre. Ah et oui, c'est un C'est lui, ce lui euh, qui a perdu son Voyez, oui, effectivement. Coup, je et me dis, bah, je bah, pas si bienvenu que Sarah, du coup. À la décembre, c'est toujours des mois un peu, un peu complexes. Bon, coup, juste fais une ou deux tournées d'acier, sans le permis camion. J'ai passé le permis. puis ah. Après, ça allait tout seul. T'as pas fait le permis camion. Y'a y Allez. On part en procédure. Non, mais c'est même. Non, mais je crois que c'est même un gars du BCSO en fait qui t'est passé, qui m'avait donné de quoi payer le permis camion. c'est Ça. Ouais, oh, il y a une époque où. Dit, ah, par contre, tu rechopes. La prochaine fois, c'est amende. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont payé coup. mon permis camion. <rire> <mais> <rire> plein de euh, gens. Je... Ouais, qui m'ont donné des sous pour le payer. Mais, mais ça veut dire qu'il pas le passé. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah, j'ai dû passer 8 ou 10 fois. Mais euh, le NA fait pas des. Si le NA fait des escortes et tout, non euh, je Ouais, sais. mais euh, j'arrivais pas à trouver des moments. Ah, moi, on m'avait donné, ah, numéro... donné le numéro de neige à l'époque. J'avais essayé de l'appeler 36 millions de fois et j'avais jamais eu de réponse. Bah, moment-là euh, je. À ce moment ah, je sais pas. Je me souviens qu'on m'avait. Ah oui, eu... on euh... au groupe. Non, j'étais au gouffre. J'allais y être et j'étais je... absent. On m'avait aidé, mais euh, j'ai eu malheureusement un... un mal de tête euh, sur une station essence, sur la première station essence là. Hum. Euh, C'était en pleine heure de pointe, donc euh, ça a été euh, compliqué. Ouais. Euh, Dis-toi quand je suis arrivé, bon, ça remonte, hein, mais euh, j'avais la punto, j'ai eu un problème d'essence. J'ai essayé d'appeler Catardo. Mmh. Parce que j'avais deux numéros dans mon téléphone. Et <laughs> Catardo pas dispo. Bah on a parlé, tiens, de Catardo. Le problème c'est que le deuxième numéro, ils sont venus, ils ont fait un drive-by essence. Ah D'accord. Donc euh, très gentil, hein, mais euh, j'étais pas super serein. <laughs> mmh. quatre mecs masqués dont deux avec un 9mm et les deux autres qui se relaient pour me remplir la Punto. <laughs> ah oui. C'était l'ENA, ça Non, c'était il... pas l'ENA. Oh, je pense pas, non. <laughs> je ne crois pas que l'ENA, on arrive avec des 9mm. Les ouais, 7.0, euh, c'était ouais. peut-être un groupe. Oui. Il oh, bah, y a des Après, euh, je crois qu'ils sont plus là. Mais... Moi, ça m'est ouais, arrivé ouais, une, mais ouais, ça m arrivé chose une chose fois là, aussi. Euh, pas de naissance dans les villes. Euh, et... des gens qui tourneront. D'accord. Ah oui. D'accord. Pas d'essence les de là, moi c'est le weasel qui s'est arrêté derrière moi et quelqu'un qui m'a remis de l'essence puis qui est reparti. C'est cool ça. Ouais, ouais. C'était autre chose. Ah bah ça va. Bon bah écoutez, impeccable. Le, le, le programme il est bien comme ça, il faut le publier à 21h c'est ça D'accord, est... <laughs> Le programme On il faut le publier oui, euh... C'est à 21h qu'il faut l'envoyer c'est ça euh, C'est avant... demain ça Je vais vérifier, je crois ah, que c'est avant bien. midi non ah non, il est publié à midi le lendemain. Et Soit s'il si est prêt midi. maintenant, vous pouvez, vous pouvez y aller. Mais... Faut qu'on le vérifie entre nous et s'il si voilà. est bon, enfin. euh, go. Écoutez, vous voyez, euh... je suis claqué, je vais me pioter. Eh ouais. ben, je ne faudrait que tu regardes une fois pour qu'on prenne rendez-vous pour faire ton PPA. Oui, et il faut que tu fasses ton euh, permis-chasse. Le permis-chasse, il m'a dit vendredi. Vendredi Il me prenait à 15h. Après, si tu veux okay. la prendre demain, tu peux la prendre demain. mais... Ah oui, tout ouais. bon, es va... bon, est égal. Mais je sais que je peux la voir quand je veux une fois qu'elle est en test, mais toi, c'est plus tôt le soir, donc euh, c'est compliqué Sophie le soir. Oui le PPA, les médecins, ils rappellent quand ils ont appelé une fois mais qu'ils n'ont pas réussi J'en ai aucune idée. Je pense qu'il faut que tu passes. Ça pour dépend des médecins. Oh, pff, est... On, est, on est à côté non. du BCES, au pire, demande pour prendre rendez-vous, hein, s'ils si sont verts. Non, mais sinon, t'appelles, comment il s'appelle L'autre qui fait de la photo Pollan? Tu arrives à choper Polan en général mmh. ah, Il est moi, je vais les... choper. Les... il, il m'a f... donné un les... rendez-vous direct. Pour les FDO, ils t'appellent. Moi, que... Que le PPA FDO, ils t'appellent, ils disent Vous voulez passer vos tests puis voilà. Oui, mais FDO, ils passent en priorité. Parce que... Voilà, donc c'est différent. Okay, d'accord. Bon, ben, il est psy, euh, Polan Ouais. Il est redevenu psy. Bah, disons que c'est bon. lui que j'ai vu quand j'ai dû passer mon test psy parce qu'on m'avait suspendu mon PPA. C'était il y a combien de temps euh, Il y a moins d'un mois. Enfin, un petit ah, peu oui, plus bon, ça. Va. Je ne sais plus. <laughs> oui, bah, il doit encore. Non, non, mais parce que comme il comme il a arrêté entre deux, ça aurait pu être... Si c'est il y a six mois... Euh... Ah oui a non, <laughs> non, non. Non, quatre on a suspendu mon PPA parce que j'ai tiré au taser sur quelqu'un. D'accord. Quelqu'un qui voulait prendre sa voiture en étant alcoolisé. Que le BCSO a vu juste avant alcoolisé euh, conduire sa voiture, mais il euh, n'y a pas de problème. D'accord. Et derrière, j'ai eu une injonction d'éloignement. Maintenant, euh... il est devenu criminel. Bref. <laughs> bon après c'était ta faute. Bon, du moi, coup on va pas en débattre mais c'est vrai que c'est. Bah c'est pas dans les règles de d'utilisation d'une arme. Ça compte quand même mais... comme agression oui. Ouais non mais le problème c'est que tu vois l'agresse au PPA et quand on m'appelle pour euh, le flic je leur dis bah c'est pourquoi ils me disent pourquoi et je suis au lundi vélo de Goldieven donc je vais le voir je lui dis mais t'as vraiment porté plainte contre moi et il me dit en rigolant c'est surtout ça qui m'a choqué bah oui euh, tu croyais quoi euh, tu croyais que j'allais faire quoi mais vraiment en rigolant en mode pour plainte c'est une blague. Oui. Euh, bonne soirée, prenez bonne soin de vous. Et bonne soirée. Yes, bonne soirée vous Merci pour le coup de main pour le programme. Sophie. Merci pour le programme, James. Pour tes retours. Merci Neige. Merci jo... euh, Non, pas Joseph. Bonne soirée. <laughs> non, moi, ai rien aidé. <rire> <rire> moi je suis un soutien psychologique. Ah bah tu veux pas faire passer des pas tests bébé1 Du coup, tu fais partie des paramilitaires voilà. euh, maintenant, euh, Jim Paramilitaire Pourquoi Ah non, c'est maintenu off euh, parce que parce que ma voiture est peut-être bloquée dans un garage. Alors je suis venu en moto. Ah, elle est sûrement que oui. D'accord. Après, c'est pas dit. Oh. Il peut faire un accident Fais pas un accident la veille de te du début de campagne. Enfin, je... Ah, on est là en veille. Ça va. Fais un accident, mais remets-toi vite. Hmm. Ça être bien de pas faire un accident. Ouais. Pierre ouais. pire, on le met ouais, à son nom. faut hein, pas que les... envie de surfer aussi. On peut le faire à sa mais... place. D'ailleurs, vous saviez que pire, c'est l'API. Mmh. Si vous raccourcissez, ça fait PNL. Okay. Super. Euh... Ouais, Moi, je vais y aller aussi. Ouais, non, mais euh, j'ai ça en tête depuis quelques jours. Euh, oh, bah, je, que je le partage. Oui. Mais essaye de l'appeler, le mmh. bien-de-passer, pour pas prendre rendez-vous. Attends, tu raccourcis oui, 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 comment Pierce oui, oui, et Lapi pour faire PNL Bah ben P. Pierce and, and Lapy. Pie. Euh, voilà. Ah Ah oui d'accord. Effectivement. Bon. Il avait pas compris. Ah j'avais pas le E. Oui. Euh bref. Un cookie event Oui euh, faut qu'on se mette d'accord sur les trucs. Attends, c'était quand la... Euh, vendredi dit, bah Alors, il euh, n'y a pas eu de communication depuis, mais vendredi, c'est le jour le plus voté. Donc, a priori... Euh... Parce que moi, j'ai oublié. On avait un rendez-vous. Bah, alors, donc, euh, contente, justement, son... on... Là. on avait plus ou moins oublié aussi. C'est juste qu'hier, on a programmé un truc, et, euh, et ça m'est revenu comme ça en me disant, eh hey, mais au fait, on avait fait un vote. <laughs> et juste, je me demande, si avec Eliana, il n'y a pas un truc de prévu samedi. Samedi bon, on n'a jamais reparlé. <laughs> Bah, samedi soir Ouais. C'est peu probable, elle est pas là le samedi soir. Non mais... Euh, qu'on organise quand, une mais... partie de pêche avec Eliana. Voilà, c'est ça, on avait parlé d'un truc et je crois mmh. qu'on avait parlé du 6 janvier. Euh, bah faudra lui en reparler demain, mais... Euh... Attends, faut... je retrouve ça. Samedi soir, ça me paraît compromis. Attends, je crois que c'est c'est Est-ce que tu penses qu'on a le temps, Jim, d'organiser une course à pied dans la neige euh, d'ici quand ah Bah, d'ici avant que la neige tombe. Bah, ça dépend de la fin de la neige, du coup, je suis pas maître bah, de la faut météo, mette mais je, pense que... Ah non, que je que pense que Ah non, c'est mi-janvier pas... que ça. Je crois que l'année passée, ça a tué à peu près jusqu'à mi-janvier. Euh, ouais, non, bah c'est. vendredi 5 on avait parlé d'un truc. Ouais. Bah, on peut, mais faut. Vendredi 5 Ouais. Euh, ah, T'as prévu, prévu une ambulance qui suit le convoi euh, des, des. Oui, c'est ça, groupes. par contre, c'est ce que j'allais dire. Il faut oui, une, bah oui, faut une ça, ambulance. Le ça problème, c'est que. Euh, bah, oui et non, à chaque fois qu'on a fait un, un événement, euh, j'ai demandé une présence euh, médecin et à chaque fois, ils m'ont dit oui, si c'est possible et à chaque fois, c'était pas possible. Donc, euh, c'est compliqué. Ouais, c'est souvent ça. En vrai, moi, je pense qu'il faudrait. Enfin. Euh, un partenariat avec Maldabs pour les pansements. Non, non, mais il faudrait euh, que, euh, que quelque part, dans un arrêté, euh, les médecins soient obligés d'être sur les événements où il y a une présence de médecins importantes. Euh... Bah, c'est aussi le maire qui décide de ça. Hein. Bah, le problème de Donc, ça, c'est que s'il n'y a pas d'autres ouais. médecins, ils sont obligés de faire leur boulot. Quoi. Ouais je suis d'accord, mais il y a une différence entre il n'y a pas d'autres médecins et ils sont débordés. Oui, s'ils ouais, mais... sont débordés, euh, ils appellent des gens en renfort, mais, si... mais en fait, ça veut dire que ok, ils ont plus de gens pour traiter le truc qui les déborde, mais par contre du coup, ils traitent plus euh, l'événement qui est est Un événement, quoi. Enfin, c'est comme si tu disais, allez, on va faire un festival avec 300 000 personnes, mais on met pas de médecin parce que euh, non, de l'autre côté du général, champ, euh, ils, ils attendent le jour même pour se décider. Et le jour même, ils voient qu'ils sont débordés, et du coup, bah, ils peuvent pas venir souvent. Ça, mais euh, sinon, Quand oui, il en soit fait, ouais, vendredi il faut 5, qu ce qu'on avait parlé, c'était de faire un nouveau truc de pêche avec un forum des assauts Mais euh, dans tous les cas, euh, vu que vendredi. Euh, bah c'est quand même dans pas longtemps, je pense que c'est mort parce qu'il n'y a aucune affaire. Ouais, faire... Qui connu, du ouais coup. faire un forum des assauts dans 4 jours, ça me paraît euh, touchy. Hein. Ouais, non, mais on avait parlé avec Elgana quand on avait commencé le truc de pêche et entre deux, on n'a pas, pas pu se revoir. Il faudra qu'on arrive à caler ça. L Histoire d'en faire un. Ouais, avant le 10, ça va être compliqué quand même. Euh... Je pense que ce sera la prochaine mairie. Hein. Euh, dans tous les cas, si on veut faire un truc, il faut qu'on l'organise dès maintenant, je pense, pour la course à pied. Ça fait deux ans que je voulais la faire, je pense que c'est... c'est forcément dans la neige, tu voulais faire ou bien... Bah oui, parce que, que les gens tombent, je pense. Nous, la course à pied, on se fait chier. <laughs> Moi, j'ai la j'ai te... technique pour courir dans la neige, à force. Mais... Ouais, hein, Alors, on, ouais cas, développe, on développe des trucs. On hein. course à pied à travers un champ de mine. <laughs> c'est vrai qu'on n'a pas besoin de neige, du coup. Moi, j'avais pensé dans les dunes. Au pire... Euh... Ouais, non... <laughs> Ou alors une balade en VTT, chassée par les cougars. Ou alors, ouais, une course à pied, mais Donc, sur des dire, oh, Pierre, On l'a fait, fait, fait quand il n'y a plus de neige, t'as juste à te, tu te couches en plein milieu de la course, puis tes jambes te marchent dessus. Ah non, une, <laughs> une, une course Cours sur à pied neige, autour du pénitentiaire. Ah, c'est une bonne idée ça aussi. Tiens. <laughs> non. Comme ah, ça, t'as euh... tous les gens qui sont dans les et qui te fusillent. Ouais, ouais. Je suis sûr ça... qu'il y, ouais. y a toujours un couillon qui va trop s'approcher à hein, avoir 36 000 intrusions pénitentiaires. Alors, il non, est possible qu'il n'y ait pas les si longtemps... Les tours, euh... En fait, euh, ça sonne d'hyper loin. Il hein. n'y ouais, ouais, ouais. a pas si longtemps, on est passé, euh, par rapport au pénitencier sur, sur le GPS, là, on est passé au niveau du Du G ou du P de Bolingbrock Penitentiary. Ça a sonné en intrusion enfin, J'ai eu un message me demandant de quitter la zone. Je ne sais pas si ça a sonné chez les FDO. Bah, je pense que d'abord, tu as le message et si tu continues tu ça doit sonner. Bon, ça oui, je crois que c'est ça. Hein. Je pense pense que... que quand ça sonne, tu l'entends aussi. Bah, euh, en oui, fait, tu on... ouais, mais ça on sonne. était loin. La sirène. On était loin. Hein. Bah, si tu veux, j'ai un mec, euh, il était venu en vélo à la mairie Nord. Et il m'a dit, ouais, euh, je suis passé par là-bas et il euh, y a des mecs qui m'ont dit de partir. Ah oui. <laughs> bon, bah, si. Ouais. Okay. Ah, parce que justement, j'ai été étonné. Normalement, ça sonne bah, quand tu rentres au pénitencier, quoi. Quand tu passes les barrières. C'est pas censé sonner avant. Mm -hmm. Alors, je pense que tu as des avertissements et à partir du moment où tu entres dans l'enceinte, ça doit sonner. Okay. Bon, ça va. Après, je t'avoue que j'y ai été qu'une fois. Après, il y a toujours des fois des <laughs> couillons qui passent en hélicoptère auprès aussi qui font sonner. Oui, ouais, alors, alors, ça après. après il m arrivé, ça. <laughs> moi, je... alors, ça m'est alors... arrivé parce que je me disais toujours rien à foutre. Ça sonne pas quand je passe à côté. Moi, ouais, je dis pas. Puis une que... fois, j'avais un collègue <laughs> avec moi, puis j'ai oublié qu'il était plein à Non, mais moi, c'était à l'époque où j'étais au gouvernement. Je revenais du Nord et euh, je fais pas gaffe et euh, au dernier moment, je vois. Euh... Je vois le pénitencier, je fais un gros gauche. Ça m'arrive régulièrement, ça. Putain. C'est pareil, la mano, j'oublie systématiquement où elle a envie de là quand je passe en véhicule aérien, en tout le temps. Je fais des gros euh, 90 degrés au-dessus de chez eux. Ouais. Moi, c'est quand ouais, j'ai envie de faire un. Surtout droit. que généralement, ils n'hésitent pas à tirer quand ils passent au-dessus. Ouais, alors, si tu fais que passer, logiquement, bah je fais que ouais, passer, mais euh... Bah ça dépend en fait, ça dépend s'ils sont ouais, sur après, les nerfs ça, à, ça, à ce moment-là. Euh... Enfin, euh... fois... Ouais bon c'était avec c'était Hector... avec Griffon, mais je m'étais raté, euh... je n'ai pas gaffe où j'allais, je me suis pris une rafale Dakar, mais... alors qu'on a fait que de survoler. <laughs> ouais, ouais, euh, ouais Après bah... ça dépend de, du survol. En général en FDO tu survoles mais tu essaies ouais. de regarder ce qui se passe, tu vois. Donc t'es un peu plus long qu'en civil, tu traces quoi. Euh, oui du coup euh, Neige euh, Faut que tu t'aies un euh, ouais, bah, faut Je on... vous laisse à la mairie ouais, ça marche. Un trajet euh, Il, il un... faut qu'on ait une bouture une Il faut qu'on ait truc. un truc euh, Pour que vendredi euh, ça soit exploitable Alors je ouais. dis pas qu'il faut que ça soit prêt Mais il faut que vendredi soit, ça soit exploitable Pour qu'on puisse travailler dessus euh, Parce qu'en fait il faudra qu'on lui donne une date Vendredi, vu que vendredi on va préparer les dates Euh ouais. Donc si on a un truc exploitable vendredi, c'est faisable. Si on n'a pas de truc exploitable vendredi, euh, bah on, on peut. Enfin, faut pas non plus euh, en fait, rush a, le truc à la dernière minute. Faut que tout le minute, monde quoi. puisse y bosser dessus euh, sans qu'on ait besoin de. Bon, moi, je vais aussi aller hein, bonne nuit. Ça marche, bonne nuit. Bon courage. Bonne nuit, madame. Bisous. Bonne santé. Je vois mon truc pour Calypso aussi. Ça, je peux pas gérer. Ah, oui. <laughs> Euh, ok, et eh ben j'y vais parce que. Pff, il est minuit 8. Et eh bah ben, ça marche. Et eh ben, écoute, euh, allons-y. Je vais pas rester tout seul à la mairie nord du coup. Ouais, bah ben, non. <laughs> il a fermé la mairie au moins. Oui. Il a fait bien fermé la mairie, ouais. J'étais étonné de voir euh, parce que j'ai vu une voiture, euh, j'imagine que c'est la tienne. Ah bah ben, non, c'est celle de Adams. C'est quoi comme voiture ça Vaca. Ah oui j'étais étonné. Je me disais, bah, euh, c'est une bien belle voiture garée à un endroit euh, bien reculé euh, de la mairie <laughs> en plus avec des vides teintées et tout. Donc, je me suis bah, c'est pas vraiment le parking quoi. Le parking, alors on le voit plus bien, mais le parking il est là euh, sous la neige. Oui, mais il ya quoi là Il hey. ya quoi Il ya un truc marqué nos parking Non, non bah mais... non, il notre... ya un 4x4. Ah, oui, oui, bah il a pas l'air de vouloir un. Euh, hein. Non, mais on sait jamais, tu sais. Ici, oui, oui, là, as souvent. As raison, as raison. Euh... Bah, regarde, moi j'ai mis Je suis obligé ma... de les pousser moi-même pour qu'ils J'ai mis ma moto là, euh... elle risque pas à grand chose. Oui, oui. Bah, avant, je l'avais mise là, elle s'est fait renverser par une voiture qui est passée du mur. Ah, ouais. <laughs> ok, bon. Bah, Donc, je l'ai mis derrière ouais. là, elle <laughs> est bien là. Oula euh... Oula Bon, la course à pied, <laughs> là, du coup. Euh... <laughs> euh... D'accord. Euh... Bah, on peut annuler la course, aussi, pied, coup, hein. la course à pied. Du coup, la course à pied. On va peut-être pas la faire du coup. Ouais. Bon ouais, bah euh, je ride la neige. <laughs> nuit. Non, là, on va essayer de faire des traces de pneus quand même. Peut-être hein, enfin. peut un ouais, peut-être un faux positif, hein. On verra je pense demain. Mais il va falloir la préparer très, très vite, quoi. quoi. Ouais. <laughs> oui allô, c'est le service des agissements collectives <rire> <rire> <laughs> Bisous Waouh, ok Ouais 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 ouais, bah alors, du coup oui si on l'a fait euh, tu, tu dis mi-janvier la dernière fois je, je réfléchis au trajet et puis... Faut euh, qu'on la fasse absolument la semaine prochaine du coup mmh. On verra Parce ça vendredi le... mais faut que, ouais, faut il faut qu'il y ait un truc euh, Pour qu'on soit prêt à la faire Attends J'appelle Violette et Elle est dispo, on pourra faire euh, le tracé à pied, ensemble Elle est pas là, j'envoie un... un mail. Toi qui fais des trucs euh, souvent dangereux. Oui. Non. Euh, Est-ce que est tu toujours. sais dans quelles euh, conditions on peut tenir debout sur un véhicule sans tomber Les conditions, c'est que ça dépend du véhicule. Ah. Parce que je euh... me disais que pour une course à pied, si on veut un photographe... Il faut qu'il courent plus vite que les coureurs, donc il faut qu'ils soient véhiculés. Mais depuis l'intérieur du véhicule, c'est chiant de prendre des photos. Il y a plusieurs <laughs> véhicules qui permettent ceci, dont les camions de la série. D'accord. Donc ouais, si tu veux euh, monter sur un camion euh, de la série. Euh... Ouais, mais du coup, il faut un travailleur de la série, sinon c'est illégal. <laughs> Ou alors il faut demander à la mairie, peut-être, euh, la location d'un camion de la série. Eh oui. Euh, sinon il y a d'autres véhicules à hein, prendre un camion ou un truc euh, sur lequel on peut rester debout autant prendre quelque chose de moins. moins on gros. peut peut-être louer. On peut peut-être louer. Ceci dit, au Bénis aussi. Euh... Oui. Ce genre de truc. Bah, je euh... pensais que tu parlais de ça. Oui oui non bah, euh, je parlais pas de ça mais du coup c'est mieux de louer. Non non je pensais à, à un travailleur de la série qui prenait son véhicule de service euh, avec une autorisation de la mairie pour. Euh l'événement mais... Euh... Si tu veux je peux vérifier tout de suite quels sont les véhicules sur lesquels on peut être stabilisé sur un Ah t'as ça, euh... ça dans ton téléphone J'ai je... tout, tu... tout ce que tu veux sur mon téléphone. <laughs> je, suis... je me suis renseigné sur le... Le... le plus de trucs possible. Tu sais toutes les conneries que je veux faire depuis des années... Mais oui oui c'est pour ça que je te pose la question. Hein. Je me dis que vu que c'est dangereux et que c'est une connerie, euh, t'as sûrement la réponse. Hein. <rire> oui. <rire> J'ai <laughs> la réponse, je me suis préparé, c'est juste que je ne l'ai jamais fait. À l'époque je voulais faire un concert euh, itinérant. Ah oui <laughs> Genre une balade avec la musique à fond, le mec sur l'arrière en mode Ouais <laughs> Et alors tu fais un combat avec toutes les voitures. Ouais, euh, euh, Ça serait trop trop drôle, mais bon. Sachant que, en plus l'utilisation de l'appareil photo euh, est dangereux en soi parce que ça fait se déplacer, mais... Bah euh... <laughs> ben, faut que tu... T'as moyen de te stabiliser, il hein, faut juste savoir comment faire. Ah, c'est vrai qu'on peut peut-être se stabiliser. Euh, on utilisait une, euh, une technique pour euh, prendre non, des non, photos et, en étant assis. Il n'y a même que... pas de, de technique. Hein. Quand tu as ton, ton, ton appareil photo, tu regardes la notice, tu as écrit pour regarder dans l'objectif et euh, comment te stabiliser. Ah oh ouais Attends. Bah oui, prends l'ordre. Attends, j'ai jamais lu la notice. Bah oui, ouais, euh... tu lu la notice. Ah oh ouais et jamais personne ne lit la notice, ce qui fait bah que les, les, les interviews. Euh... Oh ouais, c'est incroyable. Les interviews où je vois les gens bouger, ça me trigger de ouf. <laughs> bah oui, personne. Là, ne Là, tu vois, je, je suis pas stabilisé, je peux me déplacer, savoir ouais, ouais, comment non, bah et, et créer ouais, des accidents. Ouais, Alors carrément, si, des accidents en ouais. Et, et ben, bah, bah, tu je peux plus. Euh, c'est incroyable. Je peux faire des grands angles. Oh, du coup, j'imagine que ouais. je pense à Polan hein, pour les photos. J'imagine qu'il sait ça quand même. Mais euh... et encore. Bah, tu peux lui dire. Je vais lui dire quand même parce qu'il est. Il me semble qu'il est tombé euh, pendant le, le, euh, <laughs> le Tether Monster. Alors, peut-être que parce qu'il était en train de se, de se poser, hein, j'en sais rien. Mais... Je sais mais, pas. Euh... Mais ouais, euh... euh, c'est incroyable. Et du coup, oui, effectivement, ça, ça limite les chances de. Après, faut voir si cette stabilisation ne va pas en contradiction avec le déplacement de la voiture. <laughs> Je pense pas, mais. Je pense euh, pas, je pense pas. C'est une euh... question de déplacement euh, personnel. Ouais, je pense, okay, tu je pense aussi. Je pense aussi. Comment je fais pour vérifier ça déjà Mais parce que si on a ça et l'accord du photographe qui a aimé sa vie en jeu, quand même. Ça permettrait potentiellement de faire <laughs> des photos. Euh... <laughs> ça permettrait de faire des photos et de suivre le truc. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut prendre un véhicule, avancer, s'arrêter. Le photographe prend sa photo, remonter dans le véhicule, repartir, s'arrêter. C'est super chiant. Enfin, C'est pas pratique du tout, quoi. Alors. <laughs> bon, évidemment, il y a la liste de tous les bateaux. Ouais, bon, ça, euh, je suis pas sûr. Euh... À moins que tu veuilles faire ça sur la plage au bord de mer, mais. Euh... Apparemment, on peut faire ça avec le Journey 2. On va vérifier ça euh, C'est le tien Ouais. Euh, alors on peut, mais il faut pas que je. J'ai déjà fait un ITT aujourd'hui, pas deux. Hein. <laughs> Allez, direction Sandy Char. <laughs> euh, parking gratuit du coup

Est-ce qu'on serait pas en train de faire une sortie moto avec, euh, avec neige Bon on fait pas de roue avant mais euh... Je sais jamais la où est la limite euh... hein Je sais hein jamais où est la limite sur l'autoroute entre le moment où on est à 90 et le moment où on est à 140. Euh, bon. bah. si poussas, est, ça ah, oui. ah oui d'accord. <laughs> sur cette île. <laughs> Creuser le gingling. J'ai tellement peu klaxonné avec mon... Avec mon... mon véhicule de Noël là. Je fais le... Oh l'ouverture des Los Santos Taxi Je sais jamais si je dois mettre au féminin, au masculin ou au pluriel du coup Los Santos Taxi. Parce que techniquement euh, c'est un taxi mais c'est pas un taxi, c'est une entreprise de taxi, c'est pas Los Santos Taxi, il euh, n'y euh, a qu'un taxi. Du coup, bah oui, des boîtes Mathieu aussi, tant qu'il y est. Du coup je sais jamais quand je dois dire... Quand je dis lst, je ne sais jamais si je dis la lst, le lst, les lst. Je trouve que la lst ça sonne mieux, mais euh... mais je pense que je dis différemment chaque fois. Minuit 19, ça y est, on peut plus participer à Eclipse euh... Boulevard. Eclipse, je sais plus quoi. Ah, il des gens qui se en sont fait Ah non, je pensais que c'était des gens qui s'étaient fait... fait arrêter par la police et en fait, euh, pas du tout. Ta da ta 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 Oh, and On va faire quoi? Monter ou. Bah alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une. Il euh, y a des limites de vitesse avant que ça devienne dangereuse? Comment ça marche exactement? Euh, oui, il y a des limites de vitesse avant que ça soit compliqué. Quoi? Euh. Mais, euh 10, en, 20 en temps normal? Cependant, là, c'est pas en temps normal. On a un véhicule qui apparemment euh, est beaucoup plus stabilisé. Ah ouais. Et, et là, euh... dans ce cas-là, il n'y a pas de limite de vitesse. Si ce n'est que okay. si tu vas trop vite, forcément que le mec s'envole. Euh, et, et la neige. C'est un, euh... un journey, donc. Ah, la neige, c'est une bonne question. <laughs> Allez, monte. Allez, je garde mon pas casque, hein. T'inquiète, ça va bien se passer. Donc, attends, en déjà. Fait, la neige, effectivement, ça va te. Ouais. Est-ce que euh, vaut mieux que je me mette à l'avant au-dessus de toi ou plutôt à l'arrière? Euh... Au milieu, vaut mieux. Hein. Au milieu, allez. Ouais. C'est jamais. Hop, hop, hop. C'est bon. Je bouge plus. On est déjà là, on est plus rapide que ce que ce qu'on est censé pouvoir. Ok. Bon, on va plus vite qu'un mec qui court quand même là, je pense, hein. Bah oui. Large, hein. Bah là je... là, je suis à fond. À fond. <laughs> C'est rassurant. Ok. Et pour l'instant ça va tu tombes pas. Je j'ai l'impression d'être stable. Alors, je vais essayer de sortir <laughs> l'appareil photo de me stabiliser. T'es bien au centre Je suis bien bien au centre, ouais. Ok. J'ai mon appareil photo, je me balade. Oula Ah oui, c'est bizarre ça par contre. On peut pas prendre des photos de derrière. Comment ça de derrière euh, Je peux pas prendre derrière moi en photo. J'ai comme l'impression de prendre un selfie mais avec un appareil photo c'est bizarre. Quoi bah tu testeras, tu verras, c'est bizarre. Je testerai quoi <laughs> Bah tu monteras sur ton toit et t'essaieras de prendre une photo derrière toi avec ton appareil photo. Euh... T'es pas sur l'autoroute là, non <laughs> Bien sûr que non. Euh, faut voir les ponts aussi. Est-ce qu'on passe les ponts, tu crois Oui, on passe les ponts. Bonne enfin, question. Ton véhicule, oui, moi, est-ce que je passe les ponts <laughs> Bonne question. Tu veux qu'on aille voir Bah... Euh, moyen je vois qu'on passe sous le panneau à droite là. Sous le panneau pas du tout. Je, même <laughs> toi je tu passes moyen alors. Euh... <laughs> oh c'est jamais hein. Je tourne un truc Ah non, je peux pas faire ça. Oh là on a 100 hein. C'est vrai On a 100, oui. Je suis pas rassuré du tout. J'ai essayé en de près, me coucher 114. mais c'est pas possible apparemment. 122 <laughs> C'est possible. <laughs> je tente des trucs. Ouais. Non, je peux pas me coucher sur le toit. Bon. Ouais. Je voulais essayer de m'accrocher parce que ça commençait à faire du vent, mais euh. En vrai, faudrait qu'on teste le tunnel de l'autoroute, mais euh, bof. Hein. Euh. Je sais pas ouais, ce qu'il y a des trucs. Euh, vraiment dangereux. Non, mais on n'est pas obligé de faire les trucs les plus dangereux non plus, hein. Et si on ouais. croise la FDO, je vais rigoler. Ouais, bah j'espère pas. Mais après, il est minuit passé euh, dans le nord, ça va. Je sais pas comment en off Bof, hein, aussi. Mais euh, essaye, mais doucement, parce qu'en vrai, si on suit des gens... C'est la, la... Doucement euh, comment Bah doucement comme... Euh, comme là, je... Plus, je suis plus trop au milieu. Attends, j'essaie de me recaler. <laughs> ah, ok, vas-y. Eh hey, tu glisses pas hein Je suis, incroyable. Je suis assez stable ouais c'est assez incroyable. Quand tu prends des bosses je bouge un peu donc il faut pas... Euh... je pense qu'il faut pas les prendre trop trop vite. D'accord, je suis à 40 là. Je, je re... Après j'arrive à reprendre ma position mais euh, le temps de la boss euh, je me décale un peu quoi. Ok donc si le mec il, il prend des photos faut, faut qu'il... Bah faut peut-être... Alors, soit faut quelqu'un pour le surveiller, soit. Euh... Euh, bah, je pourrais pas surveiller quelqu'un moi, qui. En fait, euh, là, par exemple, je te vois sur le côté. Euh, je suis très légèrement sur le côté, mais très légèrement. Je suis quasiment. Bah, là, là, je te vois pas sur le... légèrement. Ah. Je suis... Ah oui, c'est compliqué du coup. Et ben, bah, faudrait qu'il regarde ses pieds de temps en temps. Euh... C'est ça. Pour vérifier qu'il soit bien centré. En vrai, même en. Là, t'es en semi road Il faudrait essayer. Euh... Oh, alors, en full offroad. Attends, attends j'avance un peu quand même. Euh, Arrête-toi. Je vais me replacer. Je suis quand même légèrement déporté vers toi avec le temps. Donc on teste le full off avec ça On peut tester le full off-road. Euh, oh, si une... c'est pas le bon endroit. Hein. Ouais, c'est ça. Prends pas une montagne à 90, par contre. <laughs> Tout droit. <rire> <rire> <Wow>. <rire> What the fuck Ah ouais. Euh... Oh, <laughs> ça va uh, je crois que t'as glissé. Ouais, je crois aussi ouais. Je crois euh... qu'on a trop tenté le diable là. Il y a une. T'as pris... pris la bosse. Qu'est-ce qui s'est passé Bah rien. Rien. Parce qu'il s'est passé un truc hein, j'ai. J'ai quitté le véhicule, en fait. Oh, oh, bon, je... Ben, je, crois... Je... je crois que j'ai. Je pense que c'est l'hiver. Je crois. Ah tu crois oh, Je pense que c'est l'hiver. Parce que j'ai. J'ai pas de pansement par contre. Euh, ah ouais, non mais là euh, faut appeler les... le BCES. Hein. Ah. Ah là pas. bah là oui, hein. T'as as beaucoup, beaucoup mal? Ah bah euh, j'appelle je... ah, le BCES. Je dois avoir des restes d'anti-douleur, mais. Euh... Comment dire? Bonsoir, mon ami a perdu l'équilibre. <laughs> <laughs> Et on va dire. Euh, on peut leur dire que j'ai fait une chute de de 2 mètres, à peu près. un mètre. Ouais, un peu moins de 2 deux... mètres. J'ai dit bonsoir, mon ami a perdu l'équilibre, est tombé. Il est vraiment pas, pas fut-fut, de hein. Et... <laughs> Je suis désolé. Je ça que ça tiendrait jusqu'au bout. T'as même pas glissé tout du long. Ben non non, j'étais euh, hyper stable. Mais je crois vraiment, enfin, je sais pas, je sais pas si c'est l'année que... hein, parce que je bougeais pas. Hein. Je pense que c'est la chute de, de, du véhicule qui t'a fait retomber oh. sur le véhicule. Ouais, t'as peut-être pris à un moment une mini-boss, un endroit où le terrain était un peu moins plat. Et, et je, pense bah, que là, je, je pense que j'ai décollé voilà, du véhicule euh, une, un quart de seconde, mais c'était suffisant. Ça. Oh. <laughs> au, au moins, on a testé l'off-road. Je pensais juste pas qu'on allait aussi. que qu ça ferait là maintenant, alors que j'allais relativement vite, quoi. Euh, bah, c'est le fait d'aller vite. le pro... Ah oui. Oui. Bah, ans, on essaiera de rester sur la route au maximum. Ça dépend. Bah après, ouais. ça dépend du tracé, mais euh... bah, ou alors on va pas vite. Ou alors on va pas vite parce qu'en vrai, 40 km/h, c'est très large pour rattraper des gens qui courent. <laughs> Surtout euh, des gens oh, qui oui. courent en tombant. Oui, c'est sûr. Ça va T'es pas trop Enfin. Oh bah. T'es pas mort Je suis pas, pas mort, mort mais je suis. C'est-à-dire qu'il y a deux heures, j'avais un plâtre, enfin un plâtre, une mmh. attelle. Euh... Ouais. J'ai tombé sur quoi Dessus euh, Non, non, bah non, parce que je l'ai enlevé entre deux, c'est bon, le, la visite de contrôle est passée, euh, donc... Mais... Euh, bon. Ouais. Euh... c'est compliqué là, euh... j'ai du mal à situer la douleur exactement, pour moi, euh, un Merde. peu diffus, quoi. Et c'était déjà le cas tout à l'heure. Hey. Alors qu'il n'y a pas longtemps, je me suis pris un poteau bien dans la tête en glissant. Bah j'avais bien mal à la tête. Euh, félicitations. <laughs> si tu veux savoir On peut tenir euh, debout sur une ambulance. <laughs> ah bah on va tester pour euh, le, le, le pendant qu'il me ramène là, comme ça on verra combien ils peuvent monter sur le toit. Euh, ça me rappelle la fois où j'ai mis euh, j'ai mis à dans la benne euh, de mon 4x4 pour l'amener au, au médecin. Bah, je voyais plus des véhicules comme ça, moi, genre euh, bah, mon, mon, mon Sanking ou des véhicules euh, pick-up, mais, euh, mais il faut que ça soit. Euh... Bah là, euh, en pick-up, j'ai le. En achetable au concessionnaire, j'ai le Dune Loader. Euh, on peut virer, euh, parce que le Dune Loader, il me semble qu'il y a pas mal de bordel à l'arrière. On peut le virer Je crois qu'on peut virer le, Dune... le bordel à l'arrière du Dune Loader, mais c'est pas sûr. Parce qu'à la limite, si c'est louable au Beniz, euh, on peut. Ça dépend du prix, mais un downloader, ça doit pas valoir des ça doit. C'est 8000 balles, 10 000 balles, je sais pas. Et il, il, il loue à 10% du prix Oui. Donc c'est 800 balles si on veut le louer à la journée Bah ouais. Bon, ça va en vrai. Bah Après, euh, oui. ça dépend combien il facture la custo d'enlever tout le bordel, mais. Euh... Ça dépend si t'as du bordel à l'arrière quand tu l'achètes aussi. C'est ça. Bah... Mais euh, ouais, on peut enlever le bordel à l'arrière donc. Euh... Bah, une... Je pense que de base, il n'a pas de bordel. donc. Ça peut être parce que au moins, il aura des rambards, quoi, Ça sera un peu plus sécurisé que... Alors, non. Non Comment ça Il y va? en a sur le côté. Ah, pas Et à l'arrière. Pas, pas à l'arrière. Oui, bah, c'est quand même plus sécurisé, mais c'est pas encore top. <laughs> mais ah, mais... c'est un off-road aussi. Euh... C'est euh, ouais, ouais, plus, ouais. plus soft en termes de boss. Enfin, c'est ouais. quand même plus adapté. Oui. Alors, parce qu que là, le journée, euh... en vrai... Euh... Bon, t'as les barres de toi, mais sinon, pour s'accrocher... <laughs> ah, euh, ouais. J'entends la, la, euh, la lumière arriver au bout du tunnel. J'entends la lumière arriver au bout du tunnel. Question, on est... on est où là On est sur, le, le, sur la zone de la série ou on est au-dessus euh, On est au-dessus. Enfin, on est à Davis Squad, c'est le... Et on... Sinon, tu sais quoi Tu dis que t'étais en montagne et que je suis venu pour t'aider. Hop, voilà. <laughs> Ouais, mais euh, il faut quand même que je leur dise que j'ai fait une chute, quoi. Oui, bah oui, t'as fait une chute quand même, oui. Qu'ils qu soient au courant de... Qu'ils me chaînent pas pour, euh, pour une blessure par balle, ça serait ballot. Non, mais évidemment, évidemment, c'est pas... Ça, <laughs> là, y a, <laughs> pas de, y a pas de question là-dessus. Hein. a pas de... Ils sont là-bas Je les vois, ils sont loin Oui, ils arrivent, ils arrivent. Mais c'est pas... C'est le bon chemin <laughs> Il y a dû <laughs> chemin par là, donc... Parce que là, s'ils arrivent tout droit, ah, euh, s'ils ah, arrivent non, tout bon. droit en... Ah non, ils vont rejoindre là Ok. pas que je tombe. Ils arrivent. <coughs> Les arrive. Tu pourras monter sur le camion si tu veux. <laughs> Super, je vérifierai euh, si la hauteur du pont, ça passe. <laughs> tu peux voir si on peut poser si on peut... un brancard sur le toit. <laughs> le mec, il peut plus bouger et tout. Ceci dit, t'es couché. T'as moins de chances de te prendre un pont. Oui c'est vrai. Mais des chances néanmoins de te le prendre quand même quoi. Euh, bah oui, oui puis si tu te prends un pont avec les avec les sirènes, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que ça veut dire qu'ils sont à fond quoi. Bonsoir. Mon Et ami bon est un bon peu, bon peu maladroit. Et bonsoir. Et là, est euh, si il est possible que j'ai fait une chute euh, De 2 de mètres. Ouais de à peu près 2 mètres euh, avec un peu de vitesse à la base. Elle oui. est où la moto Il n'y a pas de, moto. pas de moto. Il est tombé avec le casque, cependant. J'avais un casque parce que je suis prudent quand je vais en montagne. Vous me permettez de vous examiner Ah, oui, allez-y, oui, allez oui vous êtes là pour ça. Effectivement, oui, monsieur, vous avez pris une belle, une belle gamelle, dirait l'autre. Ouais, ouais, je. Ouais. je C'était très que... impressionnant. Est-ce que vous vous sentez de, de marcher jusqu'à l'ambulance ou est-ce ah, vous faut oui. qu'on prenne un brancard Je pense qu'avec de l'aide euh, pour éviter de trop forcer, euh, ça peut le faire. Allez. Euh, je peux aider êtes... si besoin. Non, non, vous inquiétez pas, ça va le faire. Mais Allez. tout ça, c'est de la faute de la neige encore. C'est de la faute de neige. <laughs> oui, oui. Allez, je vous aide à vous relever. Et... Allez, on y et va. 1-2 à... et 12. Ah, voilà. Oh ah oui, avez... il ouais, oh, y, y a de la neige. neige. Ouais. Ah, oh, c'est cool. <laughs> <laughs> Alors, ah. on va y arriver. On va y arriver. Allez, on va vous aider. Allez, avec moi. Surtout, on s'arrête pas et on marche tout droit. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais m'arrêter ouais. à l'ambulance quand même, mais... Euh... Ouais, c'est mieux. Non, mais c'est ici qu'il faut qu'on la fasse, notre course à pied, en fait. <laughs> euh, Allez. Pam... Euh... Vaut mieux éviter je... en période de neige, par contre. vous invite, à voilà, à nous, le <laughs> Vous mettez ah, la ceinture. <laughs> oui. Au niveau de la douleur, vous êtes à combien, là, à peu près Sur l'échelle de 10, on vous arrache la jambe. 1, un, c'est un, 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 une piqûre de moustique. Ouais, je vais garder ma jambe, euh... Pff, avec... Un bon 6 quand même, hein, je dirais. Ah, quand même Ah, ouais, bah quand même. Euh, oui, quand même, oui, oui, bah j'ai. Oui, bah ouais. la, la chute, oui, elle était malade. Bon, ouais. je vais vous donner un bon antidouleur, ok Oui. C'est quoi un mauvais antidouleur C'est un, un antidouleur dont la date de péremption est dépassée. Ça dépend, ouais. <laughs> Mais là, là, je vous mets un bon antidouleur, je vous foutre euh, certainement euh, tout ce qui est contraval, un truc comme ça. C'est un bon antidouleur, vous inquiétez pas. D'accord. Et contre Il est gentil, Ouais, ouais euh, Framboise, j'aime pas la fraise. Allez, euh, vous êtes attaché, monsieur Je suis attaché, oui. On peut y aller euh, en toute sécurité. Ça marche. Madame, oui, vous nous, si vous voulez nous suivre, oui. on va au BCES. Oh. BCES, B pardon. BCES, oui, j'arrive. Bon courage à vous. N'inquiétez pas, je vais je pas tomber jamais. dans l'ambulance. On sait jamais. De toute façon, je suis derrière. Si je tombe, c'est ça Allez, Pierre-Alphonse, <laughs> retour avec impatience. Ok, bien pris. Ah, monsieur, t'inquiète, ici j'ai juste pris euh... une barrière de sécurité dans la nuque Vous faisiez du repérage pour, euh, pour une petite balade Alors, euh, on faisait, on... comment expliquer ça euh... On voulait faire une course à pied euh... dans la neige. Évidemment, c'est plus rigolo. Le problème c'est que, comme le but c'était de faire un événement, je sais pas si vous connaissez ou Cookie Event d'ailleurs, mais Cookie Event est une association d'événementiel okay. euh, On s'est dit que ça serait bien de prendre des photos vu que c'était un événement. Les gens seraient contents d'avoir des photos d'eux en train de courir et de tomber. Oh oui, effectivement. Sauf que ah, le problème c'est qu'il faut que le photographe court plus vite que les gens qui courent et qui tombent. Donc ça c'est pas très pratique. Euh, oui, effectivement. Voilà. Et donc on s'est dit, euh, suite à. à... À une grande connaissance de la personne qui nous suit mmh. euh, que avec des véhicules plus adaptés on pouvait tenter de prendre des photos à, à vitesse très modérée oui pour vous dire on est arrivé de sandy shore quand même mmh. donc <laughs> ça marche bien oui, euh, jusqu'à la jusqu'à là et alors je peux pas, je peux pas vraiment vous dire ce qui s'est passé exactement du pourquoi là ça a pas marché. Je pense, je miserais sur une bosse, mais, euh, mais effectivement. Ouais, êtes, euh, oh, faites pas, pas quelqu'un qui vous suit en, 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 en BF 400 par exemple. Bah, parce que le problème c'est qu'il faut, il faut, euh, il faut que le photo, il faut un photographe euh, fixe et il faut une personne qui conduit. Et ben à deux sur la moto. Oui mais du coup euh, en ouais, termes bah, de champ de ça. vision c'est pas terrible. Le BF400 quand même, il euh, y a de quoi faire hein. Oui mais le photographe s'il est derrière il... tout, tout son champ de vision avant Déjà il va être pris par le Par la tête, par la tête le corps, euh, les épaules euh, le... tout ça quoi Après euh, peut-être qu'en prenant Que des clichés de flanc Ça peut le faire euh, C'est vrai que c'est à tester et ce serait vachement moins dangereux euh... Moi si vous faites des événements J'ai 2-3 trucs à vous proposer deux Ah bah trucs. Euh, on fait que ça c'est le but de la société. Moi ouais, fais beaucoup de 4x4... Euh, trial. Pas tout terrain, trial. Alors c'est quoi, quoi votre différence entre... Euh, parce que vous avez l'air d'y tenir. 4x4 bah, tout terrain, c'est se balader sur des chemins de rando. Ouais. Trial, c'est... Vous voyez la montagne à notre gauche là Ah oui Ah oui bon... Droit. Moi j'appelle ça du off-road aussi, mais je, quand je, moi quand je dis off-road, je pense à ça. Voilà. <laughs> J'ai ouvert deux lignes. Une facile qui dure à peu près 40 minutes et une difficile qui dure une heure et demie ah oui quand même une heure et demie et comment vous faites oui. pour tenir une heure et demie euh... en une heure et demie vous avez fait le tour de l'île non là vous partez du point là on vient de passer devant vous montez sur Montchiliad et vous redescendez au lac et c'est tellement pentu que vous... si vous êtes dépassé le 20 km heure bah, vous êtes cramé vous la bagnole elle finit obligatoirement sur le toit hmm. Je vous y amènerai. Avec plaisir. Je prendrai il faut euh... un bon 4x4. Euh, alors j'ai pas ça, mais j'ai une bonne moto. <laughs> ça pas. En fait, j'ai aussi un... oh, la BS, la, la BF, tout passe. Bah, je vous amènerai avec le Riata, vous, avez... vous verrez. Parce que en 4x4 euh, off-road euh, j'ai pris un, un... un Sand King pour la neige, mais euh, bon, ça n'a pas tellement de pêche, donc sur euh, les non. pentes trop difficiles, ça passe pas. Allez, on est arrivé, monsieur. Je vais le raboter à coup de pioche ce coin là. Ah oui, bah oui. On peut plus de ce coin. Allez, pieds à terre. Allez, vous pouvez vous détacher et descendre du véhicule. Voilà. Allez, vous pouvez m'accompagner Je me suis. Vous avez travaillé au BCSO allez. avant de travailler au BCS est voilà, Speedy. Ah ouais, Speedy. Ah bon? Quoi non maintenant? Oui. White. Hmm. Venez. Ça me parle pas, mais je sais qu'il a été là. Allez, vous allez vous allonger sur celui-là, s'il vous plaît, monsieur. Allez, allez. Euh, pas celui-là, euh, celui-là derrière vous. Ah, euh... Voilà, celui-là, s'il vous plaît. Ok très bien. On n'enlève pas le casque hein, pour des mesures de sécurité, d'accord Oui, pas de souci. Je vais d'abord tout simplement on va commencer par le commencement, c'est votre nom de famille s'il vous plaît. Parks. Ça s'écrit comment? E R K S P R K S P A R K S, Jim. Jim, je vous ai trouvé. 26 ans C'est ça. Ok, allez. Je vais vous faire une radio pour voir déjà l'état général. Okay. Et après, on verra euh, pour tout le reste. On va faire étape par étape. Je reviens avec euh, les résultats et je vous dis où on en est. Euh, White du LSPD, ça doit être... Euh, c'est pas White euh, du BE, que je l'aurais reconnu, c'est pas du tout lui. Il y a eu un autre White qui est arrivé après. Et euh, je crois qu'il a été absent longtemps et euh, je me demande s'il si s'est pas fait virer. Je l'ai pas du coup. J'ai que 17, qui est le White du BE. Et un monsieur White. Mais je pense pas que ça soit lui. J'ai vérifié dans mes contacts. Le problème, c'est que j'ai pas pris. Il devait être cadé quand... quand je suis parti. Et je crois que... Je me demande si Val m'en a pas parlé de White à un moment. Parce qu'il me semble en avoir entendu parler après avoir quitté le LSP. Et je me demande si juste. Ah non, c'est peut-être Adams Adams Val il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que White il avait été absent hyper longtemps et qu'il s'était pris un taquet. Ah oui euh, C'était au moment... Où... Ah je sais plus. Oh ouais, Qu'est-ce qu'elle fait là Ah ouais elle est tombée malade. Où elle fait son tour du sang En même temps qu'elle est tombée malade Bon, bonne nouvelle, au niveau euh, radio, rien de cassé. Ah, déjà ça. La voilà. mauvaise nouvelle maintenant Je vais devoir vous couper votre casque en deux. Ah oui, ça c'est pas une très bonne nouvelle, effectivement. Euh, étant donné que j'ai peur que si vous êtes touché au niveau des cervicales, au niveau musculaire et tout ça, le fait que je vais re devoir retirer votre casque, si je tire dessus pour pouvoir le retirer, je risque peut-être de vous blesser au niveau des cervicales. Donc vous inquiétez pas, c'est une scie à plâtre, c'est une scie par vibration. Et ça va... Vous retirez, euh, ça va vous, ça va découper le casque, ni plus ni moins. Sans couper la tête du coup. Et ça, ça peut toucher la peau, ça fera pas mal. D'accord. Ça vous fera rien du tout. D'accord Ouais, ouais, Allez. Mais je comprends pas comment ça marche, mais d'accord. C'est une scie à, vi à vibration. C ah, ouais, ouais, non, mais... On appelle ça un drill. D'accord. Ou une drill. <laughs> Allez, je vais l'enlève. Attention, je me route la machine. Ça fait un peu de bruit, donc euh, c'est un peu compliqué. Allez, hop, je coupe. Hop, vous pouvez. Allez, hop. Ça va, la tête elle tourne pas. Ça va. Est-ce que vous avez mal à la nuque euh, Il faut que je la bouge. Est-ce que non, comme ça, sans la bouger. Ah, sans la bouger, ça va. Alors, vous me permettez euh, de vous retirer le haut euh, Oui, allez. -y. Je m'en occupe. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Je m'occupe de votre veste. Voilà. Allez, ah, je vais mettre du gel de maintenant. contact pour faire une écho au niveau des cervicales et au niveau des trapèzes pour vérifier que vous n'avez pas pris un petit coup du lapin le fait que vous avez pris une bonne gamelle d'accord okay. allez on y va couper la tête du monsieur à lucien rarement rien la tête avec monsieur Vous n'avez pas envie de vomir euh... Non pas Non, ça a l'air d'aller. Après, euh, je ne sais pas si les antidouleurs sont aussi anti antivomitifs ou, ou si c'est juste. Euh, non, non, ils sont juste. C'est vraiment que pour la douleur. D'accord. Euh, bah écoutez, je vois une. C'est pas grand chose, mais vous avez quand même euh, pris un petit coup du lapin. Vous avez une légère entorse cervicale. C'est rien de bien méchant. Le traitement il est très simple, c'est du repos une at et une minerve. D'accord. D'accord. Donc ce que je vais faire de suite, c'est que je vais vous mettre en place une minerve qui va vous immobiliser. D'accord. Mmh -hmm. Je vous préconise euh, d'éviter le sport. De courir, de porter des charges lourdes et tout ça. D'accord. Et euh, on se revoit. Demain, probablement. Hein. Voilà, c'est ce que <laughs> j'allais dire. Vu ouais. l'heure, ouais, je ne oui. vous, vous mets pas d'ordonnance, mais demain, dès que vous vous réveillez, vous venez nous voir. Ok. On passe un contrôle euh, des cervicales et en même temps, on fait un retrait du collier cervical si c'est guéri. D'accord Ça marche. Allez, j'ai fait le haut. Maintenant, tant que vous êtes là, je vais faire le torse. Quand je palpe sur votre ventre, ça ne fait pas de point dur. Vous avez pas mal mmh, Ça, ça fait pas mal quand j'appuie. Ça va. OK. Ce n'est pas très agréable. Ce mais... C'est pas agréable, mais ça fait pas mal. Non, ça va. Moi, je n'ai pas de point dur. Donc, au niveau, euh, on va dire. Euh... Tripaille à l'intérieur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'hémorragie ou de plaie interne. Est-ce que vous sentez vos jambes euh, Oui, bah, j'ai marché avec, donc ça. ça oui, oui Vous n'avez pas de fourmis dans les doigts de pied ouais, J'ai un peu mal, mais je pense pas que ça euh, C'est plus du choc, quoi. Ouais, C'est euh, ça. Ouais. Ok, ça marche. Bon, écoutez, je vais vous prodiguer quand même un bon antidouleur mm -hmm. en même temps que la minerve. Et je pense que vous devrez être. Ah, trop mal. C'est bien c'est que vous êtes rassurant, ah. vous dites qu'il ya a rien de grave mais tous les mots que vous utilisez sont quand même super flippants. Ouais. Ah bah oui. Moi, il attention vous... Alphonse à toi. Oh, oui merde. Vous essayez de prendre la minerve à ma place, c'est gentil. Oui. je Tu vas sûr ah, que ouais, ça, ça soit très très bien pour moi mais euh, <laughs> Non non effectivement ça, ça, ça... non. Ouais parce que vous bon ça va pas ça va être chiant pour vous mais moi ça va être euh, bon. Bah moi ça va être ça va chiant être parce que ça ne sert ouais. à rien <laughs> et vous ça va être chiant parce que euh, elle, 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 elle devrait vous servir et en plus vous risquez d'avoir mal sans Est-ce que le fait d'avoir la minerve et ses antidouleurs vous font du bien? Euh, bah j'ai pas trop bougé la tête donc euh, donc la minerve je sais pas dire mais les antidouleurs oui ça me ça vous soulage? Ouais, ouais, ouais. Là c'est euh... que vous avez mal partout? Donc c'est pour ça que vous n'êtes oui, pas au top. Euh... Et ce qui vous a sauvé, c'est pas une blague, c'est le casque. Ah bah de toute façon, euh, oui, c'était un... Le cerveau, il n'y a pas eu de problème. J'ai regardé. Euh, vous avez, voilà, vous n'avez pas de vaisseaux sanguins qui ont, eu, qui, ont cassé au niveau, qui ont pété au niveau des yeux. Donc euh, c'est un signe comme quoi le cerveau, le cerveau aurait pu être touché. Vous n'avez pas de problème. Pas de fracture dans le crâne parce que vous n'avez pas les oreilles qui saignent. Donc tout va, tout va très bien, franchement. Vous en sortez bien, vous sortez avec une entorse cervicale. Un coup du lapin quoi. Euh, ok. Ouais, bah, c'est flippant quand même le coup du lapin, mais euh, si vous me dites que je m'en sors bien. Euh... Ouais, non, franchement, ça va. Il y aurait, <laughs> y aurait pu y avoir pire. Bah, écoutez, je vous invite à vous relever si vous voulez bien. Et puis bah, je, vous, je vous redonne à votre collègue. Hein. Ok, pas de soucis. Allez. Hop, vous pouvez vous habiller. Je vous laisse les deux morceaux de casque, c'est pas la peine que je... Ouais, non, vous inquiétez pas, ils iront euh, au recyclage. Il ouais, est nickel. Allez, je vous raccompagne. Allez, faites attention à vous et pensez à une moto la prochaine fois. Oui euh, oui, bah j'en ai une euh, j'en ai une qui attend, mais... Euh, je vais juste prendre votre numéro, du coup, pour le off-road, parce que j'ai deux white au LSPD, mais vous avez... Je pense, euh, ni l'un ni l'autre. 71-30. Non, on était deux white à l'époque. Il y en a un qui s'est... Ben, les deux sont fait virer d'ailleurs. Ah, celui du B aussi Ouais. Incroyable. Il s'est fait virer, virer trois semaines avant moi. Et moi je me suis pas fait virer, je suis parti plus que faire virer. D'accord. Bah ben, si... Je, je crois pas vous avoir connu plus que ça, hein, mais euh... Non, non, j'ai fini KD, j'ai fini ma période et puis euh, comme un accord, euh, oui, j'aurais préféré être BCSO, mais euh, euh, les speedy euh, il y a des oh, trucs qui euh... pas trop plus oui, oui, mais je comprends. J'étais euh, lieutenant chargé du recrutement pendant une époque, mais euh... On On s'est pas croisé à ce moment-là, je crois. On s'est pas croisé, je pense, à ce moment-là. J'étais peut-être sergent quand vous êtes rentré, mais c'est même pas sûr. Alors, il y a un mois et demi. Bah, je, suis parti, euh, je suis parti avant la, je, je, je avant la mairie, euh, juste avant la gale en fait, une semaine ou deux avant la gale. Euh. Bah, je suis arrivé à ce moment-là. Je vais être ah bah, incorporé croisé, une semaine après. Après Ah bah on s'est pas croisé alors. <laughs> J'ai été incorporé à l'SPD une semaine après l'épidémie. D'accord. Ah bah, bah, J'étais à la mairie à ce moment-là donc c'est peut-être croisé. Euh, si vous êtes, vous êtes arrivé à ce moment-là ou vous étiez ouais. déjà Oui, bah, on s'est peut-être ah, croisé non. en nouveaux arrivants éventuellement à la mairie alors. Euh, non, elles étaient fermées les mairies parce que je suis arrivé en, plein, en, plein, euh, euh, en oui, pleine pandémie. Oui, mais on a reçu les gens après. Ouais, mais après j'étais. reçu d'accord. Moi j'ai <laughs> okay. fait ma sauce à fond. Hein. <laughs> ouais, bah il faut, c'est bien. Ok, non, non, bah, écou Écoutez, on se revoit demain. Euh, ok, pas de soucis, merci beaucoup. Là, du repos, faites attention à vous et on, on, bah, on se dit à demain. Et bonne soirée, merci beaucoup. Allez, bonne, bonne soirée à vous. Au revoir, monsieur. Moi que je l'ai, 5 mois que j'ai pas testé encore. est vivant Il est vivant Il est comment vivant J'ai une minerve, c'est pas très pratique pour tourner la tête. Ah. Ouais, ouais. Faut pas qu'on soit dans la vision périphérique. On m'a dit... Ouais, super. On m'a dit euh... Vous avez fait le coup du lapin, ça aurait pu être pire. Ah, ouais, le coup du lapin. Ouais, bah, un petit coup du lapin, on m'a dit. Oh. Mais Mais euh, bah, oui, du coup, euh, du coup, je bouge pas trop. J'ai une lésion cervicale. Tout est flippant ah. dans ce qu'ils disent. Ah, oui. Et, mais mais, mais, mais bon, ils ponctuent fait... de. Mais ça aurait pu être pire, c'est pas trop grave. Ok <laughs> euh, T'as fait okay, crever, okay. mais. Euh... Donc voilà. Ah, oh, gens oui, qui disent, ça aurait pu de... être pire. Ça va. Ouais, mmh. ouais, bah, il m'a dit, oui, sans le cas, vous seriez mort. C'est vrai que c'est ah oui, pire, ouais. mais bon... Euh... C'est ce qu'il a dit oui, oui, il m'a dit ça, oui. Tu lui ouais. as expliqué comment t'étais tombé ou... Ouais, 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 il sait comment je suis tombé, ouais. <laughs> mais euh, tout va bien, euh, à fond la forme, euh, je vais laisser passer la nuit quand même avant Des de... Quatre de... <laughs> avant de, avant de proposer... refaire un thé, ouais. Je vais proposer à ces messieurs dames euh, si vous voulez monter. Ah, vous voulez essayer <laughs> Ah, c'est incroyable, hein, non, ça marche hyper bien. bien, bien. Ah, ça marche hyper bien. Le, le contexte n'est pas le même. Excusez-moi, mais il faut le dire. Vous avez un casque <laughs> Oui. Ah, okay. Forcément. Ah, ben non, avez... Le contexte dans lequel Jim est tombé, il y avait une pente qui descendait abruptement. Oui, on était euh, sur du chemin de terre, euh, sur une pente qui descend. Euh, C'était pas les meilleures mètres. conditions. Avec un camping-car. Avec de la neige au sol. Avec de la neige au sol. Mais la neige, c'est incontournable. Mais on aurait pu faire ça sans neige, effectivement. Je pense que sans neige, aurais probablement... tu serais tomb... probablement pas tombé. Je pense que sans tombé... neige, je ne serais pas tombé. Mais ça n'a pas de rapport avec ce qui est au sol. Tu as perdu ah. l'équilibre <laughs> en mode. <laughs> ouais <laughs> Du coup, d'ailleurs, vous faites quoi vous, depuis le SPD euh, pff, Alors. Euh, pro professionnellement, pas grand-chose. Enfin, j'ai fait j'ai fait le mandat euh, en conseiller de, de mairie et après, euh, pour le moment, je m'occupe principalement avec Cookie Event, chez euh, Devensiel. Voilà. Ok, ok, parce que moi, la dernière fois que je vous ai vu, c'était quand vous étiez encore les Speedy, quoi. Ouais, bah, de, bah, oui. Mais, euh, mais non, j'ai fait euh, j'ai fait j'ai fait le mandat de, le fameux mandat de l'épidémie à la mairie du Sud. Le fameux mandat où on a <laughs> essayé de faire des trucs, mais qu'on n'avait pas le temps. Ouais, ah oui. ça, a été, ça a été un peu compliqué. Messieurs, dames, bonsoir. En quoi et je bonsoir. Ah bah. bah oui, non, euh... non tout, On Tiens, a été réparés déjà. Comment donc, mais... ça va Comment que ça va bien, vous Eh ben ça va, ça va, écoute. Oh. Je, je sais que je, je le connais, mais je Adam's sais plus qui C'est a voulu changer de tenue et qui s'est pété la gueule. Ah bravo. Voilà. Bon, comment ça se passe Bah écoute, ça se passe bien. Hein. Je monte bien comme il faut. Ouais. Ah, C'est Randers C'est peut-être Randers. C'est le principal. Ouais, ouais. Et c'est peut-être même White d'ailleurs. Est-ce est est que c'est White C'est peut-être oui. White. Vous étiez Il y a déjà une ou deux fois. Ah ouais a bah alors Je ne suis pas sûr à 100%, mais si ça se trouve, c'est White et ouais, ça serait très vrai, rigolo. L'équipe est cool. Est pendant... est cool. Les gars, du coup, les je les disais gars, salut, ouais. White. Ouais. salut Adam, ah c'est White. Ça ah, ça va. Ça fait une cascade a priori. Euh, bon, je suis dans l'escalier en sortant. Les ouais, classiques. Bah Ouais, c'est dangereux, que... fais, fais méfie-toi, les chutes, c'est. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. mm -mm. <laughs> mais il s'y connaît, il est un peu maladroit. C'est réunion des... <laughs> réunions du LSPD et des anciens employés du LSPD, là Ouais, c'est ça. Pas mais... ça. Et, et plus une. Je sais pas, je sais pas si, <laughs> si Graham et White, ils ont connu euh, Parks, mais bon. Si, bah si. Moi, oui. Bah, White, pendant longtemps, il est arrivé il y a. C'est pas, 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 pas le même White. Ah oui, White Non, non, Ah oui, non, l'autre White oui Non, non, je pense que vous l'avez avez pas. Non, connu, non. Moi, moi, personnellement, ça me dit rien. Le Gram euh, moi, je Et connais non, le nom, mais. Euh... On s'est croisé, Parks, on s'est croisé, comme on disait, on s'est croisé à trois jours près. On on ouais, ouais, je suis parti juste avant qu'il arrive. Euh, Graham, ça me parle, mais je pense que, genre, euh, il a dû rentrer euh, deux ou trois jours temps, avant que hein. je. Ah ouais Ah, Ah, bah, j'en ai juste entendu parler, alors. Ah, ah, je, je sais pas les si c'est une bonne nouvelle hein, non, non, c est, c est parce que du coup j'en ai entendu parler pendant la période ah, de cadet. Donc, tu euh... ah, fait. essayé de faire profil bas, raté. mais oui, j'ai entendu parler de, de Graham et de Randors aussi. Mais Randors ouais, il, il est rentré, rentré, rentré ouais, un ouais, peu avant, Runders, il est quand même bien plus ancien. Bah il, est est, bah, il était cadet quand je suis parti, je Allez. crois. Hein je reviens, je vais vers vous si vous... Oui, sinon que on que se revoit pas. Que on va aller faire un petit tour. Ah je... Oui oui, ouais, ouais, si bah... on se blesse, on revient. T'inquiète. <laughs> ouais, pas de souci. Euh... Ouais. <laughs> pas de souci. Ouais, mais dans, dans, dans 4 minutes, l'hôpital est officiellement, euh, si on veut rester on reste, mais sinon c'est fermé. Mais vous avez mon numéro. Le exactement. Okay. Un service. je l'ai connu, je l'ai connu avec lui. C'est bon à savoir. Et B, ça marche. écoute, bon courage. y j'ai attrapé une rougeur. c'est le bon endroit, c'est le bon endroit. Arrêter de lécher les barres de métro, ça c'est terrible. <laughs> Mais, Mais portal ici Moi ah, je suis oui. parti au moment de la mairie. Ouais, du coup, à quel moment euh, Une semaine avant l'épidémie ou deux semaines avant l'épidémie. Ouais, donc euh, fin octobre quoi. Moi j'ai pas connu l'épidémie. Euh... C'est vrai Ah oui, bah oui, si euh, oui, c'est en même temps que White, et du coup c'est une semaine oui. après. Je me suis chopé une. Et bah Encore. du coup. Du coup, à peu près 2-3 euh, semaines avant. Oh, un médecin, Star Chopper. Euh, bah vous non êtes non, rentré je quand au SNI, uh... euh... ah, oui. Sophie <laughs> Moi, je suis rentré mi-novembre, je crois, le 14, un truc comme ça. Ouais, bah, j'ai dû partir fin octobre. Enfin, ouais, fin octobre. Ok. Ouais, bon. quand, quand ah, moi je suis en vacances, quoi. j'ai eu 3 semaines de vacances. Ah oui, voilà, <laughs> j'ai soigné la personne. Des bonnes vacances. Okay. Parfait. Parfait, parfait. Euh, bon, on va pas vous déranger plus longtemps. On... Parce que là, vous fermez du coup, c'est ça Donc, non, non, on euh... ferme aussi. Tant qu'on est là, on est là. Ok, ok. Et Adams, on va rouler dans pas longtemps, si t'intéresse. De hmm. quoi En moto Ouais. Ah oui, c'est vrai que tu, tu, tu avais acheté une petite moto, toi. Euh... Bah, J'ai acheté une euh, cliff. Maintenant, une, je roule en cliff là. Mais cut up peut-être avec... On connais les rien en moto. Mais... Euh... Euh... Je ouais, peut-être. Elles sont bien occupés les présidents du... des Amazones donc on n'a pas fait de balade depuis trois semaines. Là. Bah nous, on en a fait une. Devait... Ils en ont fait une hier soir, mais moi, comme j'étais en examen pour passer interne 3, euh... J'ai pas pu la faire. Mais euh, on va essayer, là, depuis... maintenant que la nouvelle année elle est là, on va essayer de faire des interclubs assez régulièrement, au moins minimum oui. une fois tous les 15 jours. Oui, on avait fait ça déjà une ou deux fois, puis euh, c'est sympa. Oh bah oui, oui. C'est marrant de faire un, un club de moto féminin et de faire de l'interclub. Bah c'est ça qui est fun, quoi. moi je fais partie d'un club, un on club a... de moto. Techniquement, avec ce club on est censé faire des balles avec les Lost aussi, mais c'est jamais arrivé. Ah ouais, ouais Moi aussi. Bon. Moi je roule, je roule pas mal avec eux de temps en temps. Mais Mila, Mila en fait, son mari c'était un des chefs des Lost à l'époque. Mmh, okay. Il est décédé, c'était Monsieur Maxlo, vu que c'est Milalo. Un membre ouais. des Lost Oui, c'était pas ouais. le chef des Lost, lui Oui, oui, oui. oui. Ouais, c'est pas, pas... Enfin, juste un moi, du coup. Oh non, oui, c'était un... oui, le chef, c'est bref. Pardonnez-moi. Pardonnez-vous. Oh, pardonnez euh, il y en a qui allez, veulent ou. Va. Qui euh, veulent oui, mais non, On va venir euh, faire un tour avec. Euh... Allez. Euh, euh, bah euh... alors, s'il y a un de vous qui peut me ramener, moi j'aimerais ben, bien euh, oui. dormir du coup. Ah oh, oui, bah je vais faire un tour. Ouais, je je là, monsieur, euh... faut pas trop le secouer, il a une petite. Ouais, petite ouais. Place, euh, pas, pas, pas méchant, je peux monter dans, dans, dans le camping-car, on fait juste ah, un petit tour et puis après on descend. Ouais, ça marche. Bon, euh... moi, je, je vais rester actif euh, encore un moment. Hein, <laughs> donc, -moi, hein. On va mettre des casques. Ne euh, vous ouais, inquiétez et pas, il va... Oui, mais il y a 6 places place dans, dans le véhicule. Ouais. Ouais. Oui, on peut même ah le, le marquer avec, White. Mais dans l'idée, si on peut ne pas se blesser, euh, ça me va, moi. Oh, je viens de penser à un truc incroyable. Un médecin embarqué Oh là là. Non, 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 il ne faut pas que je vous le partage, vous allez me détester. Vous allez penser que je suis... Vous allez penser que je suis complètement... Ouais... Jim, je pense hein, qu'il mais... le sait déjà, mais. T'es dingue, oui. <laughs> je vous l'expliquerai après, Peut-être. Ok. Bon, sur ce, euh. Let's go. Allez, bon, c'est parti. Bonne euh, <laughs> soirée, bon, bon, bon à tout à l'heure. Peut-être tout à l'heure, pas... oui, oui, à tout oui. à l'heure. Oui, <laughs> <laughs> Oh, j'ai trouvé une idée. Ça fait peur, pas dire de mettre ça, c'est une idée de merde, mais. Je pense. Oui, c'est surtout parce qu'il y avait le médecin que je voulais pas dire. Je pas, un ancien cadet là. Oui, oui, bah, c'est ce qu'il me disait, mais je l'ai pas connu du tout. Mon véhicule, quand il n'y a pas la neige, il peut faire des deux roues. Ouais. Ça Il marche comme. T'as fait quoi si on met quelqu'un au-dessus non, non, bah non. Bah non <rire> <rire> Bah non, <laughs> ou alors faut ouais, faire ça dans ça, euh, le LSES. Dans, dans le. Quoi Bah faut faire ça à un endroit où. As... Ah, tu as où as... ah. Wow. Faut faire Monsieur ça à un endroit où t'es directement des médecins prêts à intervenir parce que. Je crois qu'Inko il veut pas monter dans le cambicar Je l'appelle toujours comme ça mais je me rappelle jamais de son prénom de Euh C'est John John je crois ouais Je crois que c'est écrit bizarrement ça Ah terrible Comment oh, on monte là dessus là euh, Je crois que la porte elle est... Non elle est de l'autre côté Euh... Il y a une échelle à l'arrière Moi je vais monter à l'intérieur si non. ça vous dérange pas T'es sûr que tu veux faire ça devant le BCS Bah on va... On va se bouger de toute façon Ok 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 Bon, ah, y a quelqu'un sur le pas. Hein. sur la gauche. Hein. Mais bah qu'est-ce que tu fais, fais des tirs, Bah non, des tirs, tirs, attends, bouge des cars, pas. Hein. Je lève <laughs> les bras et mets du Narta. <laughs> non, lève... ouais. Voilà nickel. Euh, ouais, ouais, ouais. Je bouge. Ouais. Hop. Attention. Il y a une porte là. Ah, là il y a une petite porte. Ah ouais, ouais. Nickel. Okay. <laughs> et puis je crois que Ouais, on va se mettre un peu plus loin pour ouais, faire les coups Je crois qu'il n'a pas confiance, il veut pas aller avec vous lui. Non, il n'a pas très, très confiance. Oh bah après, il y, y a combien de place là-dedans Oh, il y en ah, y a, y a, y a y plein Il y <rire> en a moins à 6 De <laughs> toute façon, on est. De toute façon, on, on, on reste, reste sur, sur Paleto, hein. j'ai pas abandonné ma voiture. A la base, je voulais que vous montiez sur le véhicule, pas dedans. Ouais, mais non. Ouais, mais moi, j'ai pas réussi à monter dessus. Comment ça Comment ça Tu veux vraiment qu'on monte dessus Mais pourquoi tu veux qu'on monte dessus Ah, c'est incroyable, je vous le conseille, mais avec un casque. Oui, mais c'est ah, un casque et. Mais euh. Une petite échelle à l'arrière en plus. Mais oui. Mais... En vrai, allez-y, allez-y. C'est une idée de merde. Mais... Suffit de prendre un peu d'appui quoi. On va tomber si on fait ça. Mais mais non, non, alors on euh, à Paléto, je pense pas. Par contre, par peut-être pas vers le BCSO. Euh, on va peut-être ouais, faire un demi-tour avant. Ouais hein. tu mets pas de casque Sophie. Mets un casque quand euh... même. Et après, t'as pas besoin de. Ouais, tu peux. Voilà. Nickel. Tu vas voir. Euh... C'était juste pour prendre des... Ouais, prendre des photos en fait. Ouais, exactement. Oui. On s'est dit que pour prendre des photos, ça, hein. ça serait bien de pouvoir suivre, mais plus rapidement qu'eux. Sinon. C'est euh... pas du tout pour faire d'autres genres de conneries quoi, à la base bah, que j'y ai pensé. Moi, c'était pour ça après. Attention Quoi oh Alors, elle a Alors... pas stabilisé. Il faut se stabiliser quand on prend des photos. Oui. Ça va Pardon. Ça va Oui, ça va. Alors, euh... est-ce que c'est à la sortie de l'appareil que t'es tombé oui. oui. Mais moi Donc je l'ai sorti. Tu aies... Je l'ai sorti pourtant tout à l'heure. La... Ah t'étais peut-être à l'arrêt quand je l'ai sorti. T'étais peut-être à l'arrêt. Ouais, on était peut-être à l'arrêt. Sors ton appareil euh... photo. Stabilise-toi. Et normalement là, si on redémarre, tout va bien. Juste regardez de temps en temps vos pieds. Ouais, vérifiez que vous êtes, vous bougez pas. Mais normalement, euh... moi je vous le dis. Vous savez comment vous stabiliser Je crois que Sophie je elle tourner. sait pas. Moi je suis pas sûr. Euh, euh, c'est la, la notice du, du, du truc, c'est pour se stabiliser, il faut. c'est ça. En fait, euh, tu, tu, regardes, euh... tu regardes dans ton petit dans ton, 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 ton objectif là pour, pour être euh, oui. sur, sur une photo ah, optimale, oui, et bah c'est la même chose. Voilà, comme ça vous bougez pas du tout. Vous bougez pas. Ah, oui, et comme ça, tu peux, voilà, t'es sûr ah, de es pas. pas bah non, euh, je l'ai appris aujourd'hui aussi. Neige va apprendre la photo à. L... <laughs> à l'intégralité des photographes de l'île, je pense. Bah ouais, est pareil, les caméramans, tout ça, tout ça, hein. C'est ça, en fait. Euh... T'es sûr Bah... Faut que je fasse le plein. Bah, la bonne nouvelle, c'est que ça passe, ils sont assez petits. <rire> <rire> voilà, donc dans ah, l'idée, ça serait de faire ça, euh, donc, mais que sans, sans prendre de off-road. Tu as bougé, euh... Oui, j'ai vu, j'ai vu. C'est volontaire, c'est volontaire. De tout toute je bien. pense qu'on va, repass va repasser War White, hein. moi je me suis blessé, de nouveau. Ah! Bah, il euh, y a des chances, oui, avec la gamme que t'as T'es beaucoup blessé pris, ou hein. t'es juste euh, écratigné? Euh, je me suis fait mal au cou. Ah! ah. Heureusement que t'avais ton casque! Oui! C'est parce que les pansements sur le cou, c'est pas fou. Ah! Ok. Et Et ça du coup, quand Liquid, même! Hein. Linkwood, ça t'intéresse pas de risquer ta vie? Non mais en fait faut y aller petit à petit et tout parce qu'en vrai ce qui s'est passé avec Sophie je pense que c'était juste une question d'expérience Ouais ouais pareil avec moi c'était pas de bol non plus C'est John là c'est ça Bah ouais Mais non non moi je suis pas suicidaire c'est C'est John mais ça s'écrit pas spécialement je crois c'est ça Moi c'est toujours une question d'expérience Mais non non moi ce que je préfère c'est prendre mon service de bain et pas avoir discuté. Moi je l'appelais Jean Au pire si tu prends même si on prend 12h demain à 13h on est ok au pire, si on meurt, euh... <laughs> ouais, non. Voilà, voilà. non, mais he's ok, est ok. On va, on va, remont, on va rentrer. Et par contre, moi, ce que j'aimerais bien faire tant que le nord, c'est essayer de, de le fraud avec le brawler. Bah, ouais. euh... let's go, let's go. En euh... plus, le brawler, c'est un véhicule de type buggy, c'est à dire que quand il est dans bon, les ai airs le il a une qu il aérodynamique faut, mais... qui fait qu'il retombe sur ses pattes. Des fois, juste qu'on pose. Euh... <laughs> Ouais, si vous cave, me ou... ouais ouais, ouais. Je, je veux bien que vous me déposiez aussi parce que je suis pas fan de l'off-road avec une minerve. Oui. <rire> ouais, <rire> de toute sinon, façon, on va vite dans le sud, en pause gym, puis après on peut aller essayer, mais faut juste qu'on prenne la logique du road De toute au façon, pire, moi j'y vais dans le sud. Sinon, pour... au pire, euh... ouais. Au pire, j'ai une BF. As... Moi, t'as pas ta moto, sinon. Ici. Et tu vas pas faire une mo la moto avec ta... Non, 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 non. non. Oui, non, si as une... oui. Non, payé. non. <laughs> sinon, tu dors à la maison. Ah ouais, ça dépend euh... si tu veux rentrer tout de suite ou pas. Aussi, toi, non, là, voilà, ouais, j'allais je... rentrer. Oui, ouais. si tu viens de proposer d'aller faire de loff Mais oui, ah, si... il va pas. Si tu veux faire de loff non, mais euh, si tu veux me déposer, à la limite, euh, tu peux me déposer chez toi, c'est plus proche. Si tu veux faire de loff avec Linkwood, ça me va aussi. Je ne comprends pas qui va où, mais sinon, toi, tu, veux... tu devais aller en off avec Linkwood, non, c'est pas Non, ça moi, je vais non. me coucher. Tu vas te je sais coucher. Que justement... bah, as dit let's go quand il a proposé, non. <rire> <rire> Ok! <laughs> ok! Qui veut faire du, de l'off-road avec euh, Linkwood du coup? Bah, moi j'ai pas mes véhicules ici donc. Euh... Bah, tu, non peux non y aller, tu peux monter avec lui sinon. Non? Sinon, euh, je, moi je peux prêter une BF400 tant que elle revient dans un garage. Non, mais on va se baisser. Non, mais on ferait une sortie off-road dédiée mmh. à loff Parce qu'elle est, est à Sandy Shore dans le parking gratuit donc je peux la sortir avant de. Je crois, je peux la sortir. Tu peux la sortir Bon bah bon, on va retourner voir White euh, deux secondes allez De base on a l'occasion de casino euh, Du coup te euh, je te ramène ou euh, Bah si tu rentres chez toi euh, je... Et que tu veux pas faire Sophie retour, peut hein. te ramener Non pire on peut descendre dans le sud hein. Nous, on va au casino après Ah Faut juste que je oui. voie White pour qu'il me remette un peu mon truc Y'a toujours pas ça. de voiture là-bas Casino Ouais Ah Alors... euh je sais pas Juste me garer. Ouais, mais c'est une manche. bonne idée. Bon bah, je, re je retourne chez moi du coup. Euh, ouais, tu... bah, du coup, oui, si tu veux plus. rentrer. Euh... Si tu veux rentrer, tu peux faire ça. Moi, bah, je, je vais attendre. Parce qu'en fait, je vous le dis, mais j'ai très très faim. <laughs> ah C'est ah. pour ça je bah, C'est important bah... de manger, euh... oui. as allez, très très faim, genre euh, vraiment très faim Ouais, j'ai mal au ventre là. Ah, oui. Bah, bon appétit. Non, alors. mais. Je... Tiens, allez, va manger. Oui, je vais manger, oui. Allez, bon appétit Ouais, comment ça se passe au oh, les Speedy Eh ben ça se passe super bien. Ah. Euh... Oui un Désolé pour la mineure. Oui c'est pas un souci, t'inquiète pas. <laughs> J'espère. Et bon courage. Salut. Ouais. Ça se passe très très bien donc. Eh ben oui, oui oui moi je me plais de fou. Je bossais chez Ron avant alors. Euh... Ah bah c'est pas la même chose. Ah oui, non, non, je revis depuis que je suis au SP. <laughs> Vraiment, c'est. Euh... Ah ouais, non, c'est sûr que. Non, bah oui. Et puis, il, y a non, une, euh... une... il y a une capacité d'apprentissage euh, quasi limitée. Oui, 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 non, c'est sûr. C'est sûr. Il y a beaucoup de choses à apprendre, en vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même assez mastoc. Mais. Euh... Je pense on peut tenir. Non, euh... mais il faut prendre son temps et y aller tranquille. Hein, de toute façon, je pense qu'on peut tenir facile à un an. Euh... Avant euh, de se dire que... Ça fait une année là, moi. Ouais, 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 bah moi... Euh... Il me restait plus grand chose à voir en vrai, mais euh, je suis resté un peu plus d'un an et demi. donc... Euh... Ah oui. Donc... Euh... Et en un an et demi, euh, j'ai pas tellement fait de SWAT, par exemple, j'aurais pu faire du SWAT encore. Donc voilà, donc... Euh... C'est quoi vos unités ah, J'ai je... glissé, chef. Euh, j'ai fait <laughs> du BE très longtemps. Ok. Euh, et après, je suis rentré à la formation. Je suis passé euh, responsable formation. Ah ouais, ok. Ah, oui, je... les docs qu'on lit, maintenant, c'est ok. Tu veux fait. pas te travailler à la ferme <laughs> non, 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 non. Je pense, à... pense au Weasel. Mais euh... mais Parce que euh, sinon, comme ça, je pourrais t'appeler Miner Farmer. Super, nickel, merci. Voilà. <laughs> ça marche. Euh, nickel, ben, hein. je, je, ouais, euh... je la note et je rigolerai quand je pourrai bouger la tête. Super, allez. <laughs> Allez à plus. Sorry. Euh, bah il y a une partie, il y a une bonne partie des docs. Je les ai pas euh, écrit, pas vraiment, mais j'ai révisé une bonne partie des docs euh, qui sont là actuellement. Euh, après, euh, peut-être, parce que peut-être qu'ils ont été révisés derrière, j'en sais rien. <laughs> j'ai plus la vision dessus, donc. Euh. Euh, je sais pas, mais je crois que j'ai vu votre nom sur un ou deux docs. Ouais. Euh, C'est possible. Peut-être le forcément. formation PPA. Possible, je sais plus il y a des docs où j'ai mis mon nom des notes où je les ai pas mis mais euh, mais globalement j'ai révisé euh, l'intégralité des docs et euh, je suis pas sûr que quelqu'un d'autre l'ait fait depuis parce que euh, c'était joli qui m'a su succédé que vous avez dû connaître vous en tant que responsable formation euh, non 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 il est parti aussi euh, pendant oui mais je crois. parti il est resté un petit moment avant de partir non ah non, peut-être pas. Ah, non, 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 il est peut-être parti peu de temps après moi, en fait. Oui, mais je crois euh... que vous êtes partis tous les deux pendant la période de vacances. Mes trois semaines de vacances. Moi, je okay. connais pas de joli... Euh... Ok, ok. Et, Et je maintenant. pense. si Ouais, ouais, ouais. Et si je dis pas de bêtises, il euh, n'y a plus vraiment de. À moins qu'ils en aient remis un, il n'y a plus vraiment de lieutenant maintenant euh, formation. Si, ils ont quand ah même remis bah, un premier responsable. Que, euh, en fait, il y a un. Bah, si, il y, temps... bah, y a le temps. Ah, il y a Case qui a repris la formation Oui. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce qu'elle n'était pas. Euh, oui, il y a eu un petit temps avant qu'elle soit gardée. C'est bon, on peut y aller cette fois. Y a allez, okay. donc je suis là, non C'est bon Non, c'est euh, tout, tout bon. bon. Okay. réussi à survivre à cette épreuve. <rire> <rire> euh, allez, bon, allez, rentrez bien, les copains. Ouais, ça marche. Ben, à bientôt. Allez, à bientôt, ciao. Ciao. Bye. Bye. Ciao. Plus que... Sect... T'habites vers où, toi euh, Dans les villas. Euh... Non, bon, on va suivre. Il est où Linkwood Ah, il est derrière. On va le suivre de devant. Je t'ai te... Te laissé conduire la vaca là jusqu'en ville. Moi, qui t'avais pas envie de conduire la vaca. Mais... C'est à moi, moi Oui. Ah ouais, moi, je peux pas conduire de toute façon. Ah, si, moi je suis chaud, mais euh. Qui c'est qui. Du coup, c'est. Bah il va avec. Euh, avec euh... Allez De toute façon, on a que deux voitures de place, donc. Oui, c'est euh... vrai, c'est vrai, vrai, En soi, on est plus ah. en sécurité dans ce véhicule. C'est vrai. Il est plus gros. <laughs> bah, il est plus fait pour prendre des chocs. Voilà. Après, je pense qu'avec la binaire, euh, que le choc soit pris ou pas. Enfin. Euh, <laughs> du coup, là, on va où J'ai mis un point, normalement. Ok. Et oui, ça, on va. Euh, ils ont dit qu'ils te suivaient. Ok. Euh, tu peux ne pas suivre tout à fait le GPS, je pas, ah, quoique. Moi, je prendrais pas le GPS, je continuerais sur l'autoroute jusqu'au point Y. Mais bon, après, tu fais comme tu veux. Ah oui, c'est dans les villas, ça, je connais. Ouais, parce que si tu suis le GPS, ça te fait passer par les petites routes. Mais bon, en vrai, euh, si oh, t'aimes bien les tu... petites routes, tu peux faire ça. Hein. Non, non. Ouais, je Pas prends sûr. toujours l'autoroute, mais... <laughs> oui. Les criminels, je crois, c'est passer par les petites routes. Là, là. <laughs> bon, et toi, comment ça se passe Pour bon, moi, ça va. Hein. Moi, je suis toujours tranquille. Euh, le bon... Pour moi, je suis au bon grade parfait. Officier de... Non, officier de... Comme ah. ça, j'ai pas les stocks. Ok, t'as rien. Ouais, officier ouais, c'est vrai qu'officier 3, tu commences à avoir des emmerdes. <laughs> officier 2, j'ai tout ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir faire mon boulot tranquillement. Ouais. J'ai pas, pas les emmerdes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est un peu le. c'est le bon Si tu veux être tranquille, c'est le bon grade. Après, euh, bah, forcément, même les décisions, ça va partir d'officier 2. Donc, euh, j'ai pas besoin de demander back euh, backup de, 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 pour les décisions, <laughs> les trucs comme ça. Je sais faire mon boulot. Euh, je peux faire partie. Faut pas, de, de, pas casser tout le monde comme ça. <laughs> Donc, euh, voilà, ça fait bien un moment que je suis au BE maintenant. Ouais, ça se passe toujours bien. Ouais, ouais, moi j'aime bien le BE. Bah, ça dép ouais, ça dépend. Ça dépend beaucoup des directives de l'instant. Le... Hein, au BE, moi j'ai connu plusieurs périodes. Euh... Il y a des il y a, Enfin, moi quand je suis rentré, euh, c'était le feu. Bon, euh, quand j'y suis rentré, on était deux, donc euh, on a dû recruter un peu. Euh, mais après, euh, selon qui dirige, c'est pas. Bah bon, même si toi t'as connu que Harper, du coup, je pense. Bah non, je ouais, suis pas. T'as eu une Malouine, mais. Euh, mais Harper était déjà là. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas, eu euh, ouais. pas eu un changement drastique euh, où on te dit, euh, bah allez, on change tout. Bah après, c'est quand même un petit peu. Euh... Si, euh, il a quand même pas mal rénové. Bah, en fait, c'est il a rénové, il y a aussi Sigursen qui est parti. Ah, c'est vrai, j'avais appris ça. Euh, du coup, euh, maintenant, c'est Moya et Nils, les sergents BE. Ok. Donc, euh, c'est totalement différent par rapport à l'époque, quoi. Tout droit, là, du coup, tu je... oui, oui. euh, Tu sais que Moya, quand je l'ai recruté, je me suis dit. Je vais le recruter, mais je suis pas sûr qu'il restera longtemps au LSPD. Oh, bah, si, si. Parce qu'en vrai, bah en vrai, euh, c'est pas ça. C'est que il, il avait l'air un peu, euh, on va dire atypique. Et c'est pas forcément. Euh... Alors après, il y a eu du changement de commissaire et tout entre deux, donc je pense aussi pour ça. Mais euh, c'est pas forcément le, le profil qui a le plus de chances de rester au LSPD parce qu'en général, ces ces profils-là, ils ont tendance à faire des trucs pas très pro au début. Et, euh, et à se faire euh, pas mal rabrouer et, et, et il y en a beaucoup qui du coup se disent ah ouais mais euh, je suis trop bridé euh, je vais aller ailleurs et donc je suis content de voir que qu'ils soient encore là parce que parce que vraiment je les recruté en me disant qu'on avait trop de profils euh, euh, on n'avait pas assez de profils atypiques et c'est important d'en avoir euh, je pense de, quand même pour euh, pour la diversité et, et du coup euh, apporter d'autres visions d'autres idées d'autres façons de faire et euh, voilà je suis content qu'il soit encore là oui bah si, si. moi, moi ça, bah, après c'est surtout drôle sur les radios be quoi bah euh, ouais d'autant plus <laughs> après euh, je pense que ouais je pense que ça doit être, euh, ça doit valoir un leclerc sur la radio ah, je sais pas, bah, pas leclerc, connu, je Bah, leclerc t'as pas connu ouais mais euh... ah moi je suis arrivé au LSPD en août oui, oui bah il était parti euh... enfin il est, il est au minimum plus responsable depuis longtemps et puis, euh, il est parti euh... C'est parti à bon moment maintenant. Mais justement c'est lui qui avait repris le BE. C'était incroyable le BE sous son commandement. Ah oh non, je suis fait flasher. J'en ai marre. Pourquoi je peux pas avoir des gyros et écrit autorisé Ah bah faudra des voitures de service hors service mais ça devient compliqué. Ouais. <laughs> juste que Après sans gyro hein sans gyro, juste des voitures autorisées, c'est bon, hein. Ouais, ouais, mais c'est juste que je suis tellement pas habitué à faire du hors-service que je fais pas gaffe au radar. D'ailleurs, les voitures mairie sont autorisées, j'ai appris ça en travaillant à la mairie. Les voitures mairie, euh, qui ont pas le droit de faire des excès de vitesse, ils ont pas de gyro. Et bah, ben, s'ils passent les flashs, c'est autorisé. Faut bien quelqu'un pour tester. C'est pour ça que je voulais pas aller au-dessus, je voulais conduire, moi. C'était pour pas me... On va prendre des TT, mais... Euh... Par contre, les gens qui en auraient la foutre, ça, c'est pas avec les oh, ça a pas changé, ça... Hein. <laughs> ça, ouais. ça, quelle que soit l'époque... Euh... Même avec les gyros, pas gyro, ils s'en foutent, quoi. Ah ouais, oui, oui. Bah, je dirais même, c'est pire avec les gyros. En fait, non, avec les gyros, ce qui est pire, c'est qu'ils essaient de, de se décaler pour nous laisser passer, sauf que parfois ils se décalent devant nous, quoi. Bah ouais, ouais, mais c'est pour ça que c'est pire, hein, parce qu'en fait, du coup, les gens deviennent fous. Alors après... Euh... Avec l'expérience, euh, tu peux gérer mieux, mais euh, oh. Ah, il t'a aidé à tourner. C'est oh, par là, bien <laughs> hein. ah, je vois, Oh, le mec, je lui ai proposé. Ah ouais, mais je t'ai dit, euh, après tu m'as dit monte, euh, monte. Alors je suis monté, mais euh <laughs> Mais hey, j'étais pas oh, serein. Euh, C'est là. Ouais. Okay. Je, je recule, faut pas oh, descendre tout de suite. Je bouge pas. J'attends qu'on me dise pied-à-terre. Ah, j'ai su, euh, su que White il était, du, il était des forces de l'ordre parce qu'il a dit pied-à-terre en arrêtant l'ambulance. La, <laughs> okay. Et du coup après... je lui ai demandé, mais vous étiez au BCSO avant Parce qu'il avait, en plus il avait dit BCSO au lieu de BCES. Et il m'a dit non, j'ai été au LSPD. Bah après au LSPDI, ça fait longtemps qu'on dit pied-à-terre. Enfin, ouais dit ça, à terre. ça fait longtemps, moi je l'ai jamais trop dit non plus. Mais, euh, mais, euh, mais c'est dans le guide du bon policier. Oui mais non mais parler de rouleau limiteur, de, de pied à terre, ouais, un à terre, ah, à terre. Oui. Un à terre moi, depuis... en fait c'est surtout le BCSO qui le dit. Et moi je l'ai jamais dit quand je suis aulesspeed. Bah moi j'ai ai appris à le dire mais euh, je l'ai jamais vraiment dit. Du coup j'ai pas non plus appris aux gens à le dire donc. Euh, c est, c est c est que tu es en, en plein milieu quand même. Ouais ouais t'es pas super bien garé hein. C'est <laughs> pas sûr. moi qui conduisais j'ai essayé Non non bah c'est ouais, lui qui est mal garé <laughs> Moi j'ai une bonne technique c'est attendre que le conducteur descende. Euh, c'est une bonne technique aussi, ouais. Ça, Sauf des... en cas d'urgence. Le, le problème, c'est le cas d'urgence. Si tu dois descendre vite, euh, il se dit, euh, bah, notamment fusillade, tout ça. Hein. Si, si il se dit, euh, ah, je vais reculer un peu, je suis pas très, très bien avec toi, tu descends à ce moment-là. Non, non, mais justement, un en de cas fusillade, euh, c'est le conducteur qui, descend, enfin, qui se place pour pouvoir descendre en premier et après, il me couvre comment moi je descends, quoi. Ouais, je peux pas ouais. descendre sous les feux nourris des, des autres, quoi. C'est bien, c'est une bonne idée. Normalement, tu mets le couvercle. Le conducteur à couvert, il sort. Puis après, si tu veux faire bien, le, le passager passe place conducteur. Mais... Ouais. Après, ça dépend d'où viennent les tirs, quoi. Si mais bon, est bon, généralement, tu euh... le fais pas. Tu sors ta bagnole, tu cours, tu fais le tour, tu la couvert. Mais... Bah ah, voilà, voilà, dans l'initiation SWAT. Ça. Enfin non, c'est possible de le faire en sortant de ton côté et faire le tour en courant, mais il faut un tir de couverture. Mais Vous que je l'ai jamais fait, le coup de prendre la place passager, j'ai toujours. Euh... Bon après, on était jamais euh, sous le feu nourri directement, donc. Bah c'est ça en général, euh, on évite. <laughs> On évite de se mettre sous le feu nourri, mais ça peut arriver. Je vais quand même descendre. Ouais, oui c'est plus sympa quoi. Ouais. Enfin, en tout ouais, cas, ouais. je l'aime bien mon brawler Bah c'est sympa quand ouais, même. Je... C'est un look rigolo. J'ai pas trop, mais... c'est le premier véhicule que j'ai acheté. Et Depuis, j'ai plus rien acheté. Je suis devenu. Ah oui, de ah je <laughs> si tu voulais acheter. Euh... Oui. Bah... Euh... Ça fait, ça fait quoi fait... J'ai rien à te proposer là. Ah bah, un voiture sportive plutôt Bah quand ouais, la neige quand la neige sera arrêtée, moi j'ai un Snow King à vendre. Ah mais non, j'ai déjà un Brawler, déjà <laughs> <fait> un <cap. rire> Ouais, mais alors le Sandking c'est comme le Brawler mais au moins bien. Je te vends ouais. ma la creuse. Parce que le Brawler, moi oh, je non, le trouve non. Non. génial même si j'ai jamais eu le temps de le tester en hors piste parce que je fais tout le temps du service du service du service. Bah c'est dommage. Il ah, faut ah, au moins le tester, temps. faut mais moi écoute, le tester quand la... même, que... Si vous avez le temps, on peut vite aller faire un tour mais sinon Wow, non, wow, hein. une moi j'ai le temps après c'est plutôt les s'il s'il le temps ou pas mais oh, ça va ouais. juste on va aller prendre le le semi trancher chez moi du coup peut-être mais c'est deux places hein. non c'est deux places trop. Oui, tout tout. après si vous prenez, deux prenez places. Tr... si vous prenez euh, ouais. si vous prenez ouais prenez plusieurs véhicules de place ça va prenez trois véhicules de place ça règle le problème hein. moi j'ai un camacho mais oui. ah c'est moche un hein, camacho c'est tout carré c'est tout ah, ouais. et puis y a tout le monde qu'on a alors plus. mais ça ouais. roule partout, c'est Ah ouais, c'est vrai que partout mais, mais c'est moche. J'en je, je, je ai testé un de C'est comme la coureuse hein. J'ai ah, testé sur su la dava à l'époque mais c'est vrai que ça roule bien quand même mais bon, les ah coureuses ouais, ça roule et ça roule bien mais c'est moche. Ah, c'est pareil. Ouais, les Donc on euh, va très hein. C'est la descente du Chilia dans en... Enfin vraiment le Kamacho c'est c'est n'importe quoi. En ville, j'arrive à faire 220 avec. Euh oui, sur les bonnes descentes oui, il y a moyen. Après, moi je roule jamais à cette vitesse quand j'ai pas de gyro, donc euh, je sais pas. <laughs> <laughs> oui. J'ai un problème avec la vitesse. Oui. Ouais, bah, c'est pour ça que vous êtes à quoi. Oui. Après, en même temps, plus ça va, plus t'achètes des véhicules qui vont j vite. Donc pourquoi, de toute j toute j façon, ouais. pourquoi à un moment j'ai des Sultans, des six e Sports, des trucs comme ça il y a le côté oui de base ça me plaisait mais aussi le fait en fait de savoir comment ils, fon ils fonctionnent les véhicules pour pouvoir les suivre oui, Alors est-ce que tu t'entraînes à passer dans les ruelles à, à couper oui. Ah oui d'accord Je l'ai déjà fait Ah oui d'accord J'ai ah, même ouais. testé la 8F Drafter à un moment vu qu'avant on avait une Ah ça va bien aussi Ouais ouais après il y en a... ouais Bon je me suis pris moins 6 points pour accader de la SSP pour qu'on bah, dangereuse ouais, parce ouais, qu'il ouais, qu m'a bah vu ouais. faire un drift Il m'a vu faire un drift puis qu'il a voulu faire chier Ah moi aussi j'ai arrêté hein, pour ça du vitesse non mais lui juste parce que j'ai fait un drift, j'allais pas vite. J'ai oui, glissé, bah, glissé dans la neige. Oui. Moins 6 points ça pique. Bah en fait, c'était il était avec un autre collègue, puis il a dit euh, quand tu croises un autre gars d'une autre personne des tu il fous la max d'office. Bah après, en soi, conduite dangereuse, ça existe pas ça. Non respect des euh... codes de circulation. Non, je crois non que c'est non respect des oui, non, non, respect... non respect oui. Ou oui, mise en danger non, de la vie non respect des codes de circulation. Oui, mais le non respect c'est non respecter des, mais là, des là, tu codes tu c'est hein, pas moins 3... 6 points. Oui, mais on, on lit 6 points. Bah c'est moins 2 points le, le non-respect des codes. Non ah, mais c'est majoré par euh, par les speedy. Euh. Ouais mais même. La tête fois 3 parce que c'était oui, bon, mais c'est Oui. Mais non mais je suis pas ah, sûr. ouais ils il, droit... il te majorent, mais... ils te majorent. Euh... Je suis pas sûr qu'ils aient le droit de faire fois 3 sans le procureur. Hein. Oh. Sûr qu'ils aient le droit de majorer, y a non, c'est le procureur faut qu faut qu qui être est majoré. automatique majeur. FDO, je crois que si. Hein bah, c'est automatique, mais c'est le procureur qui décide. Oui, Automatiquement, oui, le procureur le met, mais euh, je pense pas qu'un officier ait droit de faire un. Bon, L'officier a pas le droit de faire plus que ce qui est marqué dans la loi, de toute façon. Oui, oui c'est ça. dans la max. Ouais, après, le bureau du procureur veut majorer, ils ont le droit. J'ai essayé, essayé de négocier aussi, puis après, il a dit ah non, non. non Ouais, Parce que j'étais un peu énervé, j'ai failli l'envoyer chier. Je me dis, si je fais ça, j'ai perdu mon boulot. Ouais, c'est pas la meilleure idée, ouais. <laughs> euh... Non, l'envoyer chier, ça va. Tant qu'il n'y euh, a pas. Ah, non, non, mais envie ah un bah euh, mais oui, mais fait, voilà, mais... justement, euh, envoyer. Bah pff, ouais, alors tu sais, les outrages, ça peut vite être compté. Bon, après, il n'a pas, fait... pas... Pas... pas fait très longtemps ce cadet-là, mais là, j'avais envie de l'insulter comme, était... comme il me parlait. Bah après, tu peux toujours faire une remontée derrière si. Non, mais pour son... je crois qu'il a fait une semaine et demie, après, il était déjà plus SSP, mais. Bref, peut-être laisser aller dormir si tu veux aller dormir. Euh, ouais, je vais aller me reposer euh, pour des raisons de, de coups qui ne tournent pas. Oui, sûr. Du coup, peut euh... se mettre sur le côté pour parler avec lui comme ça. Et nous... <laughs> Les circonstances aggravantes, euh... enfin, ça passe en circonstances aggravantes en fait. Euh... Personne dépositaire de l'autorité publique, mais du coup, euh, bah, c'est toujours le bureau du procureur ou éventuellement un juge qui. Il décide. Peu, hein. de ça. Ouais, okay. ah oui, oui, je pense pas que nous on a. Ouais, J'ai pas réfléchi sur le coup, mais j'aurais pu gueuler alors. Bah, je viens de vérifier. Ah, mais oui. Euh... oui, oui, il avait, il peut pas te. Attends. Euh... On va dire que ça fait partie des trucs où tu peux éventuellement pinailler dessus. Mais euh, ça dit que les bureaux, le, le bureau du procureur ou le bureau du juge. Euh, en Présence de circonstances aggravantes peuvent décider de majorer jusqu'au triple de la peine, et en dessous il y a marqué une majoration du quadruple s'applique lorsque euh, l'auteur de l'infraction relève du service public. Oui, mais Comme c'est une, phrase... à... bah, ouais, ah, une phrase à part, mais pour moi sont... c'est dingue. Les procs ils sont pas prévenus sur des délits routiers et des délits. Euh... Oui, bah c'est pour ça on peut pas majorer euh, s'il n'y euh... a pas de proc pour moi. Bah, en ouais. soit tu peux appeler un proc sur un délit routier, hein. tu l'appelles, tu dis c'est un membre des services publics, euh, qu'est-ce que je fais, et le proc peut te donner une décision. Hein. Il oui, peut il juger un, un délivrant <laughs> routier, c'est juste qu'on l'emmerde pas pour ça. Dans mais... les 30 dernières secondes, je voulais tout rouge et noir. Ah, euh, oui. globalement, non, En gros, il faut un proc ou un juge pour, euh, pour majorer, parce qu'on n'a pas le droit de majorer. Oui. Ouais, donc il a fait de la merde. Hein. Ouais, parce que moins 6 points, euh, le seul truc où je vois où on peut mettre moins 6 points, c'est. Délite 8. Non, ouais, mais aussi euh, <laughs> x7 vitesse quand on a le radar, quoi. Ah non, il était pas le radar. Oui, donc voilà, il y a. Après, y a... si c'est il y a longtemps, euh, les points ont été euh, peut-être modifiés. De... A... Ah, oui, non, c'était SASP derniers... pendant que t'étais à euh, euh... Oui. Non, c'était il y a deux mois. Euh. Ouais, bah. Ouais, moi, six points, c'est chaud. Chaud, moi, six points. Il fallait lui dire bah, vous... vous voulez que je vous emprunte votre boulot, cadet ah, Peut-être en fait, pas, euh... non, bah si, non, ça, ouais, grand, non, mais c'est un contrôle, c'est pas dedans. <laughs> Après, je suis désolé, mais même si c'est si un KDSSP, ça reste un KD quoi. T'étais ah, oui. à combien en excès vitesse J'étais pas en excès vitesse, j'ai fait un drift avant ah, oui, de la Ouais, bah c'est mort, hein, du coup. Non, mais de toute façon, j'ai je... juste pas relevé sur le coup, puis voilà. Oh ouais Bon, c'est vrai que j'ai pas, oui. bon, c'est pas grave. Allez, bonne nuit. <laughs> Allez, bonne nuit, euh, bon courage. Bon, bonne nuit. Et bonne nuit. Et vous vous faites pas tirer dessus Non. Et coucou toi. Et coucou. Bah alors, <laughs> tu veux que je te raconte ma soirée rapidement euh, ça passe beaucoup par l'hôpital. <laughs> Comme quoi, finalement, à chaque fois que t'es pas là, je passe à l'hôpital. Il y a peut-être... <laughs> ouais, je euh, je, je me suis réveillé récupérer. chez toi. Ouais. Ouais, bien. Je pars, chez je moi. me dis, bon... Bah oui, mmh. non mais alors, le problème, justement, il est là. J'avais pas accès au garage, parce que c'était fermé. Du coup, je me suis dit, mais bah, je vais aller récupérer ma BF qui est chez moi. T es sorti à quelle heure euh... À 21h et quelques. 21h30, okay. Euh, bah tu m'avais dit que tu pas là ce soir. donc. Euh... Non, non, mais c'est que j'étais sortie de base à euh, 20h30 de l'appart. Ouais. Euh, voir si tu étais dans les parages pour te sortir le véhicule, justement. Ah. mais quand Je t'ai pas vu. Euh... Ah non, non, je suis arrivée plus tard. Elle m'aurait fait qu'on se soit croisé à 5 minutes. <laughs> mais non, du non, coup, ça, ça va. va. Non, il était plus 21h15-20, je pense. Ok. Euh, du coup, je me dis. Bon, il faut que je prenne la boucle, tout ça, ça va être long, ça va être à pied, je vais me casser la gueule, ça va pas être terrible. Et j'ai vu, avec une super bonne idée, je me suis dit, ah mais, en fait, ta terrasse, elle mène sur une pente, une pente assez oh. pentue, mais plus loin, c'est pas trop pentu. Donc j'ai escaladé la rambarde, et ensuite j'ai commencé oui. à, à marcher le long de, de, du terrain vague, là, le ton des, des villas mes mm -hmm. côté. Et en fait, la neige, ça glisse. Donc ça, c'est de la faute à la neige. Euh, et en fait, j'ai glissé, alors que j'étais sur du semi-plat, hein, c'était un peu pentu, mais c'était franchement ça allait. Mais comme j'ai glissé, bah, j'ai glissé le long de la pente, j'ai un peu quitté le sol, puis après j'ai été me fracasser euh, contre, contre une, une glissière de sécurité en béton euh, qui glisse pas trop. Qu Qu'est-ce Qu que je vais faire de toi Qu'est-ce que je vais faire de toi C'est terrible. Donc il euh, y a euh, le docteur Trainers qui est venu m'emmener, euh, tout ça, il m'a mis une attelle, j'en avais pour une heure. Donc la bonne nouvelle, c'est que pendant cette heure-ci, j'ai eu le temps de revoir toutes les <laughs> Toutes les lois qui ont changé sur les juges et sur les procureurs. Et j'ai eu le temps de refaire toutes mes notes. Et la bonne nouvelle, <laughs> c'est qu'ils ont modifié beaucoup de trucs intéressants. Il y a beaucoup de trucs où, où c'était mal fait. Et où ils l'ont mis euh, bien un, un peu plus carré. Euh, plus clair. Ou des trucs qui étaient passés à la trappe. Enfin, qui, qui étaient des erreurs, en fait. Euh, qu'ils ont modifié. Euh, donc ça, c'est cool. Mais il reste plein de trucs quand même. Hein. J'ai quand même une demi-page euh, facile. Euh, et d'ailleurs, j'ai eu Davis... Euh, qui m'a dit Ah, bah ça m'intéresse, mais euh, là je suis un peu charrette. Euh, et il m'a dit que Kibo voulait lui faire des retours aussi en tant que juge. Et du coup, on s'est donné rendez-vous vendredi en deuxième partie de soirée. Puisqu'en première partie de soirée, on aura le. le... La réunion. Euh... Tu te souviens qu'on a la réunion. Euh... Alors oui, mais je t'avais dit que la réunion ne sera pas avant 21h30. Oui, mais euh... à 30. Ouais, mais bah, si, si ça va. C'était une ira. réunion Cook Event. On en a. Enfin. Je voyais vraiment ça en mode réunion. Euh, bah, comme jusqu'ici, ça nous prenait 2-3 heures. Ah ouais Ouais, mais euh, mais Ok, une réunion Cookie Event, ça se décalera plus facilement qu'un euh, rendez-vous avec le gouverneur. Après, euh, ouais, je, je peux voir pour le faire plus tôt ce week-end. Non, euh... non, 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 t'inquiète, t'inquiète. On se débrouillera, le... plus, on ouais. écourtera la réunion. Après, c'est parce des que. On... Ouais, en fait, le truc, c'est que les dernières réunions qu'on a fait on a préparé, on a organisé des trucs. Là, t'avais dit que c'était pour planifier, pour voir euh, quand est-ce ouais, qu'on met les choses. C'est commencé, en plus, euh, Neige nous présentera son event. Euh, oui, puis a, alors, euh, ça sera la deuxième partie de ma soirée d'aujourd'hui, mais elle a pensé à autre chose. Euh, la course à pied, là, dont as parlé Ouais. Alors, ensuite, j'ai été voir un peu Archer. Parce que je lui avais envoyé, je l'avais appelé en début de soirée, je lui avais dit, bah si tu veux qu'on se voit, on devait se voir et tout. Il a dit oui, mais pour le moment il n'y a personne. Et je l'ai rappelé après tout ça, il était euh, 22h30, je pense. Et, euh, ah, oui. il m'a dit, bah viens en mairie. Arrivé en mairie, bon, il y avait Neige, euh, l'ancien gouverneur adjoint, dont j'oubliais le nom tout le temps. Euh, Anderson avec, avec Mila. Ouais, Anderson. Et euh, qui était là Et Adams qui était là aussi. Donc en fait, ils étaient en train de bosser dessus. Donc, euh... Ils ont fini normalement. Si tu veux regarder le canevas, ils ont mis sur canevas. Euh, pas du tout utilisé le document de la dernière fois, mais d'hier. Mais euh, oh, et dis donc, il y a une sonnerie sympa dehors. Bah ouais, c'est euh, Je vais prendre à manger avant de sortir. Et il y a plus à boire. Y a... Oh, c'est horrible. Ah, c'est en bas. J'arrive. Euh... Donc, on fait ça. Et ensuite, euh, du coup, on quitte. Euh, je, je suis resté même pas 30, ouais, allez, 30 minutes avec Archer. Ensuite, il va se coucher. Et du coup, euh, Neige dit oui, course à pied, tout ça. Et je lui dis, parce que j'ai une idée à la con, est-ce que il y a des véhicules qui sont sécuritaires pour euh, rester sur le véhicule et pouvoir prendre des photos depuis le véhicule, histoire de pouvoir suivre la course Elle me dit qu'elle a une liste de ces véhicules, ce qui m'étonne qu'à moitié. <laughs> oui, on est d'accord. Et dans ces véhicules, il y avait l'autre journée. Ok. 10 euh, minutes plus tard, je me retrouvais sur le toit du Journey, euh, à rouler dans la ville. Journey, on est d'accord que c'est son... C'est son van. Oui. Euh, ça façon, marche plutôt oui. bien. Et du okay. coup, ça marchait plutôt bien à 40 km heure. Elle s'est dit... Alors je fais attention parce que j'ai toujours une mini Je ne peux pas trop vite. Là. Ah, non. On euh... va peut-être accrocher aussi. Oh, il y a du d'essence Oui, c'est pour ça que de base je sortais, c'était pour faire le plein. Euh, et du coup, euh, on se dit, bon, ça marche bien, on va essayer en off-road. Bah, ça, ça marchait bien à peu près en off Je lui ai dit, on était sur des chemins de terre. Je lui ai dit, ok, on va peut-être essayer en off-road total pour voir. Et là, mmh. à 40 km/h, ce qui est assez rapide quand un, pour un corps humain, mais peu pour une voiture, <laughs> euh, pendant qu'on était sur le chemin de terre, sans raison, alors qu'on venait d'utiliser ce chemin de terre pendant facile une minute sans souci, bah, j'ai glissé. Et euh, j'ai glissé genre à 40 km/h, euh, ça fait très ouais, mal. Ça pardonne pas. Et euh, j'avais mon casque, heureusement, évidemment j'avais mon casque pour faire ça. Euh, bah, Je suis pas totalement euh, fou non plus. Plus un homme prudent. Euh, et du coup, on, on a appelé le BCES, ici s'y retourné. Euh, euh, parce qu'au LSES, il m'avait mis une attelle sur le jambe, la jambe droite. Là, j'ai une lésion. Euh, comment euh, Ah mince, j'ai. J'ai perdu le mot. C'est euh... cervical, voilà, une lésion cervicale, un truc comme ça. Euh, c'est un petit okay. coup du lapin, mais c'est pas très grave. Alors, c'est un coup du lapin, mais qui tu te tue pas. Ouais, c'est ça. Un coup il... Du lapinou. Il a dit vous avez fait un petit coup du lapin. Euh, bon, vous avez une li... en gros. Enfin, il m'a dit vous avez une lésion cervicale. C'est un petit une coup liaison? du lapin. Non, une... pas une, liaison <laughs> une lésion cervicale. Une lésion cervicale. Il m'a dit c'est pas trop grave. Je lui dis okay. c'est marrant parce que quand même liaison cervicale ça fait vachement grave <laughs> et puis euh, et puis voilà il m'a dit mais ça aurait pu être pire hein, parce que sans le casque vous seriez sûrement mort d'accord <laughs> bah nickel c'est qui... Enfin, qui réconforte ah il est rassurant ce, ce médecin et c'est un ancien du LSPD c'est rigolo mais je l'ai pas connu il a été ancien euh, après que je sois parti enfin il est, il est rentré dans le LSPD avant que je sois parti puis il est pas resté voilà, c'était ma soirée, donc j'ai fait euh, ITT LSES, ITT BCES, euh, Atel d'un côté, Minerve de l'autre. Tu dois y retourner quand pour les checks Demain. Okay. Parce que vraiment, je suis sorti il y a 30 minutes, je pense à peu près, peut-être 3 quarts d'heure maintenant. Mais... Ok, d'accord. Voilà, et du coup, elle voulait faire une course à pied, je lui ai dit, euh, parce que bon, euh, il fallait que... Enfin, en fait, la neige risque d'être bientôt terminée. Euh, mmh. Je lui ai dit qu'il fallait que ça soit prêt euh, pour vendredi. Il faut que vendredi, quand on en parle, il euh, y a un truc de prêt. Alors, pas forcément à 100%, mais il faut qu'on ait quelque chose d'exploitable. Bah, il faudrait dans ce cas-là qu'à la fin de la réunion de vendredi, ce soit prêt à 100%, qu'on le lance la semaine prochaine. Bah C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'il faut le faire la semaine prochaine Et... si on veut être sûr d'avoir de la neige. Par contre, euh, il faudra qu'elle se bouge pour Orga euh, toute seule ou avec toi, parce que je vais pas être dispo euh, comme j'ai mes trucs de mon côté. Donc, il faudra. Parce que le problème de neige, c'est qu'elle a besoin d'être motivée et un peu poussée au cul. Quand elle est poussée au cul, elle fait du très bon travail, mais elle a besoin d'un petit élan de motivation. Qu'on l'accompagne un peu au début. Ah, mais. Il y a de la neige partout, j'avais oublié. Moi, non. <laughs> non, mais je sais pas, dans ma tête, les jardins étaient. Dénégé. Tu m'emmènes à l'hôpital Ah oui non, tu non, voulais faire une photo du... Je oui. <laughs> sais pas, on se garde devant l'hôpital. Non, non, non. Je vais juste aller en prendre des plus proches. J'ai traversé pour rien, c'est ça T'as fini Oh Ça va Oui. Euh, euh, oui t'as traversé pour rien, mais c'est pas grave. Comme ça... Euh... Ah attends. Ouais. <laughs> pas sur la route, hein T'as pu acheter je... les tickets pas. Euh, oui bah... J'ai envoyé... Alors... Je me suis dit d'ailleurs que c'était facile de frauder euh... Pourquoi euh, parce qu'en fait, j'ai envoyé... Euh... Ah bah non attends. Non mais attends, 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 attends. quelques secondes. Euh, bon bah va, on va traverser du coup. Non. Non je on va de traverser, d'accord. Ok. Voilà, je veux que tu euh... vois au gouvernement. <laughs> mmh. En Et fait, du coup, euh, du coup pour, mon, pour acheter mes billets, j'ai envoyé 1500 dollars à Elliot. Oui. Le truc, c'est que je lui ai envoyé la preuve de paiement en disant voilà, j'ai payé. Et ensuite, j'ai renvoyé une preuve de, payant, de paiement en disant regarde, j'ai payé 1500 dollars pour toi. Mais du bah. coup, qu'est-ce qui m'empêchait d'envoyer la même preuve de paiement bah Elle, elle a vérifié si elle a eu de paiement de Jim Parks. Euh, mais elle, le journal remonte aussi loin parce que ça sert à rien d'envoyer une preuve de paiement si elle vérifie de son côté. Le but d'envoyer la preuve, c'est de. Non, pour mais en euh... gros, elle, t'as bien noté pour moi que c'est toi qui faisais le paiement. Bah, j'ai mis ton nom, ton numéro de téléphone et ton CID. Mais, mais le paiement, euh, il est à mon nom. D'accord. Puisque c'est un virement. Il est forcément à mon nom, le paiement. Je peux pas. Oui, mais en fait, euh, ce que j'avais fait quand j'avais payé pour toi, c'est que, genre, dans l'identité de la personne pour qui c'est ticket, donc toi, j'avais mis euh, Jim Parks payé par euh, Iliana Torres. Ah ouais, bah alors moi ce que j'ai fait du coup pour être sûr qu'il n'y ait pas euh, mé méprise, euh, c'est que j'ai attendu quelques minutes pour que le, la date du coup du virement, enfin l'heure du virement soit pas la même. Oui c'est très bien. Il y a deux minutes de différence. Mais du coup, euh, ça veut dire que techniquement, si je l'avais fait euh, sans attendre, si j'avais juste fait deux virements de suite, bah c'est compliqué de... Pas de virements de suite dans tous les cas. Si tu as rempli le formulaire au moment où tu fais le virement, c'est ok, parce qu'elle va voir sur la capture d'écran la deuxième qui a deux virements. Mais, euh, mais dans tous les cas, oui, c'est compliqué. Bon, bon après, il euh, faut, faut vouloir frauder et il faut quand même payer la moitié des tickets. <laughs> et, et puis. Euh, frotter, euh, frotter. Non, pas du tout, si, frauder dans tous les si, cas. Ouais, voilà. Et puis si tu veux. 500$. Ouais. Oui, bah, après, tu peux payer beaucoup plus. Hein. Peux... J'aurais pu acheter 50 000$ de, de tickets. C'est vrai. On voit que tu l'aies pas fait d'ailleurs. Pour gagner 500 000, euh, ça vaut le coup hein. Bah 50 000, 500 000, ouais plutôt. Bah ouais. Allez, on y retourne. Ah non, c'est trop tard. ramasse. Bah, j'ai pas eu de réponse de Val par contre, donc euh, elle a pas dû prendre son service, je sais pas si... Elle est peut -être, pas euh, que tu partes, c'est tout. Bah elle peut-être... Bah euh, pour le moment, euh, je lui ai juste dit, hé, hey, euh, on pas. se voit. Normalement c'est plutôt... Plutôt bien. Mais euh, elle est peut-être partie euh, pour le temps des fêtes. Hein. Tu verras bien dans les prochains jours, si c'était une réponse. Mais ça m'arrangeait si. Parce qu'en fait, <laughs> ça veut dire que demain, pour la Pyjama Party, euh, on va devoir. Je vais devoir me mettre en pyjama, puis ouais. venir jusqu'ici, en pyjama. Bah, ben, sinon, on la décale au jour où tu emménages ici. Genre, le lendemain non. du jour où tu réussiras à... eh je... euh, ouais, bon. Non. Non, j'aurais je... froid aux pieds, c'est tout, mais... Non, euh... ah, non, je voulais la faire cette semaine. Après, sinon, on va jamais la faire. Euh, de toute façon, c'est simple. En début de soirée, je t'amène à l'hôpital, et sur le retour, tu te changes. <rire> oui. <rire> <rire> Donc, comme oui. on va commencer une pyjama on... partie avec un. Non, non, un ah non, ah bah non, non, ah. non mais il faut qu'on passe à l'hôpital. Mais c'est rigolo parce que ça veut dire qu'on commence, euh, commence la, la pyjama partie par. Euh... Oui. Par un tour à l'hôpital. Mais pas en pyjama. Mais bah, euh, non, pas enfin, on pourrait, mais non. <laughs> non, 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 bah, non. Non, non, pas, pas non, demain, non, non, la non, prochaine. Non. <laughs> La prochaine avant ah bon. ouais, quoi ouais, pourquoi ouais. pas ouais non mais alors et figure-toi que au LSES bon j'ai pas croisé grand monde que je connaissais Enfin, il y avait euh, habitu comme habituellement euh, la moitié des criminels de la ville mais au BCES quand j'y suis retourné euh, après avoir dit au revoir à Adams euh, et euh, Anderson au, et Archer au, au, à la mairie on y va on retourne au BCES et au BCES qu'est-ce qu'on croise Adam, ce qui vient pour se faire soigner. C'est vrai. Et, euh, le et deux officiers. Alors, c'est rigolo, c'est que c'était deux officiers de police que étaient sûrement avec elle euh, au moment où elle s'est blessée, ou parce qu'ils voulaient aller au casino après, je sais pas. Euh, un que je connais pas euh, et un que j'ai connu, euh, que j'ai même probablement recruté. Euh, et euh, le médecin qui s'occupait de moi, bah, c'était un ancien du LSPD aussi, qui rentrait en même temps que le cadet que je connaissais pas euh, qui était là. Ça devient compliqué. Mais... Wow, C'est compliqué à suivre, mais ok. Mais il y avait White et Adam, et pas Adams, euh, White et. J'ai oublié son nom. <laughs> Comment il s'appelle Graham, qui sont rentrés en même temps au LSPD, une semaine après l'épidémie. Et ouais. euh, l'un des deux était docteur, l'autre était euh, toujours et toujours policier. Il était là pour accompagner Adams, qui était là en compagnie de Lingwood, que j'ai recruté. Alors que Adams, ça est... je pense suffisamment ancienne pour que ce soit pas moi qui l'ai recruté. J'ai un doute quand même, mais euh... je devais être à la formation, mais je devais pas être euh, lieutenant en ce moment-là. J'aime bien Adams. Oui, elle est cool. Bon, elle parle trop, mais elle est cool. Oui. <laughs> elle parle beaucoup après moi, ça m'arrange. Ouais, bah je me doute, je me doute. T'as euh... pas pu... Bah non, tu m'as raconté ta soirée donc. J'ai pas pu quoi Parler à Hélo. Ah, non. Bah non, du coup, euh, je voulais pas... Mais je pas... crois pas que ce soit de mon de vacances encore. Bah oui, bon. Bah, je voulais pas aller euh, en ITT euh, passer un... <laughs> passer un entretien. Et puis... Bah euh... euh, ouais, ouais. Oui. De bah, toute façon, bah, j'ai verra... mes deux responsables qui sont plus là pour, pour le moment. On verra, enfin, je l'ai noté dans, dans ma tout doux. Ouais. Ce que j'avais pas ça fait jusque-là, c'était euh, dans ma tête. Maintenant, c'est. Euh... C'est dans ma tout doux. Ok, ça marche. Euh, si t'avais d'autres choses à faire, tu veux que je te dépose de base je venais juste euh, check si j'avais un appel de quelqu'un. Ah euh, bah non là euh, dans mon état de toute façon euh, je vais surtout dormir. Ok ça marche. Euh, tu, 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 je passe à, à la salle de bain. Vas -y, vas -y. On va s'arrêter là. Euh, pour ce soir, euh, je vais regarder qui est présent, qui on va pouvoir raid. Euh, tac, 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 tac. Il y avait du monde ce soir en, en live. 1. Plus qu'hier, j'ai l'impression. Ou alors, si euh, je regardais plus tard. Euh, plus tard, hier. Euh, je regarde un peu. Sully Carter, Sully Carter, je le vois tout le temps. Molly Jack, Briscott, ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus pourquoi. Zach la Lamano et Alangelo. C'est toujours les mêmes, hein <laughs> Il y a toujours les mêmes personnes, c'est terrible. Euh, Lixir, 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 Lixir. Est-ce que Lixir m'a pas raid Alors pas récemment du coup, parce que c'est pas possible. Ah non, c'est un, un cadet du BCSO. Eh bah ben, allez, let's go, allez, euh, on va chez... L'XIR, pardon, j'ai encore ouvert, il faut pas que j'ouvre. On va lécher l'Ixir. Euh... Ça va, c'est facile à écrire. Lixir et la reroll de nouveau VCSO. Ouais, il était crimi avant, Lixir. Je sais plus où mais il était... Bah, il était, il était criminel, euh, je le sais. Et, euh, et là, il, il est cadet au BCSO. Donc. Euh, voilà, aujourd'hui, bah, j'ai résumé ma, ma, ma soirée à Eliana, donc vous avez les grandes lignes, mais, euh, enfin, vous avez les détails, mais dans les grandes lignes, on a fait un ITT euh, on a révisé les, les lois pour voir ce qui nous choquait dedans, euh, sur les, les juges et, et les modifications sur les procs, euh, et du coup, un peu sur la procédure judiciaire. Euh, on a euh, parlé un peu du programme, mais euh, assez rapidement finalement, et euh, un peu comme ça. Euh, lost BCSO, BCSO. Et euh, ensuite, on est reparti faire de l'ITT avec, euh, avec Neige, mais du coup, on a vu qu'on qu pouvait tenir sur un véhicule. Alors, il faudra le faire à très basse vitesse pour des raisons évidentes de, de cohérence RP aussi. Et je préférerais qu'on le fasse avec un... Avec le véhicule dont elle a parlé, euh, j'ai oublié le nom. Mais parce qu'il y a des rambardes et tout, c'est plus cohérent aussi que de le faire sur un camping-car. Bon. Euh... Mais voilà. C'était pas mal. Euh, nous, on se retrouve demain soir. Donc demain soir, je rappelle, pour la euh, Pyjama Party. Euh, donc une Pyjama Party euh, entre Jim et Eliana. Et, et, euh, et, euh, et puis voilà, on se retrouve euh, donc, demain soir et tous les soirs qui suivent. Euh, bonne journée à vous